foule. Les bites, ah ouais, t'avais jamais vu une bite qui bondait. Romano. Je suis magicien. Marie. Tu mets ça dans la cuvette. Cédric. C'est ça, ouais. Samy. À la limite, je te tends mes fesses. Karim. Les clitobites. Genre les meufs, il y a des meufs, elles ont des clitos, c'est, t'as l'impression que c'est une bite un peu. Guigui. Femme qui rit, totalement dans ton lit. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, c'est Radio Libre et c'est parti jusqu'à minuit. Merci à vous d'être là. C'est mardi. Mardi soir en direct. Ouais. Eh bien, bonjour à vous tous et à vous toutes qui venez d'arriver. Vous tombez bien, vous allez rien louper de la Radio Libre. On peut tout dire, tout faire tous les soirs. C'est dingue de tout ce dont on peut parler tous les soirs. Profitez-en. Appelez-nous, donc 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, eh bien, vous nous envoyez vos messages. Le ouais. 41 759, si vous n'avez pas l'appli, ça marche. Le Skyrock.fm, allez y faire un tour. Et puis donc, vous faites avec nous cette grande radio libre avec également toute l'équipe qui est là comme tous les soirs. Bonjour à Marie, bonsoir à la Marie. Bonsoir tout le monde. Belle resplendissante fraîche. Oh, je te remercie. Sensuelle sexuellement. Au moins ça, ouais. Et donc profitez de la Marie. Au moins tout ça. Profitez également de Guigui. Grand. Aussi, ouais, grand, vas-y. Grand, con. Ça, c'est Karim qui l'a dit. Moi, je ne me serais pas permis, Guigui. Grand. Grand. Sympathique. Sympathique. Parisien aussi. Voilà. T'étais quand même plus emballé sur Marie, je trouve. C'est vrai, j'ai trouvé plus. Ah, ça y est, va être jaloux. Ouais, je te cache pas que ouais, je suis un peu jaloux là. Bonsoir, Romano. Alors, Romano tout petit. Bonsoir. Chevelu, ouais, chauve. Grave. Chauve et chevelu, c'est quand même. C'est quand même bizarre. Mais, oui, malade comme un chien ce soir. Et malade comme un chien. Ah ouais, putain. Alors, je te rassure, Medellin va très très bien. Ouais, je suis au bout de ma vie, quoi. Mais oui, c'est quoi cette maladie que t'as eu? T'as eu la même maladie que l'équipe de France la semaine dernière? Non, mais je pense que c'est un genre de. Je pense que c'est un Covid, moi. Tu penses à. Oula. Enfin, on l'a tous eu. Non, mais on l'a tous eu. Un petit peu de. Ouais, parce qu'on a tous eu. J'ai mal aux oreilles et j'ai les oreilles très bouchées et j'ai mal au nez. Tu as mal aux oreilles, heureusement que ça n'arrive pas à Karim, parce que imagine que Karim ait mal aux oreilles. Ah, bah laisse tomber. Je pense qu'on le perd. Avec la taille de ses oreilles. Donc, Romano, donc petit, chevelu, mais chauve. Ouais, c'est ça. Sympa, mais nerveux. Non, je dirais pas nerveux, je dirais que j'ai du caractère. Caractère, comme le. Comme le camembert, il a du caractère. J'ai du caractère. Il a du caractère. Sexuellement très 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 inventif. Ouais. Aussi. Cochon pervers. Cochon pervers. Ah Guigui, j'ai trouvé un truc. Ah vas-y. Romano, t'as oublié de dire Guigui. Déviant sexuel. Ah oui, voilà. Ouais. Même moi j'avais oublié. J'ai dit grand, sympa. Évidemment déviant, bah oui. Parisien, j'avais déviant oublié sexuel. Ça. Déviant sexuellement. Voilà, selon Romano, qui est docteur quand même. Non, c'est pas selon Romano, c'est selon le docteur Romano. Ah oui, attention, c'est pas normal. Oui, parce que c'est un truc sérieux. Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est sérieux là. Cédric, alors Cédric. Sale. Non, mais non. Franco. Belge, ouais. Débrouillard, ouais, c'est vrai. Voilà, hygiène douteuse, ouais, mais il fait des efforts. Je suis tout propre. Voilà, gastriquement instable. Putain, le week-end dernier, j'étais chaud. Gastriquement instable. Ah, c'est pas voilà. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs. Un truc ouais, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah, écoute, amateur, mieux. Amateur très tolérant. Parce que amateur de femmes. Non, amateur de femmes d'abord. Ouais, de femmes, oui. Mais également mais de femmes avec sexe d'homme. Non plus. Ce qui montre quand même une ouverture d'esprit. Donc ouvert d'esprit, c'est du cul. Et de jeunes femmes et de jeunes hommes. Ça, je te les laisse. Oh, bah, qu'est-ce que tu dis? Bon, voilà pour. Voilà pour Cédric. Ouais. Voilà pour les qualités. Et Karim. Alors Karim. Karim. Arabe. Arabe, voleur. Voilà. Mais non. Voleur. Voilà, malin et nerveux un peu. Je suis calme, moi, gros. Voilà. Moi, je suis un mec zen. Hein, papa. Ouais, double daron, gros. Voilà, double daron, mec. Ah, moi, je suis plus double P. Je vous annonce, je vais en faire un troisième bientôt, hein, je crois. Voilà, ouais, j'ai envie de lancer la machine. Ah, il enchaîne. Tu vas faire une équipe de foot, Karim. Et également, Samy. Eh bien, Samy, marseillais. Et pas là. Voilà, donc, mais. En arrivage, puisque. Qui arrive. Puisque j'en l'entends arriver, donc Samy. Oui, il est dans le couloir. Voilà, marseillais, donc voilà, vous avez l'équipe. Je suis là. Il est là. Ah, voilà, Samy. Je l'ai vu, le beau. Marseillais. Fan de Kylian Mbappé, mais en secret. Il a le nez comme toi. Il assume pas. Il est obligé de s'en cacher un peu. Il assume pas. Il va mettre un masque comme lui. Et voilà. Bon, ça va, Samy? Ça va très bien, bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Vous pouvez débarquer ici. Et puis Medellin, on oubliait Medellin. Alors Medellin, à quatre pattes, sympathique. Oui, bah c'est normal pour un chien. Joueuse, de grandes dents. Ouais, gentille. Oui, elle est mignonne. Elle ronfle. Ouais. Intelligente, si tu le dis. Intelligente, sensible. Non mais c'est voilà. Donc vous avez toute l'équipe, profitez-en, appelez-nous, c'est au 01 53 40 30 20, je vous l'ai dit. Ah mais du coup personne n'a fait du full.
Randy Fool. Cédric, venge-toi peut-être. Beau, intelligent, qu'il a mal parlé sur toi. Sympathique, inventif. Le gars se met bien. Sexuellement efficace. Machine à plaisir. Machine à plaisir. Machine à plaisir. Le même nez qu'Mbappé, Stéphanois, fan de foot, roi des pronostics footballistiques. Et le même compte en banque aussi. Ouais, pas un peu moins, un tout petit peu plus. Malheureusement, non. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Bon, voilà, profite donc de la soirée. Je vous disais, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Je vous salue, on salue Madinina qui vient d'arriver. Bonjour à Kai également. Bonjour Kai. On salue Danton Q qui est là aussi, qui est toute la soirée avec nous sur la route, comme tous les soirs. Eh bien, salut Danton Q, bienvenue à toi. Salut à Damzar qui nous remercie pour être là dans ces moments de solitude. On n'est jamais seul avec la radio, hein, jamais seul avec Skyrock. Et Ismaël, attends, je vais répondre à Ismaël. Et Ismaël qui est là, qu'est-ce qu'il dit, Ismaël? Il dit, je veux pas troisième gosse pour les allocs, hein, gros. Des gosses, c'est tout. Il est malin. Non, c'est pas pour ça, non. Il est malin, Karim. Non, en plus, c'est même pas pour ça, gros. Je m'en bats les couilles. Bon, profitez-en. Salut à Mousse du 9-3 qui est là avec vous tous les soirs. Heureusement, Difool, que tu t'es pas cassé le nez, sinon tu serais peut-être mort. Ah, pff, pas au moins, ça. Mais je ne suis pas qu'un nez. Et d'abord, je me suis. T'imagines, ouais, il a le cœur dans le nez. Ouais, je suis pas qu'un nez. Bah, y a pas que... Mais voilà, je serais. Et en plus, je me suis déjà cassé le nez. Et je ne suis pas mort. C'est vrai. Toi, t'as joué un match le lendemain. T'as pas fait comme Mbappé. Quoi. Et voilà, exactement. Il sera peut-être là vendredi, on verra. C'est pas sûr. Apparemment, il est incertain. Ouais, c'est pas sûr. Ça m'a surpris aussi, mais. On garde le suspense. Il est vraiment incertain. Vendredi, prochain match de l'équipe de France. On a suivi les Bleus hier dans la Radio Libre. C'est sympa. On a gagné. Enfin, c'était sympa. On a eu un Kylian avec le nez cassé. On a eu un Griezmann qui s'est pris une pancarte. Qui s'est pris une pancarte de pub, là. Voilà, boum. Dans le visage, qui s'est pété le front. Mais à part ça, écoutez, tout va bien. Bon, mais j'espère que vous allez bien vous aussi. Si vous avez un truc à nous dire, n'hésitez pas. 01 53 40 30 20. Profitez-en. Vous avez un truc à dire dans l'équipe aussi, n'hésitez pas. Si vous avez un petit conseil à nous demander, une story à nous raconter. C'est jusqu'à minuit que ça se passe avec au programme les doubles appels. Pour les doubles appels, sinon les numéros d'ailleurs. Les numéros des gens que vous voulez entendre dans le double appel. Vous aimez bien quelqu'un. Vous voulez lui faire une petite surprise, le faire passer sur Skyrock ce soir. Eh bien, c'est quand vous voulez. Donc, numéro de téléphone, vous nous envoyez tout ça. Et puis sinon, pour ce mardi soir, on va faire révision avec le grand rendez-vous de l'intelligence, du savoir. Ah, oui. C'est marrant, ça tombe un jour de bac en plus. Ah ouais, bah oui. Il y avait les bacs pro et puis il y avait le bac philo aussi ce matin. Ah oui, tiens. Donc, super, jour de bac. C'est une bonne journée, tiens. Oui, jour de bac. Et donc, Karim et Cédric sont à nouveau réunis. Les deux cerveaux de l'équipe sont là. Ouais. Nous-mêmes. Question pour un gros con. Eh oui. Le grand match que vous attendez tous avec le présentateur de votre jeu préféré, Romano, qui sera là. Ouais, oui. Aussi. Bien sûr. Aussi avec nous. Vous avez des souvenirs du bac pour montrer qu'on est solidaire avec ceux qui l'ont passé. Ouais, je vous dis ça à vous aussi qui nous écoutez. Je posais la question. Je posais la question à l'équipe. Alors on va élargir un peu. Alors on va faire. Est-ce que vous avez des souvenirs des examens que vous avez passés? C'est des bons souvenirs, c'est des mauvais souvenirs. Moi le brevet, je joue au foot. Moi le brevet, tu jouais au foot. Ouais. Mais pendant que tu passais le brevet. Pendant les maths, ouais. Pendant les maths. On avait décidé de faire un match. Bon, ça m'a éliminé, donc je l'ai pas eu du coup. Ah, c'est éliminatoire. Ouais. Ah ouais. Il valait mieux aller faire l'épreuve et le match après. Ah, tu as pas fait ça dans la salle d'examen. Non mais t'imagines. T'aurais dû faire ça dans la salle d'examen, comme ça t'aurais été présent. Non, mais de toute façon, en vrai de vrai, là. Il t'aurait mis une note au moins. Là, genre, un mec, il a un adulte, il cherche un travail, il dit, j'ai le brevet. Oui. Ça sert à rien. Non, complètement rien. Non, mais ça sert si, ça sert à rien. T'es pas obligé de l'avoir pour passer en seconde, je sais pas quoi. Non. Ou pour passer le permis. Si, maintenant, si, Romano a raison. Ah bon, ah ouais. Ça va changer cette année ou ça va changer. Non, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, mais je crois que ça a rechangé après, gros. Ah, bah, je sais pas, je change tous les ans, de toute façon. Après, quand t'es en troisième, tu penses à ton brevet, c'est normal, tu te dis pas que ça sert à rien. Bah oui, forcément. Ah, mais t'as les parents qui te mettent la pression, toi-même. Bah, il y a ça, oui. Tu te mets la pression pour l'avoir. Parce que là, ma grand-mère, elle savait même pas que je le passais. Oui. C'est bon, voilà, c'est on va dire tant mieux pour toi, Karim. Ouais. Ouais. Bon, le Fab nous dit, moi je me suis pointé en touriste pour le bac, mais je l'ai eu sans problème, c'est donné le bac maintenant. Goetz qui nous dit, moi j'ai un niveau maths sup. Putain, moi j'ai des potes qui ont fait maths sup. Ils faisaient des conneries quand ils étaient en terminale. Quand ils ont commenté, c'est maths sup. Maths sup, maths spé, quoi. Voilà, maths sup, maths spé. Maths supérieur, quoi. Et donc, quand tu. Ça fait bien quand tu dis, je fais ça. Maths sup, oui. Par contre, moi, les potes qui ont fait ça, ils sont restés enfermés pendant un an à faire leurs études, à travailler. Ça m'étonne pas. À travailler tous les jours, à passer leur vie, à bosser. Ah ouais, logique. Ils ont souffert. Mais maths sup, c'est pas prépa. Je crois que c'est une prépa. Maths sup, maths spé. Ah, maths sup, c'est pas pour le bac, ouais. Ah non, c'est après. Enfin, c'est spécialité maths, genre pour cursus, pour faire des grandes écoles, quoi. C'est ça. Souvenir du moi je vous ai moi j'avais dit pour le bac de philo, il faisait une espèce de canicule hallucinante, les gens puaient au bout de 4 heures, c'était très sympa. Bon, quand t'es dedans au bout de 4 heures, tu te rends pas compte que vraiment que ça pue, mais non, bah tu t'habitues. C'est ça. Non, mais en général en philo, il y en a quand même très peu qui restent au bout des 4 heures. Moi j'étais parti avant moi.
Ah ouais? Ouais, ouais. Je sais que nous, on pouvait partir au bout d'une heure. Et t'as un temps minimum, je sais pas. Ouais, t'as un temps minimum. Une heure, t'as pas le droit de partir, Guigui. Ah si 50% du temps. Je crois que c'est 2 heures. Tu pars au bout de 2 heures. En tout, ouais. en tout cas moi quand je l'ai passé c'était une heure sûre. Parce que moi j'étais resté pas une heure. Une heure sur les épreuves de 2 heures, non? Ah non non, parce que la philo moi c'était 4 heures. Ah je crois qu'en fait et au bout d'un cas c'était 50% du temps. Moi aussi je croyais. C'est pas une heure et demie. Après moi je l'ai passé il y a du coup quoi 5-6 ans, je sais plus. Ouais, nous on l'a passé plus récemment. Bah non, t'es un ancien toi. Avec Sabine on l'a passé l'année dernière. Moi c'était au bout d'une heure je pouvais partir déjà. Nous c'était pendant la canicule. Ouais, c'est ça pareil, voilà. On salue Rianal qui dit ah oui parce qu'elle est parent aussi avec les enfants qui passent des examens. Ma fille passe son bac, elle part en prépa maths sup pour une école d'ingénieur. Ah c'est ça, voilà. Dans 2 ans en spécialité maths. C'est une tête ta fille. Putain, ma fille passe le brevet aussi, gros. Eh ben voilà. Mais elle l'a déjà. Elle l'a déjà, gros. C'est un génie. Là, elle y va juste pour les mentions, en fait. C'est dingue. On va se demander si c'est la fille de, c'est la fille de Karine. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est ouf. C'est pareil, ouais, je me dis la même chose, gros. Bon, moi, au philo, j'ai eu 4 sur 20. J'ai jamais capté à cette matière. Mais par contre, ma prof était super bonne. Petit haut transparent, etc. Tu passais de bons moments. C'est Vince du 77 qui nous envoie. Ça l'a intéressé. C'est vrai que la philo, c'est quand même très spé. Ouais, c'est spé, mais la vérité, c'était un prof qui est bon délire, qui est intéressant. Moi, ça me plaisait. Bah, c'est les profs souvent qui motivent. Moi, il était complètement allumé, il me faisait rire. Ouais, c'est vrai qu'ils sont marrants, les profs de philo. C'est cool, tu vois, t'expliquer les trucs de. Ah, bah, moi, il est parti en milieu d'année parce qu'il a fait une dépression. Ah, bon, bah, voilà. Ah, merde, ok, voilà, ça après avoir fait une crise de nerfs, on l'a eu le dernier jour où on l'a eu, il a fait une crise de nerfs, il a jeté une chaise dans les escaliers. Et puis après, en hurlant, d'ailleurs, il était comme ça. Ah, bah, ils l'ont peut-être viré, du coup. Alors que pendant les cours, il parle comme ça, tout le temps, comme ça. Ah, il a pété un câble. Il a étudié Platon aujourd'hui. Ah, ouais, un jour, il a craqué. Il a Platon. Le lendemain où il a fait sa crise de nerfs, on l'a plus jamais revu. Parce que vous l'avez fait chier. Bah, sans doute. Moi non, parce que je l'aimais bien, il était rigolo, on s'endormait pendant ses cours, c'était sympa. Ah bah ouais, c'était rigolo, oui. Tu finissais ouais, il était un peu dans le délire de, tu sais, Josiane, la danse de forêt là. C'est quoi ça? Ah, si, la dingue. La dingue avec les arbres. C'était elle, mais version mec, il était ultra axé sur la nature. On avait parlé dans un boarding de la dame. Il ramenait tout aux arbres, à la nature, et il nous a raconté qu'il avait fait accoucher sa femme lui-même dans la nature. Ah, super. Pour que ses enfants naissent directement, tu sais, sur la terre, quoi. Au contact de la nature, ouais. C'est intéressant, quoi. Putain, mais il était perché, mais c'était super. Non, bah, pas, tu fais cool. Tu peux te moquer avec les potes pendant la récré et tout ça, c'est sympa. Ouais. Y a Ben qui se souvient de son brevet avec une meuf qui a vomi juste à côté de moi. Ah, elle devait être stressée, c'est le petit stress du brevet. Ah putain, ça te met bien, ouais. Ça. Ah ouais, j'avoue. Et SkyM qui dit, c'est vrai quand tu vois la philo comme ça, c'est vrai. La philo te fait voir différents points de vue sur la vie en général. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est vrai quand on essaie de se passionner et de s'intéresser à un truc. Ouais, faut se mettre dans le délire quand même. Il faut se mettre dans le délire. Hein. Il y a aussi d'autres choses. Il y a Gab qui vient nous envoyer un message. Salut Gab. Ouais, moi trop déçu. J'ai baisé une meuf aujourd'hui. J'ai tenu 10 secondes. Ah ouais, c'est pas long. Donc là, on change complètement de sujet, comme vous voyez. Ouais. C'est ce que je vous le disais. Rien à voir. Dans la radio libre, on peut parler de plein de choses. C'est plus rapide que 4 ans de philo, par exemple. Voilà, 10 secondes. Ah, t'es trop dégoûté. Mais c'est vrai que ça t'est dégoûté quand tu rencontres une meuf. Bah, il faut en mettre couvert. La première fois, la première fois, tu lui fais l'amour. 10 secondes, tu balances le truc. Bah ouais, t'es trop excité. Ouais. Cédric, toi, c'est arrivé dans les poils. Je vais te rassurer, Gab. On va faire un petit tour. On saute du coq à l'âne, on saute du. En fait, on se frottait. Du bac au précoce. Ah. On se frottait, tu vois. C'est comme si elle me masturbait, tu vois. Et là. Et puis, à un moment, c'est sorti. Elle se dit tout nu? Bah oui. Ah ouais, t'es tout nu. T'as pas fait ça dans ton pantalon. Ah, c'est là qui ont déjà giclé dans leur pantalon. Hein. Bah oui. Ou dans le... Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, envie d'éternuer. Putain. Je l'ai vu arriver, il a les yeux qui sont plissés. Alors, je vous explique quand même la scène. Cédric vient d'éternuer. Il y a donc de la morve sur la main. Il vient de s'essuyer sur son jean. Non, je crois que t'as fait peur à Medellin. T'as bien su sur Medellin. Elle est venue gratter direct. T'as eu peur. Il fait peur, le gros monsieur. Le gros monsieur. Ah, t'as vu, Cédric qui a fait peur. Donc, pratique le jean et le mouchoir. C'est. Bah oui, bon, écoute. Ouais, bon, écoute. Ça va, que tu vois. Ah là, c'est. Ça fait rêver. T'es toujours célibataire, chacun j'imagine. Chacun son petit truc, quoi. Exactement, chacun ses petites qualités. Ouais, donc toi, t'étais frotté, t'as tout balancé. Ouais, bah oui, c'est déjà arrivé. Tu vois, Gab, donc toi, au moins, t'as tenu 10 secondes à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est déjà ça. 10 secondes, c'est rapide, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Marie, t'as déjà un mec qui a tenu 10 secondes à l'intérieur, ou moi même? Non, j'en ai pas le souvenir. Mais t'as un mec qui est allé très très vite. Mais très vite, ouais. Genre il rentre et il fait 2-3 allers-retours et... Ouais, c'est déjà arrivé, mais parce qu'on avait fait de longs préliminaires. Ah, tu l'avais grave excité. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, t'as fait quoi après? Tu l'as engueulé? Les sexes. Non, parce que Marie, je vois bien mettre un gros connard, coup de prise, voilà. Hey, t'as déjà balancé la purée. Comment ça, 8 secondes? Non, je l'avais pas engueulé, mais je lui ai dit de continuer à s'occuper de moi. Pour que je jouisse. Ah, après?
Bah oui. Mais la continuer comment? Parce qu'elle habite molle, j'imagine. Avec les doigts. Avec les doigts, d'accord. Bah, ouais. Avec la main. Et les pieds également. Ouais, c'est ça, avec tout le corps. Là, il m'a fini au doigt. Il m'a fini au doigt de pied avec le gros orteil. Ah ouais, cool. C'est ce que je préfère. Non, mais dans ces cas-là, il y avait la chatte qui pue les pieds. Ah, bâtard. Non, mais il faut continuer à s'occuper de ta chérie, tu vois, parce que tu peux pas la laisser comme ça sur le carreau, quoi. Oui, tu peux faire ça en lui disant, oh, mais vraiment, t'es vraiment. Ça va. Jamais une fille ne m'a fait ça. Genre, tu lui dis, mais jamais une fille ne m'a fait ça, mais je sais pas ce qui m'arrive, j'ai giclé au bout de 10 secondes. Bah ouais. Ouf. En plus, c'est flatteur pour nous. Tu vois, Gabriel, on peut. Enfin, Gab, plus précisément. Tu tournes le truc à ton avantage, voilà, en fait. On peut te montrer que t'es pas tout seul. Ce qui est bien à Radio Libre, c'est qu'on s'écoute tous les uns les autres et on se rend compte que bah, ça arrive à tout le monde d'avoir eu ces petits problèmes. C'est rien. Ah, c'est rien. Cédric, toi, tu vis avec, en fait. Bah ouais, non, mais c'est pas tout le temps. Hein. Je te rassure. Ah non, mais tu baisses plus, donc là c'est vrai qu'actuellement. Voilà, il vit surtout seul. Actuellement, t'es pas. Forcément. T'es pas précoce. Moi, ça m'arrive souvent la première fois. Tiens, le message de Melchior sur l'appli Skyrock. Ah, c'est quand tu fais l'amour la première fois avec une fille, tu gicles vite. C'est toi, Romano aussi, qui nous avait dit ça. Toi, les premières fois en général, t'es très excité, tu gicles très très vite. Ah ouais, je suis assez mauvais les premières fois. Mais après, je me rattrape bien, je lui mets sa race. Donc faut rester en fait. Et après, il se rattrape bien. Tu as entendu, Gab, bientôt. Tu vas bien te rattraper et tu vas, si tu suis le chemin de Romano, lui mettre sa... Lui mettre sa race. Très bien. Mais 10 secondes, c'est déjà arrivé, Romano, 10 secondes comme ça? 10 secondes... Ah, 10 secondes, tu fais 3 allers-retours. Ouais, peut-être pas 10 secondes, mais genre peut-être une ou deux minutes, quoi, tu vois. Voilà, très bien. Guigui, toi aussi, tu nous avais dit... Quelques allers-retours, mais rien de plus, quoi. Vous avez dit 2-3 allers-retours et... Ouais, moi ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et comment t'avais. Ça m'est arrivé la première fois où je l'avais fait sans protection ni rien. Ah, sans préservatif. Je me sentais tellement bien, c'était tellement tout chaud, tout doux. Je me sentais tellement bien dedans. Et là, donc tu as aspergé sa grotte d'amour. Ah, je pue. Sa grotte d'amour. Ça aussi, c'est mignon, ça. C'est mignon. Non, mais ouais, c'était parti très très vite. Alors, j'ai pas le timing précis, mais on est largement. En dessous des 10 secondes. Ouais, largement. Ah ouais? Non, mais je pense que c'était moins de 10 en vrai. Ah ouais? Ouais, je peux faire le mytho, c'était moins de 10. Mais t'étais mal, non? Oh, un peu. Un peu beaucoup même. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais plus ce qu'elle a dit. Bah rien. Et toi t'as dit quoi? Bah rien non plus. Mais t'as en rien fait, dit. Non mais tu connais parce que bon c'était ma meuf aussi. Il est parti se cacher. C'était ma meuf. Donc il y avait pas de souci, on l'avait déjà fait avant et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'arrêtes et tu fais un petit câlin, tu passes à autre chose. Ah ça va sinon. Ouais, on fait t'esquives. Ça te dirait qu'on va sinon on parlait de toi. Non mais tu vois, t'esquives le truc. On va jouer à FIFA ma chérie, ça te dit? Ouais, non mais tu de toute façon t'as rien à dire à part dire désolé. Mais la question que je me pose moi les filles, c'est quoi, vous pensez quoi au plus profond de vous-même dans ces moments-là? C'est-à-dire quand vous commencez à faire l'amour et que... Bah tiens, on a Sonia quoi, on est en ligne avec nous, on va lui demander. Ah bah demande-lui. Sonia en direct de Gap. Salut à toi Sonia. Oui, bonsoir. Salut Sonia. Salut Sonia. Bienvenue. On va régler le téléphone Sonia parce qu'on t'entend très très mal. Mais on va te poser la question, je vous pose la question d'ailleurs les filles. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Comme Gab, quand ça part au bout de 10 secondes. Ah bah, soit t'es dégoûté. Oui. Hein, ça c'est clair. Soit tu te dis, c'est la première fois, comme Cariole, elle s'était dit sur Romano, c'est un tocard. Ah oui, Cariole, elle avait été dure avec toi. Non, elle m'a pas dit. Non, elle t'a dit si ça continue comme ça. Non, mais en fait, notre relation était basée sur le cul. Elle m'avait dit, ouais, je te préviens, si c'est comme ça, bah ça n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est sûr que pour un plan cul, bon. Bah, j'avais répondu, effectivement, regarde, ça n'a pas duré longtemps. Mais toi, tu veux être stressé, non? Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Non, mais ou alors tu te dis que tu l'excites trop. Ouais, bon, c'est ça. Et les filles, c'est ça qu'il faut se dire. Vaut mieux se dire ça, c'est plus positif. Non, mais ça, faut toujours penser au positif. Le positif amène du positif. Ouais, mais si c'est la première fois, tu te dis putain, s'il est comme ça tout le temps, t'es un peu déçu quoi. Ah ouais, donc vous êtes quand même, putain, qu'est-ce qu'il est nul. Après, quoi. Ça dépend, c'est ce que disait. C'est en gros, hein, si je résume un peu la pensée de la Marie, c'est oh putain de merde, mais qu'est-ce qu'il est nul. Ouais, mais ce que disait. C'est fini, c'est tocard. C'est de dido. Après, tu peux pas dire autre chose non plus. Hein. Quel naze. Tu vas pas dire que c'était génial non plus. C'est un gros naze. Ouais, voilà, bon, calme-toi, Marie. Mais non, mais après, quand t'es en couple depuis un petit moment. C'est abrutive. Gros con. Oui, bah ça va, Marie, c'est bon. Non, mais tu sais que vous pensez dans votre tête? Non. Ah bah tant mieux, oui. Je voulais dire un truc, mais j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Je n'arrive plus à parler. Les mots ne sortent plus de ma bouche. Non, Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui se passe. Non, ce que je voulais dire. Allez, vas-y, Marie, allez, essaye. Non, c'est bon, je vais pas la faire cette phrase parce que ça fait 5 minutes que j'essaie de la faire. Alors vas-y, attends. J'abandonne. Faut jamais abandonner. Non, mais je disais simplement. Oui, simplement. Allez, vas-y. Simplement, c'est. Tu as attendu un peu, Marie. Commence pas, s'il te plaît. Qui? Un Guigui qui joue avec le micro. Qui me je crois que c'est le micro de Marie qui se met à bugger maintenant. On n'a pas de chance. Non mais ce que je voulais dire c'est que c'était différent quand t'étais en couple avec quelqu'un depuis un petit moment, tu vois.
que si c'était une première fois et tout ça. Donc tu te dis pas les mêmes choses. Bah écoute, ouais, pour Gab, lui c'est la première fois, donc il est content. Voilà. Hein, t'imagines la chance qu'il a, le Gab. Bon Gab, il faut te dire que c'est pas voilà. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. C'est un peu humiliant. C'est vrai que c'est un peu relou, mais c'est bon. Grave si ça arrive à chaque fois, quoi. Bon, il y a ouais, donc Sonia, tiens, je te pose la question que j'ai posée à la Marie il y a un instant. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec précoce, toi? Ah. Ouais. Alors, ouais. Ah bah ouais. Tu peux tout nous dire, non. Sonia. T'es jamais tombé sur un mec précoce? Ah bah écoute, tant mieux. Eh bien écoute. Si. Ah. Mon ex, ton ex, il était précoce. Et quand il était précoce. Ah ouais, il était précoce, ouais. Et quand il jouissait. Il a à peine rentré que voilà. D'accord. Ah, direct. Donc c'est bien, c'est à chaque fois. Tu vas être mon cobaye ce soir. Incroyable. Mon cobaye, Sonia. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu penses quand le mec, il en. Voilà, quand il jouit très rapidement. Ça reste 5 secondes. C'est quoi le truc qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Eh ben, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Voilà, si j'avais su, je ne serais pas venu. T'es déçu, voilà, quoi. Si j'avais su, je serais pas venu. Ouais, si j'avais su, je serais peut-être resté chez moi, je serais peut-être allé voir des copines, tout ça. Voilà, ouais, c'est ça. Très bien, Sonia. Bon, tu vas nous expliquer, mets-toi dans un endroit tranquille et on t'entend bien, ouais. Sonia. Parce que là, c'est la fête à Gap ou quoi? C'est la fête au klaxon. Ah ouais, je te jure. Donc, on va te retrouver, Sonia, parce que tu nous appelles pour autre chose en plus. Et il y a Samadou qui voulait réagir pour Gab. Merci à toi, Samadou, d'appeler pour Gab et d'être solidaire avec Gab, qui donc, pour une première fois, a tenu 10 secondes cet après-midi. Donc, il a passé. C'est dingue parce que tu baisses, donc, moi, ça doit être un bon moment. Et au final, tu termines ta journée en disant, putain, je suis dégoûté. J'ai tout balancé en 10 secondes. Après, c'est le risque, hein. Ah bah oui, c'est Samadou de Lille, oui. Salut à toi Samadou. Salut, comment vas-tu? Ça va salut. Et toi, tranquille? Très bien, ça va. Alors explique-nous qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce sujet lancé par Gab là. Par rapport à Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raison, il ne faut pas laisser comme ça sa copine, tu vois, il faut finir au minimum avec la main, quoi, tu vois. Donc, bah oui, la faire jouer. Faut pas faire l'enfoiré, quoi. Faut pas penser qu'à lui-même. Tu vois. Ouais, genre, j'ai pas pris mon plaisir. Bon, bah, ça y est, c'est fini. Terminé. Non, mais c'est ça. Allez. Mais y a trop de mecs comme ça, hein. Ah ouais, des mecs qui. Ouais, après, faut voir si c'est la première fois qu'il a fait aujourd'hui, tu vois. Avec la personne, quoi. Ouais, ça dépend de la meuf. C'est un plan cul, t'en bats les couilles, hein. Ah, je sais pas, c'est quand même humiliant. Tu fais l'amour avec une meuf, même si c'est un plan cul, t'as quand même. Rien à carrer. Justement, c'est un plan cul. C'est le but de prendre du plaisir, tu vois. Ouais, bah lui, il a pris son plaisir, hein, Gab, il a giclé. Ouais. Ah, mais moi, je suis. Même. On pense aussi à la fille, quoi. Ouais, tu vois, même un plan cul, moi, je trouve c'est un peu humiliant de. Bah ouais. Tu vois, tu balances en 10 secondes. Carrément, ouais. T'es. Même si. Ça craint quand même. Bon. Non, mais ça craint, mais après, tu fais pas autant d'efforts que si c'est ta meuf officielle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais pour une première fois, en fait. La vérité, je suis pas sûr, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, moi, je me barre. Que ce soit ta meuf officielle ou pas, tu sais. Tu sais ce que tu vas faire. Non, moi, j'attends un petit peu, je remets le couvert, gros. Ah, comme Cédric. J'en mets le couvert. Ouais, bon, la deuxième fois, t'as encore l'air. Toujours plus. Cédric, toujours précoce, t'as vu, il vient de le dire. Moi, je remets le couvercle. Cédric, il remet le couvercle, ouais. Ouais. Mais moi aussi, je ferais pareil. Je remets le couvercle. Non, parce que la deuxième fois, en général, t'es pas si précoce que ça, gros. Et toi, ça t'est arrivé. À de nombreuses reprises, c'est régulier chez toi, Samadou, t'es précoce en fait comme Cédric ou Non, je pense que quand j'étais plus jeune, voilà, quand tu faisais pas plusieurs fois, quoi, on va dire. Au début de ta vie sexuelle, ça partait vite. Ouais, bah ouais, je m'en foutais, quoi, réellement, c'était pas vraiment. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, alors, c'est comment ta vie sexuelle? Non, aujourd'hui ça va très bien. Ça va très bien. Ensemble, ça va, ouais, très bien. Et quand tu tiens, c'est pas comme Cédric. Parce que Cédric, lui, est précoce en fait. Tu es précoce en fait. En fait. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, quand tu fais l'amour, c'est. Tu peux te dire combien de temps? Sans m'étonner, hein, juste non, la vérité. Non, franchement, je te mens pas du tout. Et franchement, je peux pas. Je te mens pas à 8 heures. Non, pas du tout. Bah, on va aller, je pense que ça fait moyen 5-10 minutes, 5 minutes, voilà. Mais. Bon, non, je suis pas là à côté à trouver des exploits. Pas du tout. La moyenne des Français, je crois que c'est 7 minutes. Hein, quand, Putain, mais moi, ça me. 7 minutes de coït. Eh, des fois, je peux défourailler, frérot, pendant une heure. Elle en peut plus, la meuf. Je suis en sang, mais moi aussi, j'en peux plus. Ah ouais, moi, une heure. Je vais pas vous cacher. Bah, moi, baiser. Baiser, aller-retour, tu vois, mais vraiment le coït, aller-retour pendant une heure. Ah, je te jure, gros. D'abord. J'ai jamais fait, mais c'est long. Non, mais dans ces cas, pourquoi tu te retiens? C'est simplement que ça vient pas, en fait. C'est déjà au bout d'une demi-heure, en train de limer. Ouais. Ah, toi aussi, Marie, t'es d'accord? Ah, bah, si c'est du non-stop, oui. C'est ce que je veux dire, relou, oui. Ouais. Ça, tu rentres et pam, pam, pam. Non. Tu vois, comme pendant un film de cul de Brazzers de Guigui. Non, mais j'ai jamais regardé, moi, ce truc-là. Ça baisse pendant une demi-heure dans Brazzers, comme ça, pam, 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 pam. Oh, bah, il y a des films qui sont très longs, hein. Je suis pas très Brazzers.
J'ai pas les timings en tête, mais je pense que t'as des films qui font, ouais, une heure et demie. Hein. Et le mec, pendant une heure, il... Je sais pas, parce que du coup, moi, je reste pas toute la vidéo. Ah, il tient pas le... Oui, c'est vrai, on parlait des précoces, c'est-à-dire ce geeky. Moi, je peux pas tout voir non plus. Évidemment. Même en se tapant une queue, ça... Non, ça, c'est mais pas facile. Ça part très très vite. Non, mais t'as donné des bons conseils, c'est bien les conseils que t'as donné, Samadou. Mais y a pas de soucis. C'est-à-dire que même si ça part très vite, bah, faut quand même continuer, on peut faire plein de choses. Même, oui, avec, bien sûr, même avec le zizi... Avec le zizi tout mouf. Ouais, c'est ça. Faut pas laisser au carreau, quoi. Voilà, exactement, tu la laisses pas sur le carreau. C'est ce que je disais. Tu la laisses pas sur le carreau, ouais. Moi, quand j'étais au lycée, tous les mecs avec lesquels je sortais, c'était tous précoces. Je pense que c'est une question d'âge également. Ah, tu veux dire que plus t'es jeune, plus t'es précoce? Je suis pas sûr, hein, parce que regarde, Cédric, t'es pas tout jeune. Et pourtant, tu nous l'as dit, Cédric. Je suis précoce, en fait. Et ah, ouais. mais non. Eh ben, si. Donc, je pense pas que ce soit seulement une question d'âge. Après, c'est vrai, peut-être les premières relations, t'es surexcité parce qu'il y a pensé, tout ça. Ah, c'est ça. La femme, tu manques ta paquette, ouais, tu es obligé. Et après, oui, c'est vrai, quand tu fais des pauses et que ça fait longtemps que t'as paniqué, peut-être. Ouais, moi, je suis précoce, mais mon zup reste dur. C'est le message de Fruit de la Passion. Ah oui, après avoir éjaculé, ouais, ça arrive souvent, ça. C'est Fruit de la Passion qui arrive à rester dur après avoir éjaculé. Bah voilà, donc tu continues. Ah bah là, tu fais comme si de rien n'était, oui. Ouais, ou bon. Ouais, mais c'est mécanique, normalement, ça tombe un peu. Là, bah, moi, ah bah, ça, non, mais... moi, ça tombe un peu, mais Marie, a priori, t'es tombé sur des mecs qui restent. Je t'assure, il y en a qui restent durs. Ah ouais, ouais. Ah, les tiens, ils sont costauds, Marie. Non, ils sont sous-produits. Ah, ok, c'est pour ça. C'est le game sex. Quand les mecs, ils sont chargés à bloc, ils ont l'avantage des produits. Ils ne vendent plus. Bah, non, tu dis des conneries, parce qu'en général, c'est l'inverse avec de la drogue. Ah, ça diminue, ça débande. Ah, bah non, parce que chez Marie, c'est toi la professionnelle, je te. Non, alors je ne suis pas professionnelle, mon petit gars. Professionnelle du sexe. Mon petit gars, mon petit gars. Je suis professionnel de quoi? Du sexe, Marie. En fait, Non, mais je sais pas. Ah ouais, je suis une pute, en fait. C'est quoi? Mais non, rien à voir. Mais quel est le rapport? Non, mais je sais pas. Il me dit que je suis professionnel. Ah, professionnel du sexe, c'est pas être une pute. Non, moi, c'est pas professionnel de la drogue. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel camp me mettre, là, entre vous deux. Je m'estime moi-même professionnel du sexe, et pourtant... Hein, tu n'es pas gigolo. Je suis pas une pute. Ah, c'est une grosse pute. Pourquoi tu dis que je suis une pute? Bah non, t'es méchant. Et méchant quand il est malade. Méchant. Non, mais je suis pas une pute. Pourtant, ah, bah non, je suis pas une pute. Ah, c'est bien dommage. Ah ouais. Oui, je sais, Cédric. Bah, écoute, tant mieux pour moi. Ça fait. Voilà, ça fait déjà un problème en moi à gérer. Ouais, tu m'étonnes. Tiens, si vous avez donc un témoignage là-dessus, allez-y. Vous nous laissez vos messages. Faites comme Smile, comme Margot du 09, comme El Nasca, comme Marac. Macaque, pardon. Qui vient d'arriver, comme Valentine, Pablo et tous les autres. Vous avez l'appli, vous envoyez vos messages. Et puis le 01 53 40 30 20, ça c'est gratuit pour nous appeler. Merci Samadou, hein, merci des conseils que tu as donnés. T'es un champion, Samadou. Problème. On te fait une bise. Bisous à toi. Bisous, à allez, vous pouvez nous appeler pour nous parler de tout ce que vous voulez. Dans un instant, on va écouter Sonia qui nous appelle pour autre chose. Sonia, c'est. On va rester dans l'amour, et peut-être un peu dans le sexe aussi, hein, Sonia. Tu bouges pas? Oui. Tu restes avec nous, on va s'occuper de toi et puis on s'occupe de vous aussi. Hein. Juste après Carbone, le son de Carbone, c'est Imagine. Et profitez-en pour nous laisser vos messages pour passer dans l'émission et pour les doubles appels aussi, parce qu'on va attaquer une double appel. Dès qu'on a testé nos familles, on attaque tout ça, mise en contact des familles, les doubles appels, pour nous aider à nous faire passer une belle soirée. Allez, belle soirée avec Carbone là tout de suite, c'est Imagine sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Tu bandes déjà là, Marouane? T'es en train de bander? Pas encore, mais le moindre contact, je risque d'éjaculer, voilà. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. La première fois que j'ai sodomisé une meuf, ça fait très mal passer. Ça pue la merde dans toute la voiture. What the fuck? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, vos témoignages, venez comme vous êtes, n'hésitez pas, appelez-nous 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, vous envoyez vos messages, vous venez faire de la radio avec nous tous les soirs, vous avez un truc à dire, un service à demander, eh bien on est là tous les soirs en direct, c'est Radio Libre, la plus grande Radio Libre de France, en direct de toute la France. Vous débarquez ici, on a Sonia qui est avec nous d'ailleurs, qu'on va prendre tout de suite. Les doubles appels qui arrivent, question pour un gros con, notre grand match, c'est un peu notre examen à nous à passer ce soir. Ça, Cédric, ouais. Et Karim, vous allez passer un examen. Le professeur Romano est là pour vous poser des questions tout à l'heure. Exactement. Et oui, vous allez passer l'examen en direct sur Skyrock. C'est ça. Je sais que vous l'attendez tous les mardis soirs, notre grand match, question pour un gros con. La semaine dernière, c'est Guigui qui a joué, non? C'est ça, ouais. C'est ça. C'était Guigui ou Carré? Non, c'était Guigui, t'as fait quoi d'ailleurs? Il a gagné. J'ai gagné. Ah, tu vois là? Et il a gagné ou là? J'ai gagné. Ah oui, t'étais malade, t'avais la maladie de Romano. C'est ça. En fait, Romano, c'est Karim qui t'a balancé la maladie.
Ouais, mais je l'ai balancé à Cariole avant qu'il te la donné après. Ouais, parce que Cariole est malade aussi, mais là en fait j'ai surtout les oreilles bouchées. C'est il avait fait 5 j'ai mal aux oreilles. Il faut qu'on parle fort. Bah, je mets mon casque un peu plus fort. T'es Romano, dans pas longtemps, il va te faire comment ? Ça me fait mal à la tête. Ah bah, Cariole, c'est la rondingue. Si elle me parle, je comprends, j'entends rien ce qu'elle lui dit. C'est vrai, tu comprends rien. Ah non, ça me. Et en plus, ça énerve les filles. C'est-à-dire, quand vous nous parlez d'un truc et que. On fait comment ? C'est genre, ah oui, mais tu m'écoutes pas. Ouais, ah bah, oui. Quelquefois, c'est fois ça. Dis, chaque fois que je te dis des trucs, t'écoutes jamais ce que je te dis. Mais elle m'a fait surproche, moi, ma meuf aussi. Elle t'a dit que tu l'écoutais pas. La dernière fois, là, franchement, tu la prends vraiment pour une conne. Parce qu'avec les oreilles que t'as, Karim. Faire croire que tu n'entends pas, c'est vraiment. C'est pas que j'entends pas, se fout de la gueule. En fait, j'entends, ça rentre dans une oreille et tellement l'autre, c'est tellement elles sont balèzes mes oreilles que ça ressort par l'autre. Ah, il y a des courants d'air. Ouais, exactement. Non, et l'autre fois, elle se prend yaourt. De quoi ? L'autre fois, elle se prend yaourt, elle est posée, elle mange. Je lui dis, ah, vas-y, tu m'en ramènes un. Elle dit, mais t'es sérieux ? Je viens de te proposer, tu m'as dit non. Ah, voilà, ça c'est les problèmes de couple. Non, mais quelquefois, c'est genre tes pensées. Oui, c'est ça, tu penses à autre chose. Ouais, c'est ça. Et ça, en général, ça fait super plaisir. Ça, ça veut dire, je l'écoute même. T'as l'impression que t'en as rien à carrer dans ce truc. Non, mais encore ça va, une question comme ça. Mais si tu parles d'un truc super sérieux et que, en fait, il te dit quoi, là, oui, effectivement, ça peut être un petit peu chiant. Oui. Il ou elle, d'ailleurs, parce que. Genre, par exemple, tu dis, bon, je pense que je vais mourir. Et là. Et on te répond super. L'autre il te répond oui. Ah ouais, bonne année. Oui, ouais. Ouais, c'est ça, t'es complètement à côté de la plaque. Voilà, oui, merci chérie. Bon, allez, vous nous appelez, vous avez la parole tous les soirs. Profitez-en, appelez-nous 01 53 40 30 20. Vous avez votre appli, les messages, tout ça. Et ben, elle nous a contacté, elle est avec nous maintenant. C'est Sonia en direct de Gap. Resalut à toi Sonia. Bonsoir Sonia. Ouf, Médeline te salue. Dis bonjour. Salut également. Elle est polie. Voilà, elle te dit bonjour. Bonsoir Médeline. Bonsoir Médeline. T'as dit bonsoir. Oh, t'es contente. Coucou. Hein. Ouais, ouais. Voilà, t'es beaucoup, elle est gentille. Alors, elle est super. Bah oui, bien sûr que oui, elle est super. C'est un gentil, c'est un très gentil chien avec des très grandes dents, hein, Médeline. Ouais, c'est ça. Tout petit chien. Oui. Tout petit, 22,5 kg. Ouais, quand même, taille mannequin. Ah ouais, taille mannequin, ouais. Belle gosse, tout ça, des beaux tétons. D'ailleurs, ça excite beaucoup certains membres de l'équipe que je ne citerai pas, mais qui sont célibataires. L'autre fois, tout à l'heure, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, ça doit être chelou d'être un animal. Pourquoi ? Un chien. Bah, parce que tu baises un autre chien, il a la même tête que toi. Bah, pas forcément. Sérieux, tu penses à des trucs, toi. Tu vois, vous êtes. Il pense à des trucs. Toi, tu penses à ça quand tu. Ouais, je me dis, c'est chelou. Tu vois un chien dans la rue, tu te dis, c'est chelou de baiser quand tu as un chien. Tu peux ramener un mâle qui ressemble à Médeline, tu vois, ils ont à peu près la même tête. Ils tiennent ensemble, ils ont des frères et sœurs. C'est pour les humains. Ah, c'est chelou un peu, gros, tu vois, ils se ressemblent. Bah, peut-être que pour les animaux, on a tous la même gueule, nous aussi. Bah, ouais. Peut-être pour un animal, tu vois, Romano, Cédric, tout ça, il n'y a aucune différence. Ah bah j'espère que si quand même. Tu peux quand même. Non mais peut-être que pour, tu vas nous lever, pour un chien, vous êtes les mêmes. Non, tu vois, c'est chelou, tu vois, t'as un chien, tu niques un autre chien qui a la même. Mais non, parce qu'ils reconnaissent les visages des chiens. Oui, c'est vrai. Et puis, les odeurs, non, je pense, non. Là, ils reconnaissent les visages. Après, ouais. Et puis en plus, si t'as un chien. Ils reconnaissent les corps aussi. Parce que moi, je vois par exemple la gardienne de mon immeuble, je sais pas, je suis à 50 mètres, mes chiens, ils courent direct vers elle, tu vois. Parce qu'ils reconnaissent ton corps. Et, non, c'est ma gardienne. Son corps. Ah, ils reconnaissent le corps de la gardienne, oui, d'accord. Que, oui. Non, mais ils la reconnaissent en tout cas. Mais si par exemple, il y a quelqu'un d'autre devant mon immeuble, ils s'en battent les couilles, tu vois, quand c'est pas elle. D'accord. Ah oui, parce qu'ils connaissent la gardienne, ils l'aiment bien, ils la reconnaissent de loin. Ouais, c'est ça, ils font des câlins. Ah, moi, je pensais qu'ils voyaient pas très bien. Des fois, elle pisse de joie dans le hall. J'ai l'impression qu'ils voient super bien. Moi, elle voit des trucs que même moi je vois pas, hein, parfois. Le jour, elle a repéré une limace. J'avais aboyé contre un brin d'herbe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout, l'autre, aboyé contre un brin d'herbe. Elle était là. Je me dis, qu'est-ce que tu fais, Médeline? Qu'est-ce que t'as vu? Bon, il y avait une limace. T'aimes pas les limaces? Non, t'aimes pas. Non, elle aime pas. Mais moi, elle se roule dans les vers de terre, moi. Ah, elles adorent les vers. Tu vois, comme quoi. C'est des fois, elle gratte dans l'herbe. Elle voit un vers de terre et elles font des boulets dessus, quoi. D'accord. Et au début, on comprenait pas, mais un jour, on a vu qu'il y avait des vers de terre, donc elles adorent. Elles adorent. Elles les mangent ou pas? Non, elle les mange pas, elle se roule dessus. D'accord. Bon, ça après, elle veut pas du déverser sur le corps, tu vois, Non, mais non, elle rentre là. Non, mais on les pose, tu vois. Ah, là, elle voit aller chez le coiffeur, ça va me coûter une blinde. C'est le coiffeur. Voilà ce que c'est d'avoir des cheveux. Ah, putain, ouais. Pour les deux, j'en ai pour 150 balles. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais, ça. 75 balles par rien, je crois. Ah bah, c'est quand même. Ah oui, c'est. Toi, Médeline, c'est un budget, hein. Médeline a les poils courts, pas besoin de coiffeur pour Médeline. Ah, puis elle les perd tellement. Tu pousses jamais. Ah oui, ce temps-ci, c'est un truc. Ah ouais, putain, laisse tomber, tu la caresses, tu te retrouves avec 25 milliards de poils. Bon, alors, tu nous appelais peut-être pas ce soir pour nous parler des chiens ou des chiennes, Sonia, quoique on a le droit d'en parler aussi. Tu nous appelais pourquoi, Sonia, toi, explique-nous tout.
Moi, je vous appelais, c'est pour savoir, en fait, je voulais avoir des conseils. Ouais. Et savoir s'il y a des personnes à qui c'est arrivé. Mmh. Voilà, moi, je suis liée d'amitié, en premier lieu avec une personne que je connaissais pas, que j'ai connue par le biais de... Une personne masculine, féminine, un mec, une meuf ? Un mec. Mmh. Voilà. Et voilà, donc c'était super, on parlait de tout, on s'appelait... Tu l'as rencontré sur les réseaux, ça ? Tu l'as rencontré où ? Pas du tout, non, j'ai pas rencontré sur des réseaux, je l'ai rencontré... Dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie, ouais, chez des personnes que je connais. Chez des potes en commun. D'accord, ok, ouais. Voilà, et voilà, hein, moi je... Et il habite pas dans ma ville, il habite à Grenoble. Mmh. Voilà. Toi, t'es à Gap, hein. On reste dans les Alpes, mais bon, c'est de l'autre côté, quoi. C'est à 50 bornes, quoi. 50, 60 bornes. Ah ouais, bon, tu mets 4 heures pour y aller, mais. Ah bon? Eh ouais, tu contournes les montagnes, en fait. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ah oui, c'est pas loin, mais c'est un bon pour y aller. Ah oui, à vol d'oiseau. Je sais pas, prends un hélicoptère. À vol d'oiseau, il doit avoir 100 km. En voiture. Ok. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, on parlait, tout ça. Et mais vraiment, c'est vraiment lié de, enfin, vraiment une complicité. En plus, on a eu plein de points communs, enfin, plein de choses comme ça. Mmh. Il est plus âgé que moi. Et il a 50 ans. Ah oui, toi t'as la trentaine. Ah ouais, ça fait quand même 20 ans d'écart, quoi. Ouais, bon, après pourquoi pas. Bon, écoute, pourquoi pas. Voilà, donc. On sera peut-être très content quand on aura 50 ans de serrer des petites meufs de 30 ans. Ouais. Peut-être. Ouais, c'est savoir. C'est vrai que dans pas longtemps, dans 5 ans. Voilà. Voilà. Guigui, c'est comme si tu sortais avec une meuf qui avait 3 ans. C'est ça. Ça fait que... C'est horrible. Ouais, présent. C'est merveilleux. Ouais. Présente ta meuf, Guigui. Non, c'est compliqué là. C'est vrai quand on. Bon. Ok, donc bon, pourquoi pas. Donc le mec t'intéresse, ça se passe bien, vous discutez ensemble. Et, okay. On discute de tout et de tout, de rien, de tout, mais vraiment de tout, quoi. Mmh. Et en fait, il me parlait surtout de lui. Raconter sa vie, ses ex, ceci, cela. Ça, c'est pas bon, ça. Si vous êtes un mec, alors je sais pas, tu vas nous dire si chez toi ça a fonctionné ou ça t'a rebuté un peu. Mais en général, quand on discute avec une meuf, faut parler d'elle. Enfin, même les mecs, quand vous êtes dragué par une meuf, vous aimez pas qu'elle vous parle, qu'elle vous fasse la liste de ses ex, j'imagine. Non. Bah oui. Bah la liste, non, mais tu sais, quelqu'un qui parle tout le temps de soi, je pense que c'est relou. Ça mange la tête, c'est ce que j'allais lui demander, Est-ce qu'il te mange la tête quand il te parle tout le temps de lui? Ben, franchement, moi, des fois, j'étais mal à l'aise, parce qu'en fait... Sauf s'il est super intéressant, des fois, il y a des gens, ils parlent beaucoup, mais ils sont intéressants, tu vois. Et dans le sens inverse, c'est des gens qui le sont absolument pas. Ouais, c'est vrai aussi. Mais il faut s'intéresser aux autres. C'est pas si tu parles que de toi tout le temps et s'il te pose jamais de questions sur ta vie à toi. Non, et puis même si tu parles de toi, par exemple, et qu'il ramène le truc à lui. Il parle que de lui. Tu vois, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Il ramenait toujours tout à lui. Et le truc, c'est pas ça, c'est qu'il parlait tout le temps de lui et tout. Et à un moment donné, il me dit, et toi ? Ah, quand même. Et tu vois, ça t'intéresse à toi. Voilà, ça t'intéresse à toi quand même. Ouais. Bon, ça a duré 10 secondes, mais. Ouais. Voilà. Et puis il me dit, voilà. Donc moi, je suis célibataire, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant et tout. Et lui, il a apparemment eu un enfant avec une de ses ex. Enfin, voilà. Soi-disant, il s'était pas prévu. Enfin, bref. Vous couchez ensemble ou pas? Eh ben, justement, j'allais en venir. En fait, il s'est passé le premier rendez-vous là, qu'il m'a donné. Il m'a donné rendez-vous dans une autre ville. D'accord. Ok. Dans une autre ville, hein, pas dans donc une autre ville. On va baiser, mais dans une autre ville. En fait, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. C'était on devait aller voir un match de foot et tout. Et donc, voilà, tout se passait bien. Il n'y a rien eu. Je veux dire, dans la journée, il n'y a pas eu d'approche. Il n'y a pas eu un petit bisou. Il n'y a rien eu du tout. Donc, moi, pour moi, je me suis dit, c'est plus amitié, voilà, ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais ça t'intéressait, toi, l'amitié aussi? Voilà. Non. Ok, j'ai envie. Toi, t'avais envie d'aller plus loin. Ben, en fait, ça fait longtemps qu'en plus j'ai personne et tout. Ouais. Je voulais y aller doucement, quoi. Oui, bah, avec lui, t'es bien tombé. Le mec, il est né à deux à l'heure, donc c'est. Ok. Et pour en arriver au but, en fait, le truc, c'est pas ça. C'est que le gars, en fait, il a montré qu'il était d'une façon très intellect. Et, oui, non, mais on a compris que le mec, c'est un relou. Mais moi, je t'ai demandé, est-ce qu'il s'est attiré au final? Mais t'as menti. Et après, après, il a forcé la chose, quoi. En fait, il a été à la lumière, il m'a sauté dessus, il m'a arraché les affaires. Ah, il était excité. Non, mais le mec, c'est un psychopathe, non? Mais toi, t'étais d'accord ou pas? Enfin, c'est un psychopathe, sauf si... Non, j'étais pas d'accord, justement.
J'ai pas arrêté de crier, j'ai crié, j'ai hurlé. C'est quoi, tu racontes, c'est horrible. Tu nous racontes, il t'a violé, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Le mec, tu nous racontes le. Ouais. C'est l'agression sexuelle. Un peu chelou qui parle. Enfin, le mec. Le mec t'arrache les habits, tout ça, et toi tu hurles et le mec continue. Ouais. Mais. C'est quoi ce dingue? Mais t'as violé. Bah, si t'as pas envie de faire l'amour, si t'as pas envie de faire l'amour avec lui, et que lui t'arrache tes habits, et que tu cries, tu cries, le mec qui t'arrache tes habits, t'es pas d'accord, ça s'appelle une agression sexuelle, hein. Ah bah oui, ça s'appelle. Agression sexuelle, viol, ouais. Ça s'appelle un viol, même si le mec. Faut aller porter plainte. Même si le mec, tu le trouves sympa quand il te parle de sa vie de merde, et Bah non, mais à partir du moment où c'est non, c'est non, hein. Mais vous savez, je sais pas. Exactement. Je dois avoir un sixième sens, mais souvent je dis ça pour rigoler, mais je sentais que ce mec, il était pas, ah ouais, par rapport à ce que, quand tu nous parlais de lui, Sonia, je sentais que le mec, il était pas. Toi, je le trouvais bizarre, moi, ce type-là. Bah, il est plus que bizarre, ouais. Bah, c'est. Bah, je sais pas, moi, faut bah, moi, je vais porter plainte direct. Faut hein. Oui, c'est clairement un viol. Tiens, un message de Naz sur la piste Skyrock. Ça comme ça, ouais. Salut à toi, évident. Naz. Nour, elle nous dit, va porter plainte. Oui, c'est clairement un viol. Message du Fab. Ah ouais, c'est chaud, putain, l'histoire, là. Et. Ouais, parce que même si t'as rendez-vous avec lui, que tu le vois à l'hôtel, et même si tu lui dis non, c'est un viol, tu vois. Oui, c'est parce que tu vas à l'hôtel que tu as envie de te faire sauter. Non, mais voilà, elle a peut-être peur. Enfin, de te faire sauter ou de faire l'amour avec. Ou avec. Tu vois, elle a peut-être peur qu'on la croie pas parce qu'elle est allée. C'est souvent ça en plus, hein. Parce qu'elle est allée d'elle-même dans genre, l'hôtel genre, et tout ça, tu vois. Dans l'hôtel, c'est elle a peut-être peur de ça. Bah, je sais pas. Alors que de toute façon, c'est un viol, quoi qu'il. Ouais, vous êtes. Oui, bah, c'est. Bah, attends, mais évidemment. Tel que tu nous décris tout ça, Sonia, à mon avis. Je sais pas, t'as pensé à porter plainte, Sonia? Toi, juste après, ouais. Tu t'es dit. Ouais, faut que. Voilà, faut que. Ouais, parce que là, c'est pas normal, quand même. Bah oui. Ouais. Je porte plainte. Ouais, Ben je suis en train de faire des démarches. Ah bah t'as raison. Ah bah voilà, non, il faut le faire direct. Mais donc il s'est passé quoi? Il t'a arraché tes habits et puis il t'a forcé à faire l'amour avec lui. Pas de faire l'amour avec lui, il t'a forcé à avoir une relation sexuelle avec lui. Ben, avoir une relation, voilà, ouais, c'est tout, ouais, une relation, ouais. Et comment ça s'est fini? Enfin, ça rentrait dans les détails, hein, je veux pas que tu le. Mais puis si t'as envie de raconter, mais comment ça s'est fini? Donc vous étiez dans la chambre d'hôtel, donc le mec t'arrache ses habits. Il a foutu une capote? Non. Non, oui. Bon. Ouais, bon. Histoire de courroie, enfin là. Ouais. Mais une fois qu'il a fini, il est parti, il est resté avec toi. Comment s'est passé quand il a fini? Eh ben, il s'est couché. Il s'est couché? Ah, il s'est endormi. Et toi, t'es resté avec lui dans la chambre? Bah, parce qu'en fait, j'étais pas. Ouais. T'étais pas chez toi, tu nous as dit. T'étais pas dans ta vie. Mais t'as des nouvelles depuis de ce mec? Non. Ah, t'as pas de nouvelles? Mais t'as au moins son numéro de téléphone. Mais le mec, t'as son ça. Identité à ce mec-là? Bah oui, tu le connais avec des amis, donc forcément tu peux savoir qui c'est. Hein. Bah va porter plainte, et puis voilà. Bah ouais, non, mais je pense qu'il faut aller porter plainte. Ah oui, c'est vrai que tu l'as rencontré avec des amis. Ne serait-ce que pour toi, pour. Bah évite que ces amis-là te représentent des mecs, parce que bon, a priori. Ouais, t'as discuté avec quelqu'un, à part. Bah avec ses amis en commun, là. À part nous en parler ce soir, t'en as reparlé à des amis, t'as fait quoi? J'ai essayé d'en parler, mais. Voilà. Mais. Faire quoi? C'est-à-dire? Mais apparemment, ils doivent savoir ils me cachent quelque chose. Donc, soit ils savent qu'il a déjà fait ça à quelqu'un qu'ils connaissent. Soit, je sais pas. Mais c'est quoi ces gens? Elle a raison, la Marie. Oui, non, mais t'as, t'as pas besoin de la vie de toute façon, au final, t'as pas besoin de la vie de personne. Non, mais juste pour, ça fait du bien de parler à quelqu'un, quoi. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, aller porter plainte. Et basta, c'est clair. En fait, même si t'as été à l'hôtel avec lui, à partir du moment, même si au dernier moment, t'es à poil avec lui et tu veux pas et tu dis non, c'est non, en fait. C'est pas le mec qui peut pas dire oui, mais elle était à poil. C'est non, en fait c'est à partir du moment où t'es plus d'accord au dernier moment, t'es plus d'accord. Et en plus de ça, bon, là le mec qui t'arrache les habits et compagnie, là c'est ouais, c'est un psychopathe. C'est, quoi. Le mec c'est un vrai. Ah, c'est un violeur quoi en fait. Attends, et Sonia, au moment où il t'arrache les habits, du coup, donc il est violent avec toi parce qu'il t'arrache les vêtements. Est-ce que toi t'as une marque sur le corps, un bleu, quelque chose, un coup ou un truc? Non. Et t'as crié, non? T'as fait quoi? Parce que t'étais dans un hôtel. Ouais, c'est pas bête, aussi. Ah bah j'ai crié, oui, je me suis débattue, il m'a bloqué les bras. Non mais tu vois, dans ces cas-là, faut aller tout de suite voir la police t'envoie à l'hôpital, comme ça ils font ils regardent. Mais comment t'as pu dormir avec ce type? Pourquoi t'as pas, enfin dans ces moments-là, t'es peut-être traumatisé. C'est facile, hein. Ouais, c'est facile de dire quand t'es assis derrière un micro comme moi. Ouais, c'est ça. De dire pourquoi t'es pas allé voir, je sais pas, le mec qui gardait l'hôtel
ou des voisins de chambre, ou t'appelles la police au téléphone, ouais, ou tu te barres, tu vois, tu te barres, t'es pas dans ta ville, mais t'appelles les keufs, tu vas le mec dort, donc il peut pas non plus te tenir. Pourquoi t'as pas fait ça? Parce que dormir avec le mec qui t'a fait ça, c'est chaud, non? Mais c'est quoi, t'étais peut-être traumatisé. T'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi du tout, moi. Non, mais t'es resté la nuit dans la chambre. Ouais, t'es resté assis. T'imagines, tu restes dans la chambre. Oui, mais bon, parce que des fois, t'es dans un état de choc. Ouais, état de choc, un état de sidération. Exactement. Tu restes prostré, t'es un peu perdu, quoi. Ouais. Effectivement, quand tu vois le truc de l'extérieur, tu te dis, bah, moi, je me serais barré, mais en fait, ouais, a priori, quand tu vis le truc, des états psychiques qui font que t'es pas en mesure de te barrer, quoi. Ouais, non, on n'était pas dans l'histoire, ce que je disais. Regarde, des fois, l'autre, là, tu sais, des gens qui ont été séquestrés pendant des années et compagnie, les meufs, elles défendent coûte que coûte leur ravisseur, alors que le mec, c'est un taré, tu vois. T'as pas de l'affection pour lui, toi, quand même? Même si t'as fait ça? De quoi? T'as pas de l'affection pour lui, même si t'as fait ça? Bah, en fait, j'en sais rien, je suis un peu paumée. Ouais, parce que quand vous parlez de lui au début, moi j'aurais jamais imaginé que l'histoire se termine comme ça. Quand t'as commencé à raconter ton histoire, je me suis dit. Tu me sentais bizarre, mais je pensais pas que ça allait être ça. Le premier truc que je me suis dit, le mec c'est un relou. C'est-à-dire un mec qui parle que de lui, qui. Ouais, c'est vrai. Donc je me suis dit, mec, on a parlé d'ailleurs. Mais je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça, parce que tel que t'en parlais, je sentais pas qu'il y avait de haine ou de. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, de haine envers lui, je t'ai dit, c'est un relou, non, tu me dis. Bah, tu nous as dit que c'était intéressant, que le mec t'intéressait, etc. Ah ouais, etc. T'as raison. Et c'était il y a combien de temps, ça? Pardon? C'était il y a combien de temps? Là, au mois de janvier. Mais depuis janvier, t'as pas porté plainte? Bah oui, mais il faut. Après, il y en a parfois qui sont sous le choc vraiment, et pendant des mois, elles veulent rien dire. Bah, il y en a même qui portent plainte des années après. Il y en a qui n'en parlent jamais. Ouais, aussi, en plus, c'est vrai. Bon, Sonia, non, le conseil qu'on peut te donner, nous, là, ce soir, déjà, c'est bien d'en avoir parlé. Et puis, c'est d'en parler vraiment des personnes qui peuvent t'aider, donc la police, la justice, et puis. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est que et là. Puis, ça te fera du bien aussi de voir que. 6 mois après, ça va être ta parole contre la sienne, hein. Ouais. Ouais, bon, après, on a vu des viols qui ont été jugés des années après. Non, mais après, il y a la chambre d'hôtel, il y a peut-être des gens qui ont entendu des trucs. Tu dis que t'as crié, il y a peut-être des gens qui ont entendu des trucs dans l'hôtel. Un truc, l'histoire qui date d'il y a 6 mois. C'est pas ça, le problème, peut-être déjà des gens. Il faut savoir que ça s'est passé telle nuit. Non, parce que sur le coup, si elle avait porté plainte le jour même, il l'aurait envoyé chez le médecin, elle aurait eu des lésions à la chatte, tu vois, ils auraient vu qu'il y a eu un viol, tu vois, parce que la chatte, tu sais, quand il y a un viol, elle se resserre automatiquement, la meuf. Ouais. Et si le mec rentre, c'est que c'est forcé, ça lui fait des lésions à l'intérieur. 6 mois après, je sais pas s'il y a des lésions. Ouais. Ah bah non, il y en a dans plus. Tous les cas, faut porter plainte. Non, mais il faut porter plainte. Il y a peut-être déjà des casseroles au cul dans ce style-là, tu vois. Oui. Le problème, c'est que sur le coup, tu nous as dit en plus qu'il y avait des histoires autour de ce mec. Ouais, donc, il était chelou, t'as dit donc. Ouais, t'as dit qu'il était chelou donc. Après, c'est vrai que ça paraît compliqué de prouver sur cette histoire-là précise, quoi. Parce que c'est sa parole. La chance, quoi, entre guillemets, la chance. Le mot est mal choisi. Il y a des gens qui ont entendu. Ouais. Ou... Non, mais si des fois le mec il a déjà eu des histoires aussi, ouais. Ça tu vois, forcément, vrai. Bon, si t'arrives et que tiens pour un peu le mec il a le même mode opératoire avec toutes les meufs, tu sais, il a toujours le. Ça, ils vont croire direct. Et là, dans ce cas-là, ouais. Après, bon, c'est vrai que 6 mois après, ça va être. Et après, le mec il peut aussi avouer, tu vois. 6 mois après, c'est ta parole contre la sienne. Et après, s'il avoue pas, bah voilà. Quoi. Parole contre la sienne, sauf s'il y a des témoins, sauf si. Il y a un dossier déjà. Il faut qu'il soit là. Ouais, mais les témoins, ils peuvent dire ouais, on a entendu cri, ils peuvent dire ouais, on s'est juste pris la tête, ça a crié, mais moi je l'ai pas violé, tu vois. Oui, mais bon. Ouais, bon après, écoute, c'est la justice qui fait ça. Et d'ailleurs, la justice fait les choses bien parce qu'il y a aussi des histoires inventées qui. Des histoires inventées qui arrivent et. C'est vrai. Et dans le sens inverse, ça doit être un cauchemar pour le mec qui est accusé d'avoir fait un truc qu'il a jamais fait. Hein. Ah, ouais. Donc c'est normal qu'il y ait la justice et que. Et que tout ne soit pas cru comme ça, et qu'il y ait besoin de preuves, et qu'il y ait besoin de. Et donc, allez porter plainte au commissariat, ce que dit Lunette Diffoul, aller au commissariat, mais très vite, et garder ses vêtements pour que les scientifiques puissent faire des analyses. Ah ouais, genre pas la vie. Tu les as gardés, tes vêtements déchirés, là? Ouais, parce qu'il j'ai été voir une psy, parce que, en fait, je suis partie faire des tests. Parce que, voilà, j'avais peur qu'il m'ait refilé quelque chose et tout. Ah ouais, t'as bien fait. Et donc, voilà quoi. Tu peux. Tout ça, c'est rentrer dans le dossier. Quand tu vas porter plainte, amène tout ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que si t'es allé voir une psy, si t'as fait des tests juste derrière, peut-être ça peut rentrer en. De toute façon, tout ce que t'as, ramène. Bah oui. En tout cas,
cas, bon courage, Sonia. J'espère qu'on t'aura aidé. S'il y a, il y a des auditrices, c'est des auditeurs d'ailleurs qui nous laissent des messages pour t'aider. Il y a Yazid qui nous dit moi, mon père est psy. Bah, salut Yazid, merci pour ton message. Mon père est psy, il peut peut-être l'aider. Si vous avez des gens qui travaillent dans les commissariats, la justice, tout ça, vous n'hésitez pas. Appelez Skyrock. Faire examiner par un médecin légiste. Un médecin légiste, c'est écrit, oui. Bah oui, comme et, ça. Et porter plainte, ouais, c'est Greg du 88 qui dit ça. Et porter plainte juste après parce qu'il doit y avoir des lésions. Ouais, si ça vous arrive, les filles, enfin, je vous le souhaite pas. Là, on est quelques mois après, mais. Ouais, faut réagir rapidement. En fait, quand ils vous envoient à l'hôpital, ils ont un kit de viol, ça s'appelle. Ouais, ouais, exactement. Ils font des prélèvements et. Ouais, bon, vous nous laissez vos messages si vous voulez rentrer en contact avec Sonia. Si vous avez d'autres choses à dire, bah, vous avez la parole. Ils ont leur passe-sperme. Allez-y. Bah, ils ont des trucs pour analyser le sperme. Oui, c'est du sperme sur tes habits. Bah, ouais, c'est ça. Ils analysent. Après, le mec, il va dire il y a du sperme. Bah oui, parce qu'on a fait l'amour. Ouais. Toi, tu vas dire oui, mais il m'a forcé à faire l'amour. Et ouais, après, mais sauf c'est, que si tu vas à l'hôpital avant, c'est confrontation entre les deux, quoi. Ils peuvent constater qu'il y a des lésions, tu vois. Oui, mais là, 6 mois après. Là, 6 mois après. Il y a, bon, bah, vous réagissez. Après, il y a les habits déchirés, c'est pas mal pour toi, ça. Oui, après, voilà. Ouais, mais après, gros, le mec, il va dire je vais pas déchirer. Oui, 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 mais bon, après, c'est déjà mieux que rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ce problème, c'est que c'est 6 mois après, c'est pas sur le coup. Sur le coup, il t'a renvoyé à l'hôpital, ça aurait, tu vois. Bon, après, tu sais, des fois, il y a des gens qui portent plainte des années après, et puis le mec, il se fait baiser quand même. Ouais, le mec, il doit. Salopard. T'as pas des messages, tu lui as pas laissé des messages après sur. Ah oui, c'est vrai, c'est très. Je sais pas, ou sur les réseaux, ou sur son téléphone, des messages pour lui dire mais qu'est-ce que tu m'as fait hier. Lui a peut-être répondu. Ouais. Toi, je pense que c'est un bon moyen ça, aussi ça pour. Une trace. T'as pas ça, ouais, non. Il y avait ça. Ah, et ça, moi, j'ai fait faire les examens tout de suite. Hein. Bah écoute, Sonia, les examens, ils existent, donc va proposer ça à la police. Et le mec, vous êtes resté en contact derrière, vous avez discuté, vous avez fait quoi dans les jours qui ont suivi. Il a coupé les ponts du jour au lendemain. Mais toi, les examens que t'as fait quoi? Des tests pour les maladies, quoi. Voilà, ouais. Bon, écoute Sonia, va avec tout ça, tu peux te faire aider également dans les mairies, il y a des gens de la justice. Il y a des assos aussi. On nous dit qu'ils passent une fois par semaine, c'est Legend qui nous laisse. Oui, il y a messages. Des permanences, oui. Donc voilà, tu peux aller faire un tour à la mairie de Gap et puis si on trouve quelqu'un qui peut t'aider dans le coin, on te fait signe. Si tu bouges pas Sonia, on te fait des bisous et puis et on prend des nouvelles très vite, mais on va te reprendre d'ailleurs tout de suite. Bon courage. Tout de suite en direct. Bon, n'hésitez pas à nous appeler hein, si vous avez un truc à raconter, si vous avez une story, bon si vous voulez faire les cons aussi hein, vous pouvez nous appeler hein. Et puis si vous voulez aider Sonia, merci en tout cas pour tous les messages que vous nous envoyez pour aider Sonia. Il y en a un paquet. MGN hein. Qui nous envoie un message et qui nous dit je suis de tout cœur avec lui. Je peux pas l'aider, mais passez-lui mon bonjour. Bah écoute, c'est gentil. Il y a Bear aussi qui nous envoie un message. Enfin, je peux pas citer tous les messages qu'on a pour toi, Sonia. On te fait un bisou et on te reprend tout de suite. Tu bouges bisous. Pas. Salut Sonia. Bisous Sonia, ciao. Salut Sonia. Et bon courage. Bon, dans un instant, on vous retrouve en direct. Donc 01 53 40 30 20, vous avez l'appli, vous avez un téléphone, faites le 41 759 aussi pour envoyer vos messages. Et puis, on va faire une petite pause et on fait le double appel juste après. Le double appel à retrouver sur Skyrock. Ouais. Nos familles et puis question pour un gros con. Et oui, le vrai match. Et puis surtout, vous tous et vous toutes, hein, vous nous parlez de tout ce que vous voulez tous les soirs sur Skyrock. Cool. Il se branle et il se met un doigt dans le cul. Romano. Je préfère me jeter dessus, ouais. Marie. Cédric. Non, mais l'ophtalmo, connard, c'est les yeux. Samy. J'ai tellement peur. Karim. Tu sais, tu vas pour la baiser. Guigui. T'inquiète, ça va aller. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Boum. Et voilà, Radio Libre, j'étais en train de regarder tous les messages que nous avez laissés. Ah bah j'ai vu que le million est pas tombé. Pour Sonia, bah on voit pas les mêmes choses. Ah ouais, t'es sûr, il y en a qui disent que c'était tombé. Bah a priori non, a priori ça passera 200 millions vendredi. Romano était sur l'euro million, moi j'étais sur les messages de Sonia. Sonia, merci pour les messages que vous avez envoyés. J'attendais les 200 millions. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez, donc d'argent pour Romano, il adore, ça lui fait plaisir. Ah putain, mais t'imagines 200 millions? Bah ouais, nous on offre 15 000 euros cette semaine. Je les prends aussi. Ah tu les prends quand même? Ah bah ouais, non mais clairement. 15 000 euros, ça serait beau. Ça serait bien. Il y a Jean-Cul Bardella. Les 15 000 le matin et les 200 millions le soir. Jean-Cul Bardella qui nous laisse un message qui dit vendredi 200 millions plus les 15 000 euros de Skyrock. C'est historique. Ouais. Eh bien, historique. Vous envoyez 15 au 7-20-20 et vous gagnez 15 000 euros vendredi. Ouais. C'est vendredi dans deux jours, dans trois jours, dans le morning. Sais, je fais un truc. Si je gagne les 200 millions, oui. Ah bah, je remets 15 000 euros. Je vous offre 15 000 toi, euros. Toi, t'es le un soir. Mec bien, toi. Ah, toi, t'es un mec cool, toi. Bah, t'es malade. Ouais, tu nous l'as dit, tu l'as dit dès le début de l'émission, ouais, t'es malade. Malade. Bon, malade. Non, en fait, je retiens ce que je dis. Le mec délire. T'es malade. Il paye sa tournée, quoi. Ah, 15 000. Mais 15 000, c'est rien sur 200 millions, là. Ah oui, là, oui. Là, oui. Tu fais un peu le rat, là. Tu peux en payer deux. Ah non, mais c'est que je pourrais pas être généreux.
Non mais sur 200 je millions pourrais, par exemple, si tu dis que je pourrais tu... pas être généreux. Ah non, c'est clair, mais tu sais, je pourrais pas être généreux. Jeter l'argent par les fenêtres quoi. Tu crois que c'est pas jeter par les fenêtres, c'est l'offrir, c'est magnifique. Oui. Alors, en plus, non, sur 200 millions, j'invite au resto, j'avais promis. Ah, quel rat, putain, quel rat. Non mais on se fait tous un bon McDo. Voilà. Menu, ou un menu King, menu Big Mac à volonté. Vous prenez un Golden menu si vous voulez. Et pour les plus joueurs, vous pouvez prendre un Happy Meal. Bah. Bon, moi je joue jamais. Sauf au 6-6, j'envoie 15 au 7-20-20. Ça, je l'ai fait régulièrement. Ouais, ce matin, on a une très bonne question sur Guigui ce matin. Ouais. Ah ouais, c'était quoi? Quel est l'animateur de Skyrock présent le matin dans le morning et le soir dans la radio libre, ça, ouais, qui a régulièrement des hémorroïdes? Était proposé Gigi, Bibi et Guigui. Eh bien, j'ai tapé 3 et j'ai eu la bonne réponse. Ah, t'es pas con, toi. C'était Guigui. Et non, fallait mettre Gigi, t'es con, toi. Et non, Marie, c'était Guigui, la bonne réponse. Les questions sont quand même de plus en plus claquées, je trouve. Non, elles sont super, les questions. Ah non, moi, je trouve vraiment nul. Si, ça permet de découvrir un peu l'équipe de Sky, l'équipe de la Radio Libre, du Morning. Donc, vous envoyez 15 au 7-20-20, il y aura 15 000 euros, c'est vendredi. Et jeudi matin, on se réveille avec Théodore. Théodore qui faisait un carton sur YouTube, il a tout fermé. Il fait plus de vidéos sur YouTube, il veut devenir rappeur. Et il est rappeur parce qu'il passe sur Skyrock. Ouais. Et on le retrouvera donc jeudi matin dans le morning. Ne loupez pas Théodore. On a des mornings de fou là à vous proposer pour vous réveiller. On se réveille ensemble tous les matins. Et donc vendredi 15 000 balles. Jeudi Théodore. Et demain un autre morning pour nous réveiller. Et une radio libre en direct au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. On a parlé de problèmes de sexe. Les premiers rendez-vous tout à l'heure. C'est ça. Les premiers rendez-vous avec Gab qui nous parlait de son problème d'éjaculation précoce. Des choses qui arrivent. Ouais, il est arrivé en 10 secondes, donc forcément, bon, c'était génial. 10 secondes, ça, Marie était très, très, très choquée. Non, j'étais pas très choquée, mais bon, c'est vrai, je comprends que ça fait chier. Limite scandalisée. Non, mais pour une première fois, c'est vrai que bon, tu laisses pas une. Donc, on a aidé Gab. J'espère qu'on a bien aidé Sonia aussi avec sa story, là, il y a un instant. Ouais, cool, ouais. Et puis voilà, donc on peut vous aider pour tout ce que vous voulez. On a même parlé du bac et des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs qu'on avait des examens. D'ailleurs, on a commencé à en parler, on a lu vos messages, mais il y en a pas, vous n'avez pas témoigné dans l'équipe les bons et les mauvais souvenirs de vos examens. Ah, moi, j'ai pas passé le bac. Non, mais que ce soit. Oui, mais t'as passé des examens dans ta vie. Ouais, j'ai fait une prise de sang. J'ai passé la moitié. J'ai amené mon caca dans une boîte. C'est bien. Ils ont examiné. C'est vrai, Cédric, t'avais amené ton caca dans une boîte. Mais bien sûr, putain, mais Cédric, j'ai ramené ça. T'as jamais fait un signe de sel? Tu te rappelles pas de la blague? Oui, non, mais c'était pas ici. Ah, juste de sel et pourquoi pas de poids? Heureusement, non, mais. Pas ici. À part revenir avec sa boîte, avec sa mère. Cédric, je m'as baladé avec une boîte. J'étais à l'hôpital, ils m'ont fait chier dans une boîte. Ouais, non, moi, quand j'étais petit, je chiais souvent dans des boîtes. T'aimais bien? Bah, le tout, c'est de bien viser, quoi. C'est vrai, ouais. Cédric, il dit ça pour le caca, mais il se baladait quand même avec des bouteilles de pisse dans sa voiture. C'est vrai. Ouais, c'était pour te faire un cadeau, mais tu le voulais pas. Non, mais c'est vrai, c'est une vengeance qui était pas mal, d'ailleurs, ta vengeance. La vengeance, c'est avec des bouteilles de pisse. Ouais. Donc, quand je parle d'examen, je parle d'examen normaux, quoi. Ouais. Un brevet, un BEP. Ah, moi, le bac, c'est un enfer. Un bac, un CAP, des partiels, enfin, bon, des examens, des vrais examens. Ah, moi, j'ai un bon souvenir, moi. T'as un bon souvenir de tes examens, pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, je pensais la foirer, donc j'avais pas du tout révisé. Ouais. Je suis parti là-bas, genre en mode, je m'en bats les couilles, je le fais, mais tu sais, je pensais vraiment pas l'avoir. Je le fais pas, j'y vais, quoi. Ouais, et j'ai eu 15,45 de moyenne, sa mère. C'est dire si le truc devait te donner cette année-là. Je me suis demandé si c'était pas trompé de fiche ou si c'était pas. Tu sais, je te jure, j'étais trop content. Toi-même, j'ai 15,45, t'as mention. Ouais, ah bah c'est mention bien. Ouais, mention bien, ouais. Ouais, c'est bien. Mais bien. Non, mais tu sais que t'as frôlé la mention très bien. Bah oui. Parce que c'est 16. T'aurais eu 16, t'aurais eu mention très bien. Attends, c'était quoi ton bac? Non, là, c'était un pas un bac. Le bac à sable. Ah, c'est un BEP, pardon. Bac à sable. C'était un BEP. Ou un bac à glaçons. Oui. T'as passé quoi comme examen, Marie? Bah, la moitié du brevet. Test d'alcoolémie. Bah, ouais, je suis pas allé au mat, j'étais au bar. Au non, bar. C'est pas vrai, en troisième. Mais le brevet, tu le passes, t'as 14-15 ans. En troisième, c'est une année de matière. T'as 15 ans quand tu passes le brevet. Bah ouais. Mais moins que ça, t'as 13 ans. Non, t'es ouf quoi. 14. Ma fille, elle le passe, elle a 15 piges là. Ouais, c'est 14 ans. Ouais, c'est d'année en fait. Moi, j'avais 14 moi. Ouais. Ça dépend quand t'es né quoi. Ouais, ça. Donc, t'es oublié d'aller au brevet parce que tu étais au bar. Ah non, j'ai pas oublié. Ah, t'as pas oublié. C'était un choix. Tu sais, c'était les maths. C'était un choix de vie. J'ai jamais aimé les maths. Alors, j'ai bu des 16,64. Non, mais t'as une phobie. Ah, j'ai une phobie des chiffres. Hein. Ou une passion de l'alcool. Oui, c'est oui, les deux. Ça dépend comment tu vois les choses. Oui, c'est ça les dépend. Deux. Ça dépend où tu te places. Donc voilà, donc les souvenirs de la Marie. L'examen que tu as passé, le seul, c'est la moitié d'un examen, c'est la moitié d'un brevet. C'est quand même dingue ça. Des souvenirs de vos examens, de votre brevet, de vos. Moi en troisième, j'avais présenté 5 œuvres que j'ai présentées, j'ai raconté la dernière fois là. Et ça s'appelait L'histoire des arts. Et on le faisait en duo avec un pote à moi en troisième.
et on avait bossé de fou sur 4 œuvres. Il y en avait une qu'on avait laissé tomber. Parce que vraiment, il y avait rien. Celle-là. Et c'était vraiment une poésie nulle où il y avait rien. Enfin, je sais pas pourquoi on avait pris ça. Enfin, bref, c'était nul. Poésie nulle. Donc on s'est dit, vas-y, on bosse de fou les 4 premières, quoi. Et donc, arrivé le jour J, on tire au sort et mon pote il tire au sort comme ça un des petits papiers. Quel con. Bim, ça tombe sur la poésie. Quel con. Et ah, voilà, et bim. Ah. Bien joué. Ah, vraiment, on avait fait les bon cons. Tirage. Et encore, ça va. Les profs, elles avaient pas été trop méchantes. Elles nous avaient dit, bon. On va se concerter, sortez de la salle s'il vous plaît. Voilà. Donc là ils sont concertés. Ah ouais. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils étaient nuls les. Alors vraiment, je pense que vous avez vu le grand con. C'est quoi qu'il fallait faire? C'était quoi, genre un exposé oral? En gros, tu fais un exposé, tu présentes l'œuvre et tu dois pouvoir parler dessus entre 10 à 15 minutes quoi. Ah, donc, quand même. Ouais, donc mine de rien, c'est non, tu as pas parlé 15 minutes sur une poésie de merde. Ouais, vraiment, c'est ça. que tu n'as pas étudié en plus. Non mais, ouais, non, mais ça, on avait fait les cons parce que vraiment il y avait rien à dire sur la poésie, c'était une poésie de ton pote, c'est un chat noir quoi. Ah ouais, mec, sur les 5 4 chances que ça soit. Ah vraiment, non, vraiment. Et les profs, elles avaient été cool parce qu'elles nous avaient dit bon, retirez l'autre papier et on avait fait un bête de truc, mais on avait eu que 10 quoi. Ouais. Bon bah écoute, c'est pas mal 10 hein, pour un truc de. Bah au moins tu un... t'en sors. Ouais, ouais. Franchement, on avait fait un bête de truc après, mais ouais. Bon, le seul voilà, souvenir, on avait mal commencé. Hein. Le seul souvenir de mon bac, c'est quand on a eu les résultats, la grosse tarte que m'a foutu mon père. C'est Sonar là, sur l'appli. Sur l'appli Skyrock. Ouais, mais moi, il m'a pris en traître, il m'a pris au réveil. Même pas, j'ai pu me défendre. En traître. Tu l'aurais marbré. Sinon, j'aurais esquivé, je l'aurais mis. Et il t'a dit quoi avec la baffe? Le dieu de Dieu l'a fait. Là, mais aussi, t'as dû te faire insulter tous les noms. Il a dit le dieu de Dieu. Les résultats, c'était à 8h. Et le truc qui asque, tu sais, en général, tu te retrouves avec tes potes pour aller voir. Ah putain, à 8h, c'est tôt ça, putain. Ouais, bah c'était à 8h. C'était 13h, t'as affiché les tableaux, quoi. Et moi, en fait, je savais que je n'allais pas la voir, donc j'avais même pas mis mon réveil, quoi. Parce que ça ne m'intéressait, mais vraiment plus. J'étais passé à autre chose, moi. Déjà, ça t'es pas ça a dû les foutre à bout. Non mais je sais plus, mon père, je sais pas pourquoi il était là d'ailleurs, parce que d'habitude il bossait le matin. Bah pour aller voir les résultats. Et en fait ce qui s'est pas... Non en fait je crois... Non, en fait il était au boulot vu qu'il bossait dans mon bahut. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu lui dire ton fils il est cranco, il a pas eu le bac. Il l'a pas tu vois. Et mon père je crois est rentré exprès. Et là en fait il se coud dans le lit. Je fais... Tu sais, je me soulève un peu. Et là, il fait blé de Dieu. Il me dit, non, il me dit, j'ai honte, il me hurle dessus. Il me dit, blé de Dieu. T'as été voir les résultats du bac? Bah, je dis, bah non, je dormais. Et là, il me dit, Mais elle est conne ta question, hein, je suis dans mon lit. Ça, regarde, je suis la tête dans le cul. Tu sais, mais un peu soulevé. Et là, il me répond, bah, tu l'as pas. Il se bat dans il m'a rallongé. Il t'a dit idiot, non? Et là, ah non, il y a ma mère qui est arrivée, qui était en fureur, elle était là. T'es un débile. Tu imagines la daronne derrière. T'es un débile. T'es un con, j'ai honte. Et pendant ça, il y a ton père qui était là. Oh de Dieu. Il m'en a mis une seule, mais il m'a punché la gueule. Ah, je te jure, j'étais. Mais c'est quand qu'elle a pleuré, ta mère? Ah, c'est là, c'était le drame toute la journée. Mais j'ai été victime de harcèlement parental. Ma mère, elle est tombée, mais elle me. Toute la journée, elle était là. Tu sais, elle me croisait dans la maison, elle disait. T'es bête. T'es bête. T'es idiot. Est-ce que t'as subi du harcèlement amical? Parce que je sais que moi, j'avais deux potes qui avaient loupé. Alors eux, c'était même pas le bac, c'était le brevet. Ouais. Et quand ils affichaient les résultats, donc ils mettaient les prénoms et les noms de tous ceux qu'il avait eu. Ouais, bah oui. Il y avait un pote qui s'appelait Mathieu, je me rappelle, putain, miskin Mathieu. Il avait pas eu son brevet. Et du coup, toute la journée, on disait, putain, mais on cherche Mathieu, on trouve pas Mathieu. Ah, enfin. Et la journée, on lâchait pas. Et le pauvre, vraiment, il s'était fait humilier. Mais c'était vraiment dur. Non, parce que moi, c'était du harcèlement amical. Ah, mais moi, j'avais pas eu du harcèlement parce que de toute façon, je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. Voilà, au moins, c'est ça. Le soir, normalement, moi, j'avais prévu d'y aller quand même. Il y avait une grosse teuf, tu sais, pour les résultats du bac. Bon, même si je l'avais pas, moi, je voulais y aller, tu vois. Ouais. Et en fait, ma mère, elle me dit, t'iras pas. Et en fait, j'avais entendu, s'ils étaient passés, genre, dans le quartier pour, je sais pas où ils allaient faire la fête, quoi. Elle fait, tu les entends, eux ils ont eu le bac. Toi tu l'as pas eu. Mais même eux ils font la fête, mais toi t'iras pas. Voilà. Parce que t'es bête, t'es un idiot. Mais même tes parents ils se planquaient, ils avaient honte. Ah, ma mère, ma mère, elle aurait pu sortir dans le village. Non, mais même moi, il y avait des gens, ils m'avaient dit, putain, on a regardé les résultats. C'était marqué dans le journal. Ah. On a regardé les résultats, c'était pas marqué. Je suis, ouais, putain, je sais pas ce qu'il y a eu. Moi ils m'ont oublié quoi. Moi, bah, ils mettaient pas les mecs. Bon, dans les journaux en général, ils mettent que les gens qui réussissent. Ils mettent jamais les échecs, tu vois. Ouais, évidemment. Moi j'avais dit, putain, mais je comprends pas. Ouais, effectivement, j'avais dit, ouais, t'es pas la première à me le dire. Après, ils m'ont oublié. J'ai dit, si, bien sûr, je l'ai eu. Il y a Alicia qui dit, le bac, ça devrait être interdit. Je l'ai passé ce matin et j'ai trop mal à la tête. Salut Alicia, bah, j'espère que tu l'auras, moi, ça justifiera le mal de tête. Et Mathéo, 20 ans, qui nous envoie un message. Moi, j'ai pas eu de bac, par contre, la bac m'a eu. Moi, dans les petites histoires de résultats de bac, mon fils, quand il a eu son bac, c'était le jour de mon anniversaire. On déjeunait, on était en terrasse tous les deux. Et il a reçu le truc sur son téléphone. Il me fait, putain, je l'ai eu. J'étais sûr qu'il allait pas l'avoir.
Je dis putain, mais t'as eu combien? Il me dit 10,01. Ouais, c'est génial. Je dis, ouais, mais toi, t'es un escroc. Je le traite encore d'escroc. Hein. Non, mais c'est bien. 10,01, il a rien branlé. Chose, hein. Tu es 10 ou 12 ou 12. Ouais, mais bon, tu l'as, c'est bien sûr. Je suis bachelier. Ouais, t'imagines, à 0,1, il l'a eu quoi. Ça y est, j'ai. Mais des fois, ils arrondissent aussi. Hein. Ouais. Quoi, je sais pas s'ils le font encore, mais. Par exemple, moi, ils le faisaient. Il y avait des gens qui avaient. Allez, bon, ils arrondissent. 9,95. Ouais, c'est ça, ils arrondissaient à 10 pour. En vrai, c'est pas des notes comme ça en fait. Pour avoir le genre, c'est sur. Par exemple, j'ai une connerie, c'est sur 500 points. Pour l'avoir, faut avoir 250. Et si par exemple, ben toi, le cumul de toutes tes notes, c'est à 249. Ouais, ou même 245, ils te le donnent. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et ben moi, c'est comme ton fils, hein. Fallait 250, j'ai eu 250. Donc alors nous, c'est ce un peu différent encore. Nous, il fait nous, il regardait le résultat de l'année. Non, par rapport au dossier. Nous, il prenait la moyenne de l'élève. Donc il disait par exemple, allez, t'as à partir de 9,95, on ouvre le dossier. Ouais, c'est ça. On regarde en gros les appréciations, quelles notes t'as eu sur l'année, si t'as progressé, est-ce que t'as fait des efforts. Il faisait ça déjà, ouais. Pour arrondir, il faisait ça aussi. Et en fonction, si t'avais un bon dossier, il te disait. Allez, ouais, on te pousse un peu. Ce qui était horrible, c'était que en y repensant, j'étais même content de ne pas aller au rattrapage, tu vois. Parce que je m'étais dit, ah putain, il va falloir que je révise. Ça t'aurait pété les couilles. Non, parce que moi, l'année terminale. Ça rallonge l'année, hein, ça. Ah non, mais l'année terminale, c'est là où je suis mort. Il est mort, c'est vrai. Pendant 4 minutes, 3 minutes. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais manqué l'école parce que j'avais été t'as absent peut-être 2 mois et demi, 3 mois. Tu aurais pu lui dire à ton père quand il t'a réveillé. Je te rappelle que je suis mort. Ah non, mais le truc. Non, parce que moi, le truc qu'il y a, c'est qu'au départ, tu sais, je reviens au bahut. Tu sais, j'avais pris vachement de retard, quoi. Parce que tous les cours, machin. T'étais un peu attardé. Ouais, un peu comme Cédric, vous voyez. Voilà. Pour situer l'attardement. Bien sûr. Et non, mais au départ, ils me disent le mieux, ce serait que tu le passes en septembre. Ah, j'ai refusé. Je dis non, je veux le passer là. Parce qu'en septembre, il fallait que je révise tout l'été. Bah, t'aurais eu de quoi réviser, peut-être tu l'aurais eu. Ah non, mais je me battais les couilles. J'ai refusé, j'ai dit non, vous inquiétez pas. Tu n'as pas dit ça à ton daron parce que ça, c'est le deuxième tornuel. Je dis non, je vais le passer maintenant. Et là après, ouais, le rattrapage, j'ai tombé, c'était une semaine après. Ah, tu m'étonnes, c'est relou. Ah, j'étais content de pas le faire. J'avais, de toute façon, je risquais pas, j'étais assis sur quelqu'un. Romano, ouais, c'est un élève modèle. Moi, j'avais pas rendu, moi. Mort de rire. L'élève modèle, c'est un peu ça, ouais. Tiens, il y a Alex qui est au téléphone avec nous en direct de Cambrai. Salut à toi, Alex. Bonjour l'équipe. Bonjour Alex. Salut Alex. Alors, comment vas-tu, Alex? Bah nickel, impeccable. Très bien. J'avais envoyé un petit message en disant effectivement, moi, tout allait bien jusqu'au bac. Oui. Et à partir du moment où je suis passé en BTS, je suis avec mon père à l'époque et on était qu'à deux. Et mon père est parti en déplacement pro pendant 3 mois et du coup j'ai eu la maison pour moi. Ouais, donc j'imagine. Oh là là, j'imagine, c'était la teuf à la maison, c'est ça. Ouais, j'ai connu les soirées, étudiantes et machin, et du coup j'ai pas eu mon BTS. D'accord. Ouais, donc toi le bac en fait tu l'as eu tranquille, facile, pas de problème. Facile. Voilà. Et ton père s'en va, tu vas en BTS et alors là c'était la fête à la maison. Non mais en même temps c'est normal, ça. Tu laisses la baraque. Et puis ouais la première fois où t'es tout seul, libre. En plus, je venais d'avoir le permis, donc j'étais le roi du monde. C'était la belle vie, nos ingrats. Oui, c'est ça, c'était la belle vie. J'imagine que c'était moins la belle vie à la fin de l'année de BTS. Ah ouais, en plus j'ai fait carnage dans la maison. Mon père, je m'en souviens, je lui ai cassé une baie vitrée. Enfin, c'était un carnage. Quoi. C'était Projet X à la maison quand il s'est barré. Ah ouais, le daron. Il a retrouvé la maison. Il t'a démonté derrière. Comment ça s'est passé? Non, alors il avait été convoqué à l'époque, je m'en souviens. Après oui, forcément, plus de voiture, plus de clé de voiture. Alors quand il repartait, après il me prenait les clés de la voiture et du coup j'avais plus le droit aux voitures. Voilà. Donc j'étais en bus à 20 ans. Mais bon, je continuais les soirées quand même. Mais du coup, j'ai pas eu mon BTS et puis voilà quoi. Mais bon, et après c'est passé. Non. Après, je suis parti. C'est horrible. Parce que moi, il m'avait proposé pareil de refaire une terminale. Oui. Mais bon, moi, je partais faire de la radio. Je partais à la capitale. Ça y est, ouais. Je rentrais, ça y est, dans le star, dans le monde des stars. La gueule. Dans le monde des stars de la radio. Et c'est là qu'il a commencé sa carrière de star à Radio SM. Non, c'était avant. Non, c'était bien avant. C'était, Radio Sud Morvel. Non, que je suis arrivé à Paris, grimper en flèche l'audience de Beurre FM, parce que j'étais là-bas. Ah, voilà. Puis la carrière de star a démarré à Beurre FM. Après, j'ai fait s'envoler Skyrock vers les étoiles. Bah, exactement. Étoiles, on est à peu près aujourd'hui, quoi. Sky and Sky. On frôle les comètes et la galaxie. Ouais, c'est un truc de dingue. Oh là, moi, je frôle le trou noir, je suis en train de gratter le cul. C'est un délire. Je suis même tombé dedans, là. J'ai un doigt dans le cul quand je vous parle. Attends, je vais te le montrer, tu verras. Tiens, tu te mets dans le cul quand tu te le grattes.
T'es malade, toi. Ça, hein, ça quoi, gratte jamais l'entrée du trou de balle? Ah non, moi, des fois, je fais peur à Médeline. Arrête de parler de ce genre de truc. Médeline, elle est terrorisée. Non, mais des fois, quoi, moi, je me gratte l'entrée du trou du cul. Ça me gratte très fort. Après, tu sens ton doigt? L'hiver, ouais. Ah, putain, il y a une autre qui en rajoute. Sérieux, tu sens? Ça sent la merde. Ah ouais. Bah, écoute, tu fais bien de nous en parler, Guigui, ce matin. Moi, je commence à dire bonjour. Donc, frais, petit café, tout ça. On est content. Petit jus d'orange. On est prêt pour le morning. Fraîcheur totale. 6 heures du matin. Bonjour. Ça va. La pêche. Et là, j'ai Guigui en face de moi. Mais qui se gratte le trou du cul, mais sans vergogne. Ouais, sans vergogne, vraiment. Non, mais j'ai tout baissé. J'ai baissé mon jogging, mon caleçon, je me suis mis le poing dessus. Non, mais t'exagères pour faire croire que c'est pas vrai. Mais t'étais comme ça sur ta chaise. T'es un détraqué là. Mais est-ce que tout le monde l'a vu? Bah oui. Non, il y a que Difool qui a vu. Bien sûr, il y avait Théo à côté. Théo, ça l'a excité, gros. En fait, j'avais mon dossier de ma chaise. Théo, ça l'a excité. Et Karim, tu témoignes. Ah, moi, tu m'as fait flipper. Je vais vous montrer à quel point Difool, c'est un pervers. Je réglais juste le dossier de ma chaise. Ma chaise, elle était basculée. Tu règles ton dossier comme ça, Romano, toi? Ouais, bah bien sûr. Je me mets la manette dans le cul pour. Et bah moi aussi. Ça aide. Ça se règle. Non, mais je réglais juste le dossier, c'est très bien. T'avais quoi? Tu t'étais mal essuyé le cul. Mais qu'est-ce que tu veux que je me mette le poing dans les fesses ici, là, devant toi? Tu t'es mis le poing dans les fesses. Même, je grattais les fesses. Tu t'es tout simplement gratté le cul sans vergogne. Je pense que. Moi, je. Eh oui, mais après, t'as le droit de te gratter le cul, gros. Oui, là, je m'annonce, moi, j'ai deux doigts dans le cul. Naturellement, et mon pleur. Je pense que Difool est un déviant sexuel. Oh, bah, sûrement, tiens. Et c'est Difool qui dit ça et qui souvent se gratte. Souvent, c'est celui qui dit qui aime. Non, moi, je me gratte les couilles, Marie. Ouais, les couilles. C'est ce que j'allais dire. C'est différent. Non, mais moi, les. Mais toi, avec un doigt, toi. Ouais, puis moi, j'ai pas honte de me gratter les couilles, Eh ben tu dégoûtes. Eh ben tu dégoûtes. Ça on sait, on te voit. Eh ben tu dégoûtes. Moi je me torche le mucus avec mon torche. Ouais, mais bien sûr. Ah ouais. Voilà. J'ai un torchon à mucus. Marie, elle a pas honte non plus. Bon, c'est dingue, on était sur le bac, les brevets, les BTS, les examens, et on a dévié sur le trou du cul. Ouais, il a dit qu'il se mettait les doigts dans le cul, Romano. Non, je sais pas comment on a dévié sur mais le trou mais du cul. Mais non, mais c'est Romano d'avant qui a demandé à Cédric. On a parlé de trou noir, et puis ouais, voilà. C'est ça, ouais. C'est non, je disais que. Tu vois, tu as bien fait nous. Au sommet avec Skyrock. Oui, tu as bien. Ah oui, c'est ça, c'est parti de là. Ouais, donc. C'est ça. Putain, on va loin quand même. Tu vois, tu as bien fait de nous appeler, Alex. Ouais. Et en plus, petit détail, dans ma classe, on était deux garçons, dont un qui venait jamais, mon pote Mehdi. Et du coup, en fait, j'étais le chouchou. Et du coup, à chaque fois, c'est les filles qui m'amenaient dans les soirées, etc. Du coup, j'étais refait, tu es refait. Putain, que deux mecs. Oh, bah, ouais, que deux mecs, dont un qui venait. Mais t'avais pas vachement mal à la tête dans des jours? Non. Non, parce que des fois, les meufs, elles faisaient pas mal à la tête quand elles parlaient tout le temps. C'est mal à la tête. Non, parce que la moitié, alors ça, c'est pareil. Nous, on avait 1h30 de pause le midi. Et je m'en souviens, on allait à Carrefour. Et au lieu d'aller manger à la cantine, etc., bah, on buvait. Ah, c'est bien. C'est génial. Eh bien, c'est super. Bravo, bravo, Alex. Marie, tu as. Et maintenant, tu fais quoi dans la vie? T'as validé. Ah, non, maintenant, ça va. Je suis ingénieur commercial et. Ça va, tu vois, cool, tout ça sans BTS. Content. Voilà, bah, comme quoi, tout roule. Ça, et t'as des enfants, toi, aujourd'hui, Alex? Non, on est mariés, mais pas d'enfants. Vous en voulez pas, t'as tellement fait souffrir tes parents que t'as pas envie de subir la même chose. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est un peu comme toi, Romano. Même chose. T'as pas envie que tes gosses te fassent ce que tu veux. Non, mais moi, je lance encore différent. Déjà, j'aime pas les enfants. Voilà. Et je dis tout vocal. J'aime pas les enfants. Et je dis tout vocal d'intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Non, mais bon, je préfère les chiens. D'accord. Bah écoute. En fait, t'as la comparaison. Non, mais bon, c'est un avis personnel. Hein. Après, tu sais, quand j'en vois dans un la chien, rue, Marie, tu dis la comparaison, mais un chien fait partie de la famille. Ah, mais je sais. Et ah, bah ouais. Je suis grand. Médeline, c'est la famille. Hein, Médeline, c'est la famille, wesh. Ah, rien pour plus. Ah, il me regarde. Non, mais bon, tu sais, quand j'en croise de la rue, je leur mets pas des coups de pied non plus. Hein. C'est bien, mais tu as raison. Je me retiens. Médeline, c'est la famille? Non, c'est Cariole qui leur dit ta gueule. Oui, c'est la famille, wesh. Ah ouais, l'autre fois, elle a dit ta gueule à un gosse. Oh, c'est pas bien ça. Ah non, mais le gosse, je sais plus ce qu'il faisait. Il lui dit, ah putain, ta gueule. Bon, c'est mieux que vous en ayez pas fait. Merci, Alex, pour le. Non, mais une fois, on avait jeté des crottes aussi sur une vieille. Des crottes. De chien. Quand t'étais enfant? Mais pourquoi? Non, quand j'étais adulte. Mais pourquoi? Quand t'étais enfant, dis-moi. Non, quand j'étais adulte. Non, parce que, non, mais en fait, tu sais, mais il y a des gens, en fait. Mais t'as pris des crottes. Non, mais ils cherchent les problèmes. Le chien est en train de yèche. Il commençait à peine à chier, mais c'était à l'époque qu'on avait Mémette. Et en fait, au jour-là, tu sais, je sais pas, on était vénère. Et une dame, là, elle passe, elle dit le chien, il veut ramasser la crotte. Et tu sais, on lui a non, dit. Mais ça, c'est vrai, ces gens sont énervants. Chien, on a dit ta gueule, et on a pris la merde, on lui a jeté dessus. Mais non. Voilà. Là, on était un peu sous tension. Je pense qu'il y avait de la tension. On s'était embrouillé, tu vois, avec Cariole, et en fait, elle nous a mis au taquet. Donc, c'était bah, du
pas le moment. Grâce à elle, on s'est rabiboché, tu vois. Comment vivre bien en société? Non mais je te jure, une fois, il y a un mec pareil. Mais à l'époque, quand j'avais mes mètres, parce que j'habitais à un autre coin, et bon, là, je vais les faire chier sur l'herbe, donc bon, les gens ils sont moins chiants. Oui. Un mec, une fois en scooter, le mec il s'arrête, et je dis oui. Tu sais, je me dis, ouais, le mec il veut peut-être me demander son chemin ou quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il me fait, je regarde ici, vous allez ramasser la merde. T'as que ça à foutre. Tu vois, c'est sorti tout seul. Moi, il me dit, Non, attends, puisque t'as acheté la merde au visage de la mamie, est-ce que tu l'as fait sur le scooter? Non, en fait, là, parce que j'avais pas de sac. Non, mais ouais, tu sais, je sais plus ce que le mec, je lui avais dit. Le mec, il fait, ouais, j'ai quand même le droit de regarder. Tu lui as dit, t'as que ça à foutre. Bah, mais va te faire mettre. C'est le chien, mais pareil, il est pas chié. D'un côté, il fallait lui jeter la merde. Hein? S'il a que ça à faire de sa vie, laisse-le. Non mais c'est quand même le mec il cherchait les problèmes. C'est bon, c'est vrai que c'est un peu intrusif. Le mec, tu cherches à te rassurer quand tu fais ça. Je regarde si vous le mec s'arrête quand même. Non mais le mec mais je te dis au départ, je me dis ouais, le mec, tu sais, il s'arrête, il me regarde. Je me dis ouais, le mec j'étais persuadé au départ, je me suis dit ouais, le mec il cherche une rue, tu sais. Et toi qui fais chier les mecs en vélo? Oui, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ça, c'est autre chose. Mec à vélo, je l'ai fait tomber. Voilà, c'est pas pareil. C'est autre chose. Mais pour la mamie, t'as pas regretté pour la mamie. On en reparlera. Non, mais c'était pas une mamie, la meuf, elle avait 50 ans, tu vois, elle avait l'âge de Cédric. On en reparlera quand on parlera des chauffards de la route. Et là, tu pourras témoigner, Cédric. Moi, c'est le contraire. L'autre jour, c'était 1h du matin. Après l'émission, je faisais faire caca à Medellin. Et là, j'ai une dame, une mamie aussi, qui s'arrête. Donc, une heure du matin, je sais pas ce qu'elle foutait dehors, elle rentrait peut-être dehors, Elle rentrait de boîte. Elle avait bouffé dehors. Elle s'arrête, mon mélanie était en train de chier, donc je regarde la dame. Oui, bon, et la dame me fait comme ça. Bravo, monsieur. Hein? Ah oui, ça aussi, on me l'a déjà fait, on m'a dit. Bravo, monsieur. Je fais pourquoi? Vous avez un sachet et vous allez ramasser la crotte de votre chienne, de votre chien. Je fais, oui, madame. Bravo, monsieur. Bah, c'est mignon. Oui, non, mais j'ai trouvé ça sympa. Non, mais des fois, il y en a qui sont sympas, tu sais, qui disent. Non, il était gentil. Ouais, il y en a, laisse tomber, quoi. Bravo, monsieur. Ah, je t'ai dit, l'autre, il avait pris de la merde sur la gueule. Moi, à la base, elle me dit bravo, en gros, elle me fait skiser, gros. Oh là, elle fait un peu peur, c'est vrai. Non, il était gentil. Mais c'est pas méchant, je pense. Non, mais là, c'est plutôt sympa que l'autre con qui s'arrête avec son scooter pour regarder comment. Ou des fois, ça m'est déjà arrivé, c'était jamais arrivé que Medellin, où les gens, vous pouvez pas le faire pisser ailleurs. Bah, je dis non, il arrive pas encore. Il arrive pas encore à faire au WC chez moi, donc. Non, moi, c'est pire. Vous ramassez pas. Je fais, mais elle vient de faire pipi. Parce que c'est une chienne, donc peut-être que vous ramassez pas. Je fais, non, elle vient de pisser. Je me balade pas avec une bouteille pour la faire pisser. Non, elle ne sait pas faire. Non, mais tu dis ça, mais moi, j'ai déjà dit un bravo, enfin, un merci d'ailleurs à un mec. En fait, il y avait une nana qui fumait, qui a balancé son mégot, tu sais, mais salement sur le trottoir. Et le mec qui était derrière, il l'a ramassé, il l'a foutu dans la poubelle. Et j'ai dit merci, bravo. Ça, je trouvais ça pas mal, tu vois. Non, mais une fois, j'ai vu un mec, s'il l'a fait, c'est qu'il y avait un gars au feu rouge, il avait balancé son mégot. T'as un mec, il est passé, il est revenu, il a ramassé le mégot, il l'a acheté dans sa bagnole. C'est bien ça. Mec dans la bagnole, il l'a insulté, l'autre, il l'a insulté. Puis après, voilà, sympa. Moi, le soir, ma grand-mère, elle a un chat. Oui. Et je sors de chez ma grand-mère, il y a une voisine qui vient me voir, elle me dit, ouais, vous avez un chat ici? Je lui dis, ouais, pourquoi? Elle me dit, ouais, il chie chez moi, tu vois, dans mon jardin. J'étais avec mon oncle, il la regarde, je lui dis, bah, portez plainte contre le chat. Voilà. Comment bien vivre en société? Ouais, c'est ça. Non, mais alors une fois pour une petite story en Italie. Là ils étaient fait, c'était comme des cons parce que bon, j'avais mes mètres, on promenait mes mètres sur le port. Cédric? Non. Le chien commence à chier et là en fait le français toujours sympathique à l'étranger. Oui. Et là il y a des gens qui disent parce qu'ils pensaient qu'on était italien, tu sais. Regardez, leur chien il est en train de chier. Et là, Carriole, elle fait, ouais, mais en fait, on est français, on a tout compris. Et les gens, ils ont fait, merde. Non, mais désolé. Ça, c'est drôle. Ils étaient comme des cons. Ouais. Bon, si vous avez vous aussi des petites stories sur la vie en société, la vie en France, ce si beau pays, si tolérant, dans lequel on est si. D'ailleurs, j'ai un sondage demain, soyez à l'écoute du morning. Il y a un sondage qui est sorti sur les 20 pays où jugés les plus sympas par les gens qui font du tourisme dans le monde entier. J'imagine qu'on doit être très très bien classé. Soyez l'écoute demain, vous allez voir, on est vraiment un pays de gens sympathiques. Donc vous soyez là demain, on en parlera demain. Mais si vous avez des stories là-dessus, allez-y, 41 759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Voilà. Vin rouge, vin rosé ou vin blanc? C'est vin tout court. Ouais, du vin. Allez-y, passez-nous un coup de fil et puis bon, l'appli, tout ça. Merci Alex pour les témoignages sur ton année de BTS. Rien, magnifique. Merci à vous. Je peux vous dire deux petites choses avant de partir? Vas-y Alex, on va faire le double appel là, tiens, si vous êtes prêts, on y va. Ouais, juste deux secondes. Merci à vous, moi je fais beaucoup de route, je suis tout seul, sur la route pour le boulot, donc je vous écoute, je me fais des replays dans la voiture toute la journée. On n'est jamais seul avec Skyrock, bien sûr. Ouais.
Et les replays sont sur l'appli, si vous voulez chercher. Ouais. Et Romano, je suis à Sainte-Max cet été, donc. Ah, bah tu veux m'inviter à manger Au platane tu connais les platanes? Ouais, bien sûr, je connais le platane, c'est un restaurant là-bas. Alors là, moi, je suis rentré dedans avec ma voiture. Bah, ça se voit, Cédric. Voilà, à de nombreuses reprises. T'as la gueule toute aplatie, ouais. Je suis dans les platanes. C'est quoi, c'est à toi le restaurant? Tu travailles là-bas? Non. Nous, on a une maison de famille là-bas, donc. Ah, bah, très bien, bah, écoute. Bah, si on se croise, t'as pas une femme d'ailleurs à manger. Je suis devant, j'arrive. Et ouais, merci à vous, c'est cool. Et puis, team le Belge. Quand même. Merci ma gueule. Donc, ah bah vas-y, on se rencontrera, je peux vous mettre ma main dans la gueule. Il va songer le gars. On t'embrasse. Merci ma gueule. Merci à vous. Le platane, salut. Tu le verras après. Salut à toi. T'éclates. Ciao Alex. Ciao. Bon allez. Non mais si on se croise, sérieux, on se boit un petit coup. Hein. Bah vas-y, go. À tes frais. Surtout c'est toi qui paye, ouais voilà. Est-ce que je peux venir? Bah écoute Marie, passe dans le sud, tu seras là-bas. Ouais. Bon allez, nous on passe des coups de fil maintenant, c'est l'heure du double appel, des double appels sur Skyrock, c'est parti. Attends, tu te prends pour qui? Ça peut me foutre. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Tu veux qui là? Tu veux quoi? T'es où toi? Ça, très bien, con. Le double appel de Default sur Skyrock. Ah, très bien, con. Très bien. Allez, on est prêt. On a testé les numéros de téléphone depuis 21h. C'est le numéro que vous nous envoyez tous les soirs pour les doubles appels. Y a Tito qui vient de nous laisser un numéro. Vous avez le temps de tester le numéro de Tito en plus? Vas-y. Allez. Comme ça, on en rajoute un. On en a plein. Allez. On va tester ça, là. C'est parti. Là, on met en contact nos familles. Les familles du double appel, bien sûr. Elles ont la parole. Elles vont s'exprimer en direct. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Ah, faut parler, monsieur. Hein. Oui, bah, oui. Mais il y a une dame qui veut vous parler. N'importe quoi. Bah. Vous avez fait une erreur. Allô? Vous avez trompé le numéro. Allô? Allô, oui. C'est qui à l'appareil? Ah, vous êtes trompé de numéro alors. Bah écoutez, moi j'ai pas appelé, hein, j'ai décroché, vous demandez qui? Ah, oh, bah non, il y a une erreur, c'est une erreur. D'accord, au revoir. Au revoir. Attendez, au revoir. Attends. Allô? Allô? Oui, madame, mais vous êtes en ligne avec plusieurs personnes, madame. Bah écoutez, moi, depuis 9h30, il y a quelqu'un qui m'emmerde. Bah, c'est bizarre, madame, parce que je vous entendais parler avec quelqu'un d'autre. Allô? Oui. Allô? Oui. Ah, vous entendez? Voilà, je vous entends parler avec quelqu'un d'autre, madame. Mais oui, moi aussi, mais j'y peux rien, monsieur. Hein. Ah oui, mais nous, on n'a rien demandé, madame. Il faudra arrêter, hein, si vous avez un problème de standard téléphonique. Bah oui. C'est la dame, monsieur, elle appelle tout le monde. Mais t'es un vrai connard, toi. Je pense qu'elle a pas la lumière à tous les étages, la bonne femme. Et en plus, elle est vulgaire, elle nous insulte alors qu'on y est pour rien, nous. C'est dingue, hein. Allô? Allô? Oh, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-moi votre message. Ah. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Mais parlez, monsieur. Comment? Il faut parler, monsieur. Oui, mais je parle. Bah écoutez, pourquoi vous appelez encore, vous? Non, j'ai pas appelé, monsieur. Ah bah écoutez, si vous êtes bourré, faut décuver. Non, mais arrêtez avec ça, hein. Bah, je suis pas bourré, monsieur. Vous avez raison, monsieur. Pas aligné deux mots. Faut arrêter de boire et d'appeler les gens le soir. Non, on a autre chose à faire, on travaille. Allô? Ah bah tiens. Allô? Oui, vous êtes le mari du... Mais c'est con parce qu'on fait un double appel, mais on les a les uns derrière les autres. Madame, vous êtes la femme du poivreau? Allô? Vous êtes la femme du monsieur qui boit? Oui. Allô? Allez, oui. Ah, ouais. Allô? Il y a du monde là-dessus, hein? Ah, ça, il y a du monde. On en fait deux en même temps. Allô? Allô? Bah merde, alors, c'est le meilleur. Allô? Allô? Là, je suis à poil, là. Allô? Ah. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour? C'est qui là? Ben je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Ah mais pas du tout, j'ai pas fait le numéro de téléphone moi. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui? Oui, allô? Moi j'ai pas fait de numéro de téléphone. Comment? Vous êtes sûr? Je n'ai pas fait de numéro de téléphone, on me dit que c'est moi qui appelle, alors je comprends pas. Ouais, c'est vous qui appelez. Mais moi en plus je comprends pas qui est-ce qui a appelé là. Mais moi j'ai pas appelé, ça a sonné, j'ai décroché, c'est tout. Mais vous êtes qui là? Monsieur Lully à Serfontaine. Bonjour monsieur Nier.
Monsieur le Niais. C'est quoi cette histoire là? Ben moi non plus, je sais pas. Hein. Et quand je regarde le numéro, c'est un 0270. Ah, ouais. Ben c'est moi, c'est marqué appel masqué. Ah, ça. Moi, c'est marqué secret. Ah, ben oui, alors je comprends pas. Bon, ben on laisse tomber. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Comment? Oui, comment vas-tu? Et t'es qui, toi? Patrick. C'est Patrick. Allô? Patrick? C'est Patrick. Ouais, absolument, oui. Patrick. Allô? Qui? Patrick. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Oh, mais c'est Michel. C'est Michel? Absolument, oui. Allô? 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 Oui. Mais c'est quoi tous ces gens qui appellent, là? Hein? Allô? Oui, allô? Oui, vous faites pas erreur de téléphone? Vous faites pas erreur de numéro? Ben moi, je viens de décrocher, là. C'est qui ce boulot là? Ah non, je vais... Ta police, elle crie saloperie, moi. Saloperie. C'est vraiment t'es appelé, t'es quoi, toi? Et à qui que vous parlez, là? C'est quoi cette histoire? Bah, donne-moi ton numéro, je vais directement chez toi, moi. Ouais, mais pourquoi vous disiez les grossièretés là-dessus? Bah, t'as qu'à venir tout de suite, ouais, moi, j'ai tout un coup de fil dans la gueule, moi. Non, mais ça va pas la tête, non? Bah, je pense que j'ai besoin. Et malhonnête. Ah, c'est bien une saloperie, ça, de... Je suis en train de masturber, là. C'est une saloperie, ce mec-là. T'es pas un travesti. Moi, je suis pas pédé, je suis pas comme toi, moi. Oh, ça a un peu d'homophobie. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Ah, pourquoi vous disiez des saloperies, vous? Oui, ah, madame, pourquoi... Votre correspondant aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi vous disiez des saloperies, madame? Bah, je ne dis pas de saloperies, mais écoutez... Trois fois que vous m'appelez, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est qui Mais c'est qui vous tenons? Je ne sais pas qui vous êtes. Mais c'est qui vous tenons? C'est bien pour un compte français. Alors, madame, c'est qui votre nom? Je vais pas vous donner mon nom. Vous m'appelez, vous devez bien savoir qui vous appelez. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce qui est bien, c'est vous qui m'appelez. Vous devez bien savoir à qui vous appelez. Ah non, vous disiez n'importe quoi, madame. Mais est-ce que vous savez à qui vous appelez? Vous, madame. Moi, je n'appelle personne, on m'appelle chez moi. Bah alors, disiez votre nom. Oh, je suis désolé, je ne peux pas vous... Disiez votre nom. Mais si vous m'appelez, vous savez qui je suis. Mais c'est vous qui avez créé. Voilà. N'importe quoi, mais madame. Vous êtes vraiment pas bien. Hein. Bah, c'est qui votre nom? C'est, hein. Disiez votre... Voilà. Eh bien, on a pris... En ce jour d'examen, c'était important qu'on prenne un cours de français. Parce que Romano, il parle bien. Ben ouais. Ah, il parle à France très soutenu. On a pris un cours de français dans les doubles appels. Merci à nos familles. On y est quand même arrivé, parce qu'au début, on galère, on les avait les uns derrière les autres. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais opération réussie. Et merci à vous. Merci pour votre participation au double appel. Et en parlant de cours de français, il y a une question là de... C'est qui? C'est Toshi qui demande la... Pourquoi on dit allô? Ça vient d'où en fait? Ah, on le sait pas ça. Bah, ouais, mais pas. Pourquoi on dit bonjour alors? Ça vient d'où? Voilà, pourquoi on dit bonjour, Marie? Bah, parce que c'est... Pourquoi on a des prénoms? Ça vient d'où? Ah oui, non, mais il a... C'est une bonne journée, ouais. Alors que, allô? Bonne journée. Oui, alors, tu sais allô. Que tu vas passer le matin, tu... bonjour, tu vas passer une bonne journée, quoi. Voilà, bonjour. C'est ça, ouais. Pourquoi tu dis salut alors? Salut, parce que salutation. Non, salut, c'est salutation. Ouais, bah alors faut dire salutation. Bon, et on va arrêter de prendre des cours. Ah non, on va pas arrêter de prendre des cours parce que dans un instant on a les deux cerveaux de l'équipe qui arrivent, Cédric et Karim. Exact. C'est question pour un gros con. Ouais, ouais, ouais. Vous nous appelez pour tout le reste, hein, 01 53 40 30 20. Sabrina Carpenter est là, on va la retrouver tout de suite avec Espresso. Et puis bah pour tout le reste, vous avez la parole, vous débarquez ici, vous venez faire les cours avec nous. J'ai trop envie de faire l'amour. Bon bah écoute, tu peux même nous appeler, on peut peut-être te trouver quelqu'un. C'est une fille. C'est Salim qui nous envoie un message. Ah bah ouais. Salut, t'as envie de limer, Salim. Il est content de sa vanne en plus. C'est rigolo. Bon allez, vous profitez, allez-y. Radio Libre, c'est sur Skyrock, c'est tous les soirs, 21h minuit. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock, on est là en direct tous les soirs. Profitez-en, appelez-nous 01 53 40 30 20. Vous avez votre appli Skyrock, eh bien n'hésitez pas, vous nous envoyez vos messages, vous débarquez ici. Vous avez un problème à gérer, pareil, on en parle. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Laissez bien les numéros d'ailleurs sur les messages pour qu'on puisse vous parler en direct. Avec toute l'équipe qui est là. Alors Romano, un peu de culture. Tu sais d'où vient le halo? C'est la question que nous avons. Oui, bon, moi j'ai regardé sur Internet. Hein. Voilà, sur Internet, c'est... Alors, le téléphone a été inventé par un Hongrois. Hongrois, Viktor Orban.
Non, pas du tout. En quoi nazi? Non, non, c'est. On va dire, non, nazillon. Non, voilà. Bon, après, je ne sais pas de quel, bon, on va dire, bord politique il était. Voilà. En tout cas, et en gros, bah, quand il a fait le premier test téléphonique, oui. Il a dit allô. Et allô. Moi aussi, je dis allô. Je suis pas oui, mais en hongrois, ça veut dire j'écoute. Ah. Et du coup, après, c'est resté dans les mœurs et c'est devenu allô à deux hello, quoi. D'accord. Eh ben voilà. Très bien. Culture, intelligence et savoir. On se couchera moins con ce soir. Exactement. Ben, on va se coucher beaucoup moins con ce soir parce qu'on va retrouver question pour un gros con. Question pour un gros con avec d'un côté Cédric et l'autre Karim. C'est ça. Vous êtes prêts tous les deux? C'est moi, le retour du grand match. Cédric, tu as le titre de gros con. T'as joué contre Guigui la semaine dernière, Karim. C'est ça. Ouais, bah, t'as quand même été con. Eh ouais. Mais Guigui était bien con aussi. La semaine dernière, vous les avez fait quand même un spectacle. Je sais que j'ai fait de très belles perfs. Voilà. La semaine dernière, on leur demande des. C'était quoi des. Non, c'était les prénoms en B, je me rappelle. Ah, les prénoms en B. Et... C'est l'autre qui commence, il dit Brigitte. Et moi, je réfléchis, et juste après, je dis Brigitte. Voilà. Alors, je rappelle que si vous connaissez pas le jeu, question pour un gros con, faut pas répéter la réponse qui a été donnée par votre adversaire. Ouais, parce que c'était j'étais sur une autre planète. C'est ça. Mais la planète des bilos. La planète des cons. La planète des singes. Oh, c'est moi. Bon, donc, question pour un gros con, le gros match arrive, on va se préparer dans un instant là. Et je vous remercie pour tous les messages que vous nous envoyez. On salue le Parisien qui vient d'arriver, on salue Loulou également. Loulou qui nous dit qui pense à Salim. Ah, Salim pour l'histoire du plan cul là. Oui, qui a très envie de baiser. Il nous a envoyé un message il y a un instant, je le lisais là tout à l'heure. Et il nous dit moi je vais voir mon plan cul, je penserai à Salim. C'est sympa. C'est ce qu'on appelle la Sky Solidarité. Exactement. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin de soutien, les auditeurs de Skyrock, les auditrices de Skyrock, on est tous en soutien. Ah bah Salim va être content, voilà, ouais. Tous ensemble. On est ensemble. Exactement. On est ensemble tous les soirs, 21h minuit, sur Skyrock. Profitez-en. Alors, on a Tom qui est en ligne avec nous. Salut à toi, Tom. Salut. Salut Tom. Salut Tom. Ça va, Tom? Ça va? Ouais, vous? Ça va bien. T'es à Podensac. Je connais Podensac, c'est du côté de Bordeaux. T'es dans le coin. C'est ça. Il y a du vin aussi chez toi, là? Bah, du côté de Bordeaux, Marie, en général. Ouais, en général, ouais. Ça, il y en a de partout. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est une région où tu peux partir en vacances. Exactement, comme la Bourgogne, il y en a c'est partout. Ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui. La Berthe du vin. On a envahi. On a envahi. Alors, Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous appelles, toi? Dis-nous tout. En fait, j'ai un petit problème. C'est que, au bahut, avant, je faisais un peu de conneries et tout. Sauf que, je me suis fait virer, quand même beaucoup de fois. Sauf qu'en fait, maintenant, dès que je fais une toute petite connerie, trop de retard ou quoi, ils me virent, mais dès une semaine, et sans même tenir mes parents au courant, juste sur Pronote, je regarde, et il y a écrit établissement, vous êtes viré, sans rien me prévenir et tout. Sauf que, c'est chiant parce que. C'est vraiment qu'ils te supportent plus, hein, parce que pour te foutre dehors, on va le prendre. Ah non, mais c'est clair, mais d'ailleurs, pourquoi ils t'ont pas foutu dehors définitivement? Voilà, moi, c'est ce que je leur propose. Voilà donc. La solution pour ton problème, voilà, on te fout dehors définitivement et le problème est géré. Non, mais en même temps, t'es con parce que si tu fais plein de conneries et que tu continues à en faire, c'est normal qu'ils t'aient dans le pif, tu vois. Ouais, mais c'est quand même chelou qu'ils te préviennent pas comme ça, t'as juste un. Non, mais quand ils te virent, hein, tu vas pas me dire qu'ils me préviennent pas tes parents, parce que le principal truc, quand le bahut te met une sanction, c'est que les parents soient prévenus. Ouais, déjà direct. Pour que les parents, ils te maravent un peu derrière. Ouais, bah c'est ça. Enfin, te maravent, ou ils te punissent, ou ils te fassent vivre une vie de misère. Puis c'était viré pendant une semaine, et il faut que les parents soient au courant, oui, c'est sûr. Ça. Donc, comme je dis souvent, quand vous êtes au bahut, je sais pas, mettez-vous à la place d'un prof. Vous avez des élèves qui foutent le bordel. T'as quoi comme envie? De les taper. De les taper. Non, mais je pense que t'as envie. Mais tu n'as pas le droit, malheureusement. Ah oui, mais bon. Enfin, malheureusement, non, tu n'as pas le droit. C'est un élève qui te fout la misère. Non, mais tu peux avoir une grosse envie. C'est parce que tu as demandé, vous avez envie de quoi? Tu peux avoir envie de le faire sans le faire, tu vois. Oui, tu ne faut pas le faire, sinon tu n'es plus le prof. Mais non, mais je pense que des fois t'as envie de leur mettre des grosses. Mais à l'ancienne, nos parents ils se faisaient taper. Ah ouais, mes parents ils me racontaient, mais moi il y a une prof, elle m'a déjà baffé, gros. Moi aussi je m'étais fait baffer en CM2. Et je suis rentré chez moi en chialant. J'ai dit à ma grand-mère, ouais, elle m'a mis une baffe. Genre, je lui montre la joue droite et elle me remet une baffe dans la joue gauche. Ah oui, c'est vrai. T'as dû la mériter celle-là et bim. Non mais Tom, il faut arrêter de faire des conneries. C'est assez simple en fait. Oui, c'est hyper simple. Si vous me dites, je suis au bahut. Je me fais virer parce que je fais des conneries. Eh ben arrêtez de faire des conneries. Ça, ou alors faites comme moi, vous faites pas choper. Ouais. Toi, Tom. Ouais, mais le problème c'est que. Ouais, c'est vrai. Ah, non, tu vois, il est pas con, il fout là. Il est là-dedans. En plus, c'est con de se faire virer comme ça là, à ce moment-là quoi. Ah bah le 18 juin, c'est vraiment. Ouais, mais t'as fait quoi comme connerie là? Oh, bah, de tout. De voilà. Tout. C'est pas clair. C'est quoi la plus grosse? Il nous faut des exemples.
Mais en fait, genre, c'est même pas des trucs... grave, genre, c'est juste genre trop de retard, des trucs comme ça. Non mais permets-moi de te le dire, t'es sacrément con. C'est même pas des trucs. Non mais de se faire virer le 18 juin, faut quand même être... Ah ouais, non mais c'est clair. Non mais bon, pas, je serais tes parents, je te mettrais une baffe. Mais Cédric, juste c'est... pour ça, tu fais-toi vois. Fais-toi virer en septembre. Non mais voilà, ouais, pendant l'année. Mais non mais attends, ce que j'ai compris moi, c'est que t'as pas été viré définitivement, si? Ah 6 mois. Non. Ah voilà. Non, moi je connais ces trucs-là, parce que quand t'es viré comme ça un peu temporairement, en gros t'es viré, enfin tu me confirmes, hein, Tom. Mais en gros, t'es viré le jour même du collège. Donc, par exemple, t'es viré, je sais pas moi, jeudi. Ouais. Mais tu dois quand même venir jeudi. Par contre, tu passes la journée en perm. Bah oui. Et t'es quand même là, mais t'es juste viré de cours ce jour-là, quoi. Ah non, moi, j'ai. Ouais, je pense pas que Tom ait. Non, Tom, t'as pas eu la viré du jour. La plus horrible, c'était on avait des privations de vacances. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'était un internat. Mais vous, c'est sauvage, vous. C'est, par exemple, l'élève devait partir le samedi matin. T'avais une privation de vacances. Bah, tu partais que le dimanche soir. Ah, c'est un jour, ouais. C'est horrible. C'est toujours chiant, mais... Ouais. Tu te fonces, Tom, toi aussi, t'as ça? Non, moi, genre, c'est juste... Tu vas pas genre, tu restes chez toi. Tu restes chez toi, voilà. Ah, je reste chez toi, pas bon, de punition, ouais. Mais quand tu nous disais, je fais des trucs pas graves, je suis en retard, eh ben, t'arrives à l'heure. Mais parce qu'un jour, quand t'auras un boulot, si t'arrives en retard, tu vas te faire virer du boulot. Donc maintenant, il faut se régler, il faut arriver à l'heure. Voilà. Voilà. Moi, allez, dis foule le daron. Voilà. Je vais être un peu dur. Ah bah après, t'as pas tort. Souvent, hein. Vous dites que je suis laxiste dans l'émission. Au niveau de l'éducation, vous me trouvez laxiste. Ça y est, t'es devenu radical. Alors que je suis tout simplement juste. Mais bon, Tom, ils t'ont viré. T'as eu combien de retard en tout là? 10. Non, mais oui. Bah oui, mais Tom, mais 10 retards, ça vaut bien une journée d'excuse. T'es exclu combien de jours? Un jour, non? Un jour, oui. Une semaine. Ah non, une semaine. Ah ouais, putain, c'est costaud. Juste pour des retards, tu te fous pas de la gueule du monde? Ah ouais, je suis sûr. Ah ouais, mais 10 retards, c'est beaucoup. Hein. Ouais, 10 retards, c'est beaucoup quand même. Ouais, 10. Non, mais menteur. Ah, mais c'est sûr. Bah, t'es un menteur. Voilà. Non, mais moi, je trouve ça. Bah, bon, après, c'est mon avis, mais je trouve ça un peu con de la part de l'établissement. Bah, le mec, il arrive en retard et qu'il exclut, oui. Bah, oui. Je sais pas, moi, je te fous en heure de colle. Exactement. Tous les week-ends. Moi, dans mon lycée, je peux dire, t'avais 3 retards et bah, t'étais collé 3 heures le samedi matin. Bah, voilà, c'est ça. Et donc, je peux dire qu'il y a pas grand monde qui arrive en retard. Et après, tout le monde arrive à l'heure. Ouais. Bon, arrête de faire des conneries, Tom. Donc toi, en gros, t'as 10 retards et t'as une semaine de vacances en plus. Voilà, c'était mon conseil du jour. Bravo, Diffoul. Bah là, du coup, si t'as une semaine, t'y retournes quasiment plus, c'est fini l'année. Ouais, bah limite, sois en retard la semaine prochaine, t'es déjà en vacances. Voilà, c'est un autre conseil que je te donne, que je te donne pas du tout, mais... Enfin, la gueule des vacances avec les parents derrière, normalement... Mais tes parents, ils disent rien, c'est ça qui... Bah ouais, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est quand même ouf. Putain, moi, je te sortirais du pieu, je t'emmènerais limite au bayou, tu vois. Marie, déjà, tu te lèves à 18h, tu arrêtes ton fils du pieu le matin. Je me lève à 18h. Ah merde! À le 6, c'est pas 6h du matin? Eh non! Ah merde! Ah ouais? Je m'en étais pas rendu compte. Parce que j'écoutais, je tombais sur Emmerich, c'était jamais le morning. Je comprenais pas. On aurait pu prévenir que le programme avait changé. Bah oui, que c'était Emmerich le matin et c'est bizarre ça quand même. C'est fou, hein. Bon, en moyenne, tu te lèves à quelle heure, Marie? Ah non, mais je me lève avant midi, moi. Ouais. Mais après, je fais une sieste juste avant l'émission en général. Pour être en forme et pour vous faire alors, profiter de. Je me lève avant midi. Avant midi, et c'est je un me peu tard. À 13h. Non, mais non. Pour me relever aux alentours de 20h. Bon, on t'embrasse, Tom. Allez, fais pas de conneries parce que tu joues ton avenir malgré tout. Et puis, et puis tu joues tes vacances, les bons moments avec les parents. Et c'est un enfer d'avoir des enfants. C'est Stack qui nous laisse le message. Bah, ça dépend des mots. Sur l'appli Skyrock. Ah, bah, c'est pour ça que j'en veux pas. Stack du 45 qui nous dit c'est un enfer d'avoir des enfants. Ils ont 13 ans et c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Bah après ça dépend. Ah, ça tu vois, je veux dire qu'avec mes parents, je sais pas ce que je voulais. Tom, la dénatalité, c'est de ta faute. Bah, ouais, c'est chaud quand même. Hein? T'as chaud? Bah c'est chaud, ça fait sévère quand même. Non mais toi, arrive à l'heure, tu vois. Au bout d'un moment, il y a des règles. Donc mais tes parents, ils disent rien, tu te lèves en retard, tout ça, ils s'en battent les couilles. Moi j'ai mal à la place de ton père, moi ça me casserait les couilles. T'as mon fils qui arrête pas de faire des conneries, qui arrive en retard au bahut. Ah, bah c'est clair. Je t'assure, ça m'énerve, ouais. Et pourtant, je suis particulièrement con, mais je discuterai avec lui face à face. Ah, moi, ma mère, elle venait me sortir du lit. Hein. Non, mais tu vois. Il n'y avait pas assez. Bon, elle m'a amené le petit-déj. Bon, ça n'allait jamais parce que le service était déplorable. Dans ah non, mais non. Le service était déplorable. J'ai mis les sales évaluations sur Google. Non, mais le room service était merdique. Ah, voilà. Jamais le lait, parce que je buvais des bols de lait. Et t'es à la bonne température. Ah non, mais c'était incroyable. Ça. Incroyable. Il y a Mila qui nous dit je suis d'accord avec l'auditeur, moi non plus, je ferai jamais d'enfant. Aujourd'hui, tout part en couille. Merci à toi, Mila.
pour le message. Voilà, opération dénatalité ce soir sur Skyrock. Fils, la même chose. Vous écoutez Skyrock, hop là, vous n'avez plus envie de faire de gosse. Terminé. Non, mais il y a plein de gens maintenant qui ne veulent plus en faire. Hein, pour diverses raisons. Hein. Oui, oui, oui. Pour des questions économiques, des questions, bah, la planète, on est déjà trop nombreux. Oui, il y a ça aussi. Parce que là, bah, comme moi, on le sait. Parce qu'il y a Tom, parce que Tom, t'es passé sur Skyrock. Ça coûte cher. Il y a plein de raisons pour arrêter de faire, pour arrêter de faire des. L'inverse enfants. De Karim qui nous a dit qu'il voulait en faire un troisième. Là. Oui, Karim. Lui, ça le bloque pas. Ah. Bon, allez, on va y aller pour la suite avec merci Tom, on t'envoie le t-shirt Skyrock parce qu'on est on est quand même sympa, mais t'arrives à l'heure la prochaine fois. Et c'est comme si nous on arrivait je sais pas pour la radio libre à 22h30 tous les soirs. Ouais. Il y a un problème. Ah, effectivement. Bon, allez, on va prendre tiens, on a un couple, Zordan et Zordan avec un Z. Ouais, Jordan et Zara. Ah non, c'est Jordan. C'est Jordan et Lara. D'accord. Jordan et Zordan. Et Lara, c'est Lara. Ça. Et pas Zara, d'accord. Salut Jordan, salut Lara, salut tous les deux. Salut tout le monde. Ah oui, salut. C'est Jordan, d'accord. Oui, moi je suis pas Lara, oui. Et oui, c'est, oui, ça, oui, c'est bien reconnu, c'est bien. Et Lara, donc vous êtes je dis que vous êtes en couple, vous êtes peut-être juste des potes ou vous êtes frères et sœurs, non? Non, on est en couple, mais elle est un peu timide, donc elle ne voudra pas parler à mon avis. Eh ben tu la salues quand même. Bon, elle est là. Vous avez quel âge tous les deux? On a 28 ans. 28 ans et vous êtes à La Rochelle. C'est ça, à La Rochelle, ouais. Et vous êtes amoureux depuis longtemps? T'as fait, alors on était en couple quand on avait 14 ans. On s'est c'est marrant leur histoire à raconter, ouais. Ouais, en fait, on était vraiment notre premier amour. On était tous les deux notre première fois. On s'est séparés et on s'est remis ensemble il y a 2 ans. Ah ouais, d'accord. Ah, donc, vous étiez ensemble à 14 ans, ça avait duré combien de temps à 14 ans? Ça avait duré, 6-7 mois. D'accord. Donc, premier amour, en fait. Premier amour, première relation sexuelle. Ouais, c'est ça, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a des vierges, quoi. Et après, ils se sont retrouvés 5 ans plus tard, alors qu'entre temps, elle a eu de l'expérience. Même plus de 5 ans plus tard, puisqu'elle a retrouvé ouais, à 26 ouais, ans. Plus de 5 ans plus tard, ouais. Et d'ailleurs, ouais, ça s'est bien passé. Genre 12 ans après, vous vous retrouvez, ouais. Et là maintenant, vous êtes ensemble et vous êtes bien. Votre première fois, ça s'est bien passé, on en parlait tout à l'heure, là, de la première fois. Où, non, on parlait pas de première fois. Bah si, non, mais il avait mis 10 secondes, là. Non, mais du premier coup avec. Ouais, premier coup, ouais. Non, c'était pas du tout la première fois, Marie. Autre sujet, erreur hors sujet, je te mets 0 sur 20. Allez hop, c'est jour de bac, hors sujet, HS. Allez hop là. Et ouais, donc et là vous êtes retrouvés et c'est l'amour fou. C'est ça, bah, c'est l'amour fou, tu vois, on a c'est des bon, projets bébés bientôt, on a là on fait construire notre maison, notre deuxième maison, et puis non c'est top, on s'aime et puis on s'adore. Génial. Ah j'attendais les violons les gars. Ah bah les voilà. Les mérites Jordan. Enfin vous les méritez, Et comment vous êtes retrouvés 12 ans après? Grâce à un message sur une story Facebook où j'étais au feu d'artifice et elle aussi, et elle m'a dit bah, j'étais à côté de toi par rapport à là où on était dans la position. Ah, c'est bon. Et du coup on s'est reparlé comme ça. Le lendemain je lui dis bah, on va boire un verre. Demain, aujourd'hui dit, on va faire un feu d'artifice tous les deux. Après le feu d'artifice. Et après je lui ai proposé d'aller boire un verre. Elle m'a dit ça te dit pas plutôt un resto? Et du coup on a été au resto au final. D'accord, et vous avez refait l'amour tout de suite? Même pas 15 jours après, je crois. Ah ouais, et, d'accord. Et elle avait changé ou t'avais changé? Non, vous étiez. Franchement, pas. Non, les deux mêmes têtes, deux bébés, quoi. Enfin, elle n'a pas changé. Et sexuellement, ça change? Au niveau de sa chatte, c'était ouais, comment? Contre, non, ouais, mais ouais. Pas ça, mais parce que. En fait, quand vous étiez. Comment 12 ans, elle avait vachement changé, elle s'est éclatée, quoi. Ah non, mais parle de ça. Non, mais tu veux dire, les deux, vous n'avez pas d'expérience. Après, en 12 ans, chacun a eu une expérience, tu vois. Ah bah c'est clair que par rapport à la première fois on était tous deux gênés et puis que bah t'es pas du tout expérimenté, tu fais juste un missionnaire et encore si t'arrives à le faire tu vois comme Guigui. Une référence moi, Guigui. Moi je trouve pas ça si facile. Non mais t'as raison de le souligner. Des références. Non, et maintenant c'est vrai que bah oui c'est vrai que elle a fait ses expériences de son côté aussi, moi de mon côté, et comme dit souvent Romano, bah au moins elle a pas vu qu'une bite et j'ai pas vu qu'une chatte quoi. Ouais c'est ça, il y a du passage quoi. Ouais vous avez fait vos expériences quoi. Ouais. C'est ça, complètement. Vous avez vécu une histoire d'amour, vous avez. Et au moins, c'est vrai que maintenant, ça bouge. Mais c'est tapé beaucoup de mecs, tu sais. Deux. Ah oui, c'est ça, tu t'es tapé beaucoup de meufs. Ouais, pas mal, ouais. D'accord, là, il n'y a pas de nombre, là, t'as vu. Mais en fait, si, je m'amusais à faire l'alphabet avec des copains, tu sais, avec les premières lettres des prénoms. Et ouais. Du coup, je sais que j'en ai fait 30 en 5 ou 6 ans. Ah, là, quand même. Est-ce que t'as l'alphabet complet? Non, c'est chaud quand même à voir. Ah, non, c'est chaud. On va faire le Z, toi. Ouais, ouais, les Z, c'est compliqué. Zemmour. X. Voilà, par exemple. Ah, super, voilà. Ah, ouais, gros Zob. Zaya, mais faut payer. Zaya. Zara. Zoé également, ouais. Zob. Oh là, ou un gros geek. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène tous les deux, puisque tout a l'air d'aller super bien. Mais c'est bien de parler aussi des histoires qui vont bien. Non mais ouais. c'est important aussi. Hein. Bah il faut quand même dans ce monde qui va mal, donc il faut bien parler de choses qui vont bien. Oui, c'est vrai que ça fait du bien.
Non, non, c'est vrai que derrière, nous, on aime bien tout ce qui est joué sexuel et tout ça, tu vois. Ah, à 14 ans, j'imagine que vous ne jouiez pas ça à l'époque. Ah, à 14 clair. Ans, non, non, je joue plus au Playmobil avant de faire l'amour, oui. C'est mieux, ouais. Et c'est quoi les jouets? Ben, on a le Womanizer, là, tu sais. Ah, ouais, le petit fameux. Truc, le jouet ouais. Le plus célèbre, le jouet sexuel le plus célèbre du monde. C'est vrai. Ouais. Qu'on a connu grâce à vous, je crois, d'ailleurs. Le Womanizer, mais c'est que moi, j'ai découvert dans l'émission que ça existait, ce truc. Ben, c'est ça, ben, tu vois, comme nous. Ah, donc, tu vois, pareil. On s'instruit dans la radio libre. Je te jure. Exactement. Et oui, ça, le Womanizer. Et puis, on se posait la question, pourquoi pas, de faire le plaisir anal et vaginal en même temps avec un jouet et moi-même. Alors attends, double P, genre ouais, avec un seul mec, ouais. T'es dans un trou voilà, et tu m'as joué dans le deuxième. Ah, t'aimerais donc goder ta meuf et mettre ta bite en même temps dans l'autre trou qui est pas godé. Ouais, c'est ça, ouais. Comme fait Romano et Carriol. D'accord, mais tu rentrerais de préférence. Calme quand même. Dans... On a plusieurs références dans l'équipe, Guigui, Romano. Ouais. Tu rentrerais dans quel trou et tu mettrais le god dans quel trou, toi? Mais je pense que pour le côté pratique, ce serait plus facile que moi je sois dans la chatte et le god dans le cul si c'est en levrette. Alors le vrai. Ah ouais, parce que tu. Oui, c'est vrai, t'as ouais. raison. Non, mais c'est vrai, mais vu comme côté ça. Côté esthétique vrai. Et pratique, hein, je parle, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. T'as le trou du haut, tu peux jouer avec la main. Ce qui est pas mal, c'est que même des fois, tu peux le sortir et tu peux lui bourrer le cul et la chatte en même temps. C'est-à-dire qu'en fait. Je vois pas trop, Romano. S'il te plaît, un peu plus descriptif. Alors, Guigui, par exemple. On salue le Portos qui dit vous avez pas dit que le Portugal avait gagné. Si. À l'instant. On l'a pas dit, non, c'est vrai, t'as raison, on l'a pas dit. Ah, mais c'est à l'instant. Mais ils ont gagné il y a quelques minutes, 2 à 1. Ouais, 2 à 1, et surtout, ils ont marqué le deuxième but. Ah, vive Portugal. À la 90e. Et ils ont failli perdre. Et ils ont failli perdre. Ils ont concédé l'ouverture du score. Ils perdaient même 1-0. Ils perdaient 1-0, après il y a eu un partout. Et but du. Et but de Cristiano? Non. Eh non, t'es niqué, Diffoul. Ton pari est pas validé. Niqué dans mes paris Winamax. Ouais. Cri-cri, alors. Cri-cri. Par contre, une bonne nouvelle, ils ont fini de construire le stade. Donc, bravo le Portugal. Victoire contre. Victoire contre la Tchéquie, République tchèque. C'est important de le dire. Voilà. Alors, revenons-en à cette double pénétration. Oui, alors, rentre un peu plus dans les détails. Alors, on va bien rentrer dedans, vous inquiétez pas. Oui. Donc, par exemple, quand tu as, tu as ta bite dans sa chatte. Oui. Et, on est en levrette, on est comment? On est en levrette. Tu te retires. Oui. Et tu retires le god, et quand tu D'accord. rentres dans sa chatte avec ta bite, avec ton bas du ventre, tu lui rentres également le god dans le cul. Ah, ça fait un support. Ah ouais, mais c'est technique là. Tu fais une double P en fait. Ouais, tu fais une double P. Il faut avoir un god ceinture alors, non? Non, mais pas. Bah non, parce que moi c'était surtout des plugs, donc il y avait souvent un pied, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'appuyais avec mon ventre et bam, tu sais, je lui mettais dans le cul et dans la chatte en même temps, tu vois. T'as pas une vidéo? Non, désolé. Mais je peux t'en faire une, je peux te faire un tuto. Voilà. Après, ça dépend ouais, du ventre que t'as. Karim, un truc comme ça, ouais. Avec Karim. Ouais, vas-y, ouais. Allez, tiens. Et toi, quatre pattes, Karim. Tu vas me mettre dans le cul, je préfère que ce soit. Ah, ça va aller. Cédric, il est jaloux. Je peux filmer à la limite si tu veux. Ouais, bah tu filmeras pendant que je t'enculerai. Non, mais ça va aller. Ah, mais tu filmerais ça, toi? Ah, pour avoir le dossier, ouais. Ah, ouais. Pour avoir le dossier quand je t'encule. Samy, tu filmerais des potes en train de t'enculer. J'ai la vie, gros, ça me dégoûterait, moi. Et toi, Guigui, tu filmerais, t'as deux potes que tu connais, ils sont en train de s'enculer. Non, je pense que pour le coup, tu les filmes. Ah, ouais, je suis choqué. Ah, non, pour le coup, je m'en et puis après, je me branle en même temps. Ah, bien sûr. Cédric, tu es. Ah, moi, je quitte la pièce. Oui. Et même pour un dossier. Ah, bah ouais, non, moi ça, je suis gros pour le dossier. Ah, tu fais ça? Ah, dossier à vie, gros. Non, mais t'as quand même, t'as deux potes qui sont en train de. Ah, bah j'ai fumé vite fait. T'as Romano et Karim qui sont en train de baiser ensemble. Ah, bah laisse-les baiser. Et toi tu filmes. Voilà. Mais t'inquiète, après on te mettra notre bite dans le cul. Bah tu vas me dire, Romano, on l'a déjà fait, gros. C'est vrai qu'on la ken et ouais, c'est vrai, ouais. Et ça a été filmé, ouais, quand j'étais bourré. Il y a la vidéo sur YouTube. Oui. Pourquoi? La célèbre déjà. Se mettre à poil. Je me suis mis à poil. Et pourquoi vous essayez pas, puisque vous êtes assez ouverts là-dessus tous les deux, Jordan et Lara? Non, c'est plus qu'on n'a pas forcément pensé, c'est pendant l'acte et tout, on est peut-être pas gêné, je dirais, mais tu sais, c'est quand même une autre, tu passes un cap, quoi, j'ai envie de te dire. Tu trouves que c'est passé un cap. Mais vous savez que moi, je joue pas du tout avec les jouets, j'aime pas ça. Ouais. Écoute, non, mais toi, t'as vu comment t'as aimé ma pourrie, t'es capable de te blesser. Non, ou du faire mal. Oui, c'est, non, mais c'est ça. Ou alors, c'est parce que j'en ai vraiment pas besoin, puisque je suis... Comme je vous le disais, très performant sexuellement, je vous le disais à 21h tout à l'heure. Ouais, mais là, sur le coup, et si tu veux faire une double P tout seul, bon, t'as pas le choix. Hein. Non, faut avoir deux bites, et là, t'es une malformation. Ouais. C'est sûr. Malformation du sexe. Après, ça t'attire peut-être pas, tu vois, les jouets. Bon, non, j'aime pas ça. Non, mais sinon que pour ta meuf, tu vois. Ouais. Pardon, tu offres un womanizer à ta meuf quand elle est pas là, elle peut s'amuser, tu vois. Non, mais là, l'avantage, c'est que elle a qu'à se l'acheter elle-même.
Ouais, parce que c'est un cadeau qui se fait vachement, tu vois. Non, moi je pense. Tout le monde. Ouais, ouais. Non, mais moi en tout cas. Tous mes collègues ont offert un Windmaser. Ah ouais. Ah ouais, tous mes potes. Ah ouais. C'est le cadeau de base. C'est le cadeau de base des Marseillais. Ouais, parce que c'est tellement des mauvais coups. Non, Womanizer, c'est pas quand tu baisses ta meuf, gros. Karim, t'offriras un Womanizer à ta meuf? Pourquoi pas, gros? Ah ouais, moi j'ai mon chibre. Après la meuf, dès qu'elle veut se faire plaisir. C'est ce que je me dis, j'ai mon chibre. Moi je préfère autant lui acheter un aspirateur, ça lui sera plus utile. Ouais, c'est mieux un Dyson. Ouais, c'est incroyable, les gars. Ah, je ferais pas, moi. Ah ouais? Et toi, Guigui? Ah non, moi pas du tout. Ah, tu pourrais pas, donc. Je le ferais pour Noël. Non, mais ça fait pas la même chose. Regarde ce que t'as amené, le petit Jésus. Tiens, un cadeau. Sur mes groupes de potes de Paris, de Marseille, machin, même des gens qui se connaissent pas, enfin, pas tous, je vais pas mentir, mais la plupart ont offert à leur meuf, au bout de quelques années, un Womanizer, tu vois. Ah putain, ah ouais, je m'en pas le faire, moi. Je m'en fous, je la pilonne à coups de bite. Voilà, ouais, c'est bien dit. Et ça, c'est du romantisme. Ouais, tiens, absolu, oui. Ouais, mais quand t'es pas là. Bah, quand je suis pas là, je suis pilonné par le voisin. Ah, la classe. C'est cool. Ah, voilà, tu vois. Je te prends tes partageurs. Ouais, c'est, je te jure. Voilà. Non, mais fait, bah, écoutez, faites-le, votre. Ouais, il y a juste à s'acheter un petit god, ouais. Vous l'avez, ouais, en plus. Ça, c'est pour ça que je voulais savoir un peu si tu vois les auditeurs qui sont nombreux sur Skyrock, s'ils pouvaient s'ils l'ont fait, comment ils l'ont engagé. Ah, moi je kiffe ça, moi j'aime bien, tu sais. T'aimes bien. Toi, t'es très good, toi. Une vidéo, putain, je pourrais voir. Ouais, mais non, mais va te faire mettre. En toute amitié, non, non, mais il y a pas de vidéo. Non, mais déjà moi je me filme jamais parce que je suis tellement dans le feu de l'action que je peux pas tenir un téléphone. Ça tremble. Ouais, c'est ça. Non, mais moi je sais que bon, après, ouais, effectivement. Vous avez déjà testé, ouais, la double P avec un moi avec j'ai testé dans les deux. Allez-y, dites-nous. Moi j'ai testé t'es fait le god. Non, mais elle est là. Tu l'as déjà pénétré en étant pénétré par un god derrière? Comment? C'est-à-dire tu pénètres carriole et tu te mets un god en même temps? Non, bah essaye ça. Ouais, mais non, c'est ça, bah, fais-le, toi. Moi j'ai pas les objets, j'ai dit. Bah écoute, bah justement, apprends à découvrir. Non, mais c'est pour demander. Mais t'as déjà essayé, moi? Si tu pouvais laisser tes fantasmes à la porte. Non, mais je mettrais jamais un truc dans le cul. Ouais, ça t'attire pas, quoi. À mettre un truc dans le cul, non. Ah non, mais pas te mettre un truc dans le cul, mais les jouer avec une nana. Non, mais j'aime pas, non, j'aime pas. Ouais, c'est ça, ça t'attire pas. Ah putain, moi ça m'excite de ouf. Ah ouais, c'est dingue ça. Moi j'ai plein de potes aussi qui sont excités par ça, moi ça m'excite pas du tout. Bah moi je lui mets dans le cul ou dans la chatte, tu vois, ça, on varie les plaisirs, quoi. D'accord, c'est bien. Bah oui, c'est ça. Oui. Puis des fois, pour qu'elle se taise, je lui mets dans la bouche, tu vois. Ah putain. Ah, il y a Céline. Ça lui fait une tétine. Je sais pas si tu connais, Jordan, comme t'aimes bien les sextoys, tu nous disais, vous aimez bien les sextoys tous les deux. Il y a Céline qui nous parle d'un aspirateur à clitoris. Bah c'est le Womanizer. C'est ça, Womanizer, ouais. Le même truc, quoi. Ah, t'appelles ça. T'appelles ça un aspirateur à clitoris? Ouais, ça vibre et ça aspire. Ça aspire, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, ça aspire et ça vibre en même temps. C'était un peu comme un truc d'air, tu sais, sur le clitoris de la meuf. C'est ça. Bah, j'ai jamais essayé, mais. Ah, c'est, mais essaye, Marie. C'est génial. C'est un truc doux. Bon, alors, on lance un appel. Vous nous laissez vos messages. Vous avez déjà testé, donc, de jouer avec des sextoys pendant que vous faisiez l'amour à votre chérie. Marie, avec ta tête de chat, toi, tu vois, souffleur à feuille. Ah ouais, prends un Dyson, toi. Souffleur à feuille dans la rue. Mais ça aspire pas, espèce de nœud. C'est l'inverse. Tu bouges pas, genre, ah ouais, fallait vous prendre. Mais ça souffle ou ça aspire, ou Womanizer? Ça aspire. Ça aspire, ouais, avec une petite vibration. Ouais. Bon, tu peux rester avec nous, Jordan, Ouais, carrément, ouais, je vais rester un peu en ligne, vite fait, parce qu'on bosse encore dans notre maison, donc c'est ah ouais, c'est parce qu'il m'avait dit, c'est. Je suis en train de faire des murs. Fallait vous prendre ensemble. Non, mais faites vos murs, et puis on vous reprend, donc. D'accord? Mais le haut-parleur, au pire. Tu sais que j'ai niqué quand même dans le chantier avec elle. Ah bah, on va en reparler. Très bien. Bah, tu vois, magnifique. La petite pause sympa. Voilà, et tu lui as mis le rouleau à peinture, le. Non. Dans le cul. D'accord, ok, très bien. C'est bien pratique. C'est classe. Voilà, tu as. Hygiène, bien sûr, ouais. Hygiène. Oui, tu lui as tapissé l'intérieur, quoi. Ah bah, tiens, voilà, moi, regardez, je te posais la question, il y a un message de tête de tub, là, qui vient nous envoyer avec l'appli Skyrock. Salut, tête de tub du 94. Et qui dit: moi, je me suis déjà mis un god dans le cul en enculant ma meuf. C'était trop bon. Parce que j'aime. Voilà, voilà, parce que j'aime ça. Oui, bah il vaut mieux, ouais. C'est un délire. Bah après, chacun son truc, hein, pourquoi pas, mais c'était ton délire. Non, mais le truc, c'est que tu ressens peut-être, tu te dis, je ressens peut-être ce que ressent ma meuf en même temps. Je sais pas, c'est peut-être ça. Non, mais il y en a d'avoir un truc dans le cul, ça les fait bander grave. Ouais. Oh là là, dis pas mon blaze. Non, désolé. Ah, dis pas mon blaze. Cédric, il assiste toute la soirée sur quelque chose. Sur ma chaise. Ah ouais, moi je. Non, mais toi, ça t'excite quand tu te mets un truc dans le cul? Ouais, en pensant à toi surtout. C'est le meilleur moment. Non, mais sérieusement, ouais, ouais, mais sérieusement. Quand je pense à toi. Alors des fois le problème, c'est que tellement je pense à toi, je dégueule. Bon, Jordan, c'est moins sexuel. Et Lara, vous tirez, et ta chérie, vous quittez pas tous les deux, on va reprendre. Cédric, force à toi pour question pour un gros con. Hein. Ah oui, merci ma gueule. Fais-nous pas honte, hein. Parce que là, je vais pas honte. T'inquiète pas, ce soir, je vais le niquer.
Bon, dans un instant, question pour recours avant minuit. Dans un instant, des réactions. Tiens, on aura Gwen de Bordeaux qui veut réagir par rapport à ces histoires de sextoy. On en reparle. Et puis là, on a Loulou en ligne avec nous. N'hésitez pas à nous appeler, hein. Vous le savez, 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici et vous nous parlez tout ce que vous voulez. Salut Loulou. Ouais, Loulou. Salut Loulou. Salut. Salut. T'appelles d'Orléans, Loulou, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Mets-toi à un endroit où t'entends bien parce qu'on t'entend particulièrement pas bien. Ouais, c'est vrai. Oula, c'est de pire en pire. Rentre peut-être. On te perd. Mets-toi dans. Vous m'entendez? Non, ça va pas pouvoir le faire, ça va être compliqué. On va te reprendre, Loulou. On va faire deux, trois réglages. On va trouver un endroit où on t'entend bien, Loulou. Loulou d'Orléans, tiens. Et on aura, à Orléans aussi, on aura Sonia là dans un instant pour tout autre sujet. On va voir de quoi va nous parler, de quoi va nous parler Sonia. Tiens, on était sur les objets sexes. Revenez nous voir, Jordan. Je crois qu'on m'appelle des fois. Un truc vrai? On entend la voix de la chérie derrière. Ouais. Ça y est. Alors, elle voulait pas passer sur Skyrock, on est passé sur Skyrock, Lara? Ouais, tu vois, elle était. Pas de vouloir. Elle est timide. Non, mais elle a une jolie voix. On a attendu deux secondes, mais. Ouais, c'est vrai. C'est une vraie salope, oui. Ah, non, mais l'autre. En plus, sa meuf, elle est timide. Elle voulait pas trop parler. Ah, c'est clair. Et là, il y a son mec. Oh, bah, t'es une vraie salope. Là, elle me regarde avec des gros yeux. Excuse-moi, Choupette. Ah, bisous, Choupette. Bon, il y a Gwen qui voulait témoigner pour vous, là. Je vous en parlais. Gwen de Bordeaux qui est en direct. Salut, Gwen. Ouais, salut. Salut. C'est gentil d'appeler Gwen pour les objets sexes et puis ce que nous demandent Jordan et Lara, les sextoys, une double P avec un gars, tout ça. T'aimes bien les petits objets sexuels? Ouais, franchement, ouais. Nous avec mon mari, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. D'accord. Mais à la base, on était meilleurs potes, genre vraiment, on se connaît depuis 10 ans. Ouais. Donc toi, t'as 27 ans, hein, Gwen. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ouais, du coup, on adore. Enfin, on a vraiment genre un gros sac de sport avec des fouets, des menottes. Genre équipé quoi. Ah ouais, vous êtes équipé. Oh, ouais. Genre t'es une maîtresse dominatrice. Ah ouais, tu le domines. Tu le fouettes. Bah, alors ça peut arriver. Tu le fistes. En fait, c'est non. T'as 4 pattes. Karim, lui, il monte de plus en plus. Ouais, c'est ça. Maîtresse dominatrice, tu le fouettes, tu le fistes. Tu lui casses les dents. Non. Ouais, tu lui mets des petits coups de fouet comme ça. Ouais, franchement, on adore. C'est un coup c'est lui, un coup c'est moi, ça dépend. Il y a pas de. Ah ouais, il y a pas de rôle. Donc t'es pas forcément maîtresse, ouais. T'es parfois dominée ou dominatrice. Et comme vous étiez meilleure pote juste avant, est-ce que tu lui parlais un peu de tes histoires de cul et lui aussi, vous étiez au courant un petit peu de vos kiffs? Ah non, rien à voir. Ouais, quand vous êtes mis ensemble, ça a été direct. C'était la révélation. Ouais. Vous avez découvert ça en faisant l'amour, en étant ensemble, quoi. Ah ouais, parce que moi, j'avais jamais fait ça avec quelqu'un d'autre avant. Ouais, t'étais grave en confiance, en fait. Ah ouais, de ouf. Et qui a mis le truc sur le tapis, le sujet sur le tapis, c'est toi ou lui? Franchement, je sais même plus. Non, je sais même plus. Je sais qu'à l'époque, j'avais eu une ancienne meilleure amie qui m'avait offert un vibro. Et je sais plus, je lui en avais parlé et tout. Et je crois qu'un jour, c'est lui qui l'a sorti. Ah ouais, ça a commencé comme ça. Depuis t'as un sac. Depuis un sac de sport. Depuis t'as un sac de sport, ouais. Et tu t'es déjà trompé, genre t'es allé au sport avec le mauvais sac, c'était le sac de jouer. Ah merde, putain, j'ai pris tous mes godes. Bon, ok, y'a que ça. Non. Il y a Cathy qui a 32 ans et qui nous envoie un message qui dit: moi avec mon homme, on a plusieurs jouets. Fouet, boule de geisha, god, corde de bondage. Vous la passez, Cathy. Boule pour mettre dans la bouche, un kiff total. Ouais, chou, on a des araignées et tout, vraiment c'est la totale. Ah ouais, quand même. Tu vois, Jordan, bon, avec ton petit, avec ta petite double P, t'es un petit joueur, hein, quand t'entends tout ça. Je joue dans un cours des CP, moi, à côté. Hein. Et toi, Gwen, du coup, t'as fait double P comme ce que nous racontait Jordan, non? Ce qu'il veut faire. Ouais, on en a déjà fait une, mais pas très longtemps, je suis pas très. T'es pas fan, t'es pas anal. Si, mais en fait, j'aime bien, mais j'arrive pas à me. Pas les deux en même temps. C'est pas ça, c'est que le cul, j'ai un peu genre du. Je sais pas, il dilate pas, tu sais. T'avais envie de chier. C'est pas trop ton truc, quoi. T'avais envie de chier. T'as chié dans le lit. Non, mais si elle aime pas trop. C'est le truc horrible. Ah, j'ai pas aimé des mains, j'ai chié dans le lit. Non, mais pourtant, franchement, j'aimerais bien. Des fois, chier dans le lit. J'en ai envie, mais. Non, pas chier dans le lit. Ah, t'es con. Mais c'est pas une question. T'aimerais bien, ça te fait fantasmer, mais quand tu passes à l'acte, c'est pas ce que tu attendais. Ça me refroidit. Bah, ouais, je sais pas. Non, mais peut-être qu'il travaille pas assez l'anus avant. Travailler l'anus.
Non mais je sais pas, j'ai bien le cul. Ouais, d'ailleurs, on peut lui faire une petite dédicace hein, parce qu'il nous écoute. Bah, il est content d'ailleurs. Comment il s'appelle? Romain. Eh ben, salut Romain. Ah, bah, bisous Romain. Bouffe-lui bien le cul, Romain. C'est que avec les jeux. Parce que tu nous dis le cul, mais quelquefois, il te fout pas un pouce dans le cul là, quand il te prend le vrai. Ah, si, ça, j'adore. Ah, ça, t'adore. Ça, j'aime bien faire ça. Ouais. C'est plus petit. Ouais, bah, il y a plein de mecs qui adorent faire ça. C'est bon, bah oui, bah, quand t'as le vrai, t'as un trou ouvert, tu dis, bah, je vais le boucher. Évidemment. J'aime bien aussi. Bah, minimum, il faut les deux, par contre. Ah, bah, il faut les deux pouces. On a acheté aussi un plug avec une queue, comme une queue de renard. Ah oui, oui, on avait déjà parlé. Ça, j'adore. Et ça, j'adore. Portes le truc comme ça sans. Donc, t'as une queue qui dépasse de ton. Ouais, exactement, ouais, c'est une queue en. Voilà. Mais pourquoi vous adorez ça? C'est joli. Je sais pas, je trouve ça sexy. C'est un bijou un peu. Il y en a des plugs bijoux d'anus, ouais. Là, c'est marrant. Cédric, oh, j'ai un diamant au cul. Je vais te poser une question, Cédric. Comme tu es célibataire, tu trouves une meuf, elle est super mignonne, tout ça. Et par contre, elle est très portée sur les objets. Et elle aimerait te fouetter, t'attacher avec des menottes. Et pendant que t'es attaché avec des menottes et qu'elle te fouette, te mettre un plug avec une queue de renard dans le cul. Ouais, bah non, désolé. Mais elle est super mignonne. Hein. Je reste célibataire. Elle est super mignonne, tu l'aimes, elle est belle et tout. Non, je est-ce que tu le ferais? Non. Pourquoi tu ferais pas? Bah parce que non. T'es coincé. Non, non mais Cédric, quelle queue d'animal t'aimerais avoir dans le cul? Non mais queue quoi? Non mais c'est queue de renard, queue de castor. Ouais, t'es chaud. Porc. Mais tu en tires bouchon. Non mais t'aimerais quoi? Ouais, t'as vraiment. Non mais tu devrais choisir. Tu me fais flipper. Pas une queue de vache. Non moi j'ai sans plus. Tu verrais bien qu'une queue de vache. Une queue de cochon. Donc tu trouves une meuf même super bonne. Bonne, intelligente, sympa. Vous êtes en phase. Non. Guigui, toi qui es célibataire aussi. Une queue comme ça et tu remues du. Non mais tu fais ce que tu veux avec ton cul. Et le faire à une nana, ça te ferait kiffer? De non, lui c'est pas la question, Marie. La question, c'est dans le sens inverse. D'accord. T'as dommage, c'était une bonne question, Marie, je trouve. Et non, mais on va changer. Alors, ah, merde, même question pour toi. Non, mais Marie, elle a posé une bonne question. Non, mais elle est pas bien. Ça y est, Marie, elle est je trouvais que la question de Marie était très pertinente. Allez, réponds-toi. Bon, tu ferais toi ou pas? Non, pas du tout. Tu ferais pas? Non, je te mais la meuf, elle est super. Tu vois, elle est intelligente, sympa, mignonne. Elle te correspond. Vous avez les mêmes passions. Vous êtes bien ensemble. Vous êtes super amoureux. Et elle te dit, je suis un peu dominatrice. J'aimerais t'attacher. Et elle te met une queue avec de renard dans le cul. Alors, toi, quelle queue d'animal t'aimerais? Tu es obligé. Non, mais déjà, pour la question de foule, moi, je suis obligé. Alors, pourtant, c'est hyper tentant, mais je refuse. Non mais j'aurais envie parce non, mais non mais toi tu me décris un peu t'as envie de te mettre une queue de quoi alors. Alors Cédric lui il a choisi la queue de cochon qui va très bien avec sa tête de porc. Ah non mais je dois choisir une queue pour aller dans mes fesses. Ouais alors tu as le choix. Tu peux. Non mais si je réfléchis bien je prends une petite queue pour pas être trop gêné dans les fesses. Non mais de toute façon non mais la base de toute façon tu l'auras dans le cul. Donc c'est juste t'aimerais. C'est esthétique. C'est ouais purement c'était une queue de bœuf, une queue de je sais pas de zèbre. Non moi je t'aurais dit non éventuellement une queue de rat, c'est plus petit. Oh, ouais, mais le truc qui est dans le cul, c'est la même taille pour tout. Ah, c'est moi, je suis une queue de rat. Ouais, non, mais limite, je mettrais une queue de lion, tu vois. Ouais, mais quand t'as en plus, au bout, t'as un plumeau, ça fait le ménage, tu vois. Puis c'est quand même le roi des animaux. Le problème, c'est quand ça va ressortir, tu sais, ça va te gêner, en fait. Ça va être long, ça va te gêner. Ouais, je la mettrais sur l'épaule. Ouais, tu vas me dire. Ou alors, tu fais un trou dans ton jean derrière et t'as avec ma queue de lion. Bon, en tout cas, tu t'amuses bien avec ton chéri, toi, Gwen. Bah ouais, franchement, c'est cool. Donc, bah voilà, tu vois, Jordan. Mais non, il faut tester, Jordan. Ah ouais, non, mais c'est clair, un chapeau, franchement, la queue de renard, pas mal. Hein. Ça t'a donné des idées, Jordan, ou pas? Bah déjà, moi, déjà une queue de cheval, donc après. C'est vrai qu'une queue de cheval, c'est noble, ça fait classe un peu. Ouais, c'est ouais. Voilà, moi, je prendrais bien finalement une queue de blaireau. Ouais, ça me fait penser à toi, tu vois. Merci pour le message Ajaboy 58. Salut Ajaboy. C'est quoi? Salut à toi, Ajia, parce que c'est l'équipe d'Auxerre. Eh voilà, c'est ça, ouais. Et en Ligue 1. Ouais. Dans un instant, on aura le témoignage de Cathy. Merci Gwen, on te fait des gros bisous en tout cas. Ouais, y a pas de souci, gros bisous. Bisous, Gwen, bisous, continue de bien et reviens quand tu veux. Tu nous appelles quand tu veux. Ouais, bisous à toi, chérie. Écoute. Bisous à Romain, le chéri. Ouais, merci. Et puis continue de bien t'amuser. Salut ouais. Gwen. Dans un instant, je pense qu'on va monter encore d'un cran avec Cathy. J'ai eu le message de Cathy, tout ce qu'elle a à la maison. C'est quand même sacrément équipé, Cathy. Donc Jordan et Lara, vous bougez pas. On va voir si on entend Loulou là, parce qu'on va parler aussi d'autres choses dans un instant avec Loulou. Question pour un gros con, le grand match qui arrive. Et donc Loulou, est-ce qu'on t'entend bien maintenant, Loulou en direct d'Orléans? Oui, je suis là. Bah voilà, on t'entend bien. C'est un peu mieux, Loulou. Bravo.
On a des services techniques exceptionnels à Skyrock dans le studio, hein, vraiment. Magnifique. Bravo. Alors Loulou, donc toi tu t'as déjà testé les petits objets, les sextoys, les objets sexuels, etc. Non, du tout, non. C'est pas ton truc, toi non plus. Non. T'es jamais tombé sur une meuf qui t'a demandé? Jamais. D'accord, ok. Alors toi, qu'est-ce qui t'amène, de quoi tu voulais nous parler? Parce que là, on va changer de sujet avant d'y revenir. Hein. J'ai envoyé un message parce que j'ai entendu Salim, il voulait baiser. Et puis moi, j'ai envoyé un message. Et j'ai dit, moi ce soir, je vais voir mon plan cul. Ah, mais je t'ai lu tout à l'heure. Ouais, bah c'est vraiment, je sais pas si c'était toi que j'ai lu, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont avoir leur plan c'est cul. C'est toi qui fanfaronner. Donc c'est ça, c'est la Sky Solidarité. Vous pensez à Salim qui a envie de baiser, et toi tu vas aller baiser ce soir. Je penserai à toi. Voilà. Bon, c'est bien. Et ouais, hein, nickel. Mais tu sais. C'est non, mais attends, mais explique, c'est quoi ton plan cul? Bah on se voit juste pour baiser, quoi, c'est tout. Oui, c'est un plan cul. Mais quoi, il a un truc de spécial, ton plan cul? Ouais, normalement. Il a une bite? Bah ouais, non. Il a une bite. Non, dis-moi pas qu'elle a des seins et une bite. Ah là, moi j'en peux plus, j'ai ma queue de blaireau là. Oh, j'ai ma queue de blaireau qui se dresse. Oh, tu me dis des trucs comme ça, j'ai la queue toute dure. Regarde ma queue de blaireau, Romano. Oh non, mais vas-y, calme-toi, Cédric. Non, mais attends, t'en es. Mais c'est quoi? T'as un plan cul, c'est quoi? C'est avec un mec, une meuf? Non, c'est avec une meuf en fait, ils sont libertins. Ok. Et son mec, ça le dérange pas qu'elle se fasse baiser par d'autres mecs. Ah donc ouais. Tu veux dire que tu vas baiser une meuf qui est avec un mec, qui est en couple avec un mec, et le mec il est au courant que tu vas baiser la meuf. Voilà. Et il est content. Ouais, ouais. Et tu vas chez elle là? Le mec il est content. Il est heureux. Non, ouais. On fait ça en extérieur. Ouais, des fois je vais chez elle, mais quand il est pas là, mais sinon, ah oui, quand il est pas là. Ah, le mec il regarde pas. Ah jamais il assiste à la baise. Mais elle lui raconte après. Ouais, bah oui, parce qu'on fait des photos. Ah ouais. Le mec il demande des photos. Bah oui. C'est pas évident, Marie. Toi, ton mec, il a baisé notre meuf, tu lui demanderais des photos? Ah, bah non, jamais de la vie. Je préfère une vidéo. Et tu lui parles au mec? Tu as déjà eu au téléphone? Non, du tout, jamais. Mais tu l'as croisé? Vous avez discuté ensemble? Non, jamais? Non, jamais aucune. Non. Elle m'a proposé qu'il regarde, mais. Ils ont proposé quand même. Je me sens pas capable de franchir le pas. Et ça fait longtemps que tu la vois? Ça va faire 3 semaines. Est-ce que pour vous c'est l'amour absolu ça? Parce que on avait parlé d'un sujet un peu comme ça, d'un mec qui savait que sa meuf le faisait cocu, et on avait reçu des messages où on disait c'est l'amour absolu de tolérer, d'aimer tellement sa meuf, de tolérer qu'elle allait prendre du plaisir ailleurs, de le savoir et que ça pose pas de problème dans leur couple tellement qu'ils s'aiment. C'est pour ça qu'on appelait ça l'amour absolu. Enfin quoi, vous aviez appelé par rapport à la confiance. Toi Samy, tu pourrais l'amour absolu. Ah non, moi ça. Je trouve ça complètement débile. Tu l'aimes tellement que tu peux tolérer qu'elle aille se faire. Tiens, je t'aime tellement, on va te faire baiser par un mec. Voilà, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est l'amour absolu. C'est complètement incompatible justement avec l'amour. Tu pourrais pas toi. Bah non, si tu tiens une personne, tu peux pas la partager. Non, ça veut dire si, ça veut dire c'est de la possession. Alors ouais quoi, après chacun si tu où il veut aussi. Et toi l'amour absolu, Romano, tu le vois? Voilà, c'est tu vrai, le sens, tu sentirais là, l'amour absolu. Ah non mais absolument pas, moi pour moi l'amour toi c'est l'amour absolument pas dans ce cas-là. Non mais chacun sa vision de l'amour absolu, moi c'est pas ma vision du tout de l'amour. Tu l'aimes absolu. Tellement que tu acceptes qu'elle aille prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre parce que tu sais que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Ouais mais je m'en branle. Tu ferais pas ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Et toi Karim, tu ferais l'amour absolu? Comment ça l'amour absolu? Je viens d'expliquer. Bah, il vient de dire. Un quart d'heure que j'explique l'amour absolu. Marie, expliquer, tiens. Alors, je vais passer à Cédric. Attends, Cédric est en train de chier, donc il a pas entendu non plus. Non, je pars chercher un boire vite fait. Alors l'amour absolu. L'amour absolu, c'est toi et tu foules. Mais comprends. Et c'est eux deux qui ont fait les questions pour un candidat. Oui, mais en même temps, c'est les bons candidats. Oui, c'est vrai. Une fois de plus de le prouver. Moi, je peux te répondre. Je pense que c'est une vision du couple et moi, je trouve pas ça anormal quand t'es ensemble. Merci Marie. Ah non, moi non. 50 ans non, alors. Ou 40 ans ou j'en sais foutrement rien, enfin bon si t'es ensemble depuis longtemps et que t'as envie de faire d'autres choses et que tu mens pas à l'autre, de toute façon tu le fais pas cocu. Non mais c'est ça, y a pas de mensonge, pas de. Bah ouais, moi je trouve pas ça me choque pas, tu vois. Toi, t'es pas amour absolu. Pas amour absolu, à me dire le contraire. Non, même pas gros, elle va me dire je vais me faire chibra à droite à gauche. Oh non. Oui. Non, y a pas d'amour absolu. Et toi Loulou, ils ont quel âge le couple? Elle a 38 et lui je sais pas du tout. D'accord. Et toi Guigui, alors l'amour absolu comme ça? Ah non, moi c'est impossible. C'est impossible. Non, je sais. Pourtant, je peux comprendre. Hein, ton ex revient là et elle te dit je me suis tellement fait chibrer depuis que je t'ai quitté, j'ai pris et je suis devenu accro. Ouais. Et écoute. Donc, mais je t'aime Guigui. Non, mais attends. Ah bah c'est gentil. Elle te dit je t'aime Guigui, j'aimerais qu'on reprenne notre vie de couple ensemble, mais je continue de me faire chibrer à droite à gauche. Et écoute, tu te feras chibrer à droite à gauche et ce sera sans moi. Non, ce sera sans moi.
pourrais pas ça. Et là, elle te dit oui, je te confirme, ça sera sur toi. Ne t'inquiète pas, tu n'assisteras pas au massacre de ma chatte. Massacre de ma chatte. Non, je pourrais pas. Pourtant, je sais qu'il y en a qui sont très ouverts et tout. Et moi, je respecte ça. Hein, parce que je me dis, même mentalement, il faut avoir une force intérieure qui est énorme. Ouais, faut se trouver, en fait. Mais moi, je sais que je pourrais pas. C'est impossible pour moi. Ah ouais. C'est beau le partage, nous dit Lefab sur l'appli Skyrock. Bon, après, c'est un partage un peu spécial. Mais pourquoi ça serait cette formule-là qui serait l'amour absolu, en fait? Ouais, chacun définit son propre amour absolu. Ouais, bah, un peu de philosophie en cette soirée. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Quand vous aviez parlé de ça, j'avais réfléchi après, parce que sur le début, j'avais pas compris. Mais j'avais réfléchi, je m'étais dit oui, parce que ça veut dire que tu acceptes que ton mec ou ta meuf, elle aille se faire plaisir ailleurs, ouais, parce qu'elle a envie de se faire plaisir ailleurs. Oui, mais pourquoi ça serait ça, l'amour absolu? Non, parce que tu tolères un truc qui, logiquement, fait du mal, parce que tu te sens possédé. Tu vois, quand t'es en couple, tu te sens possédé un peu l'autre. Ouais. Là, tu lui laisses la totale liberté, elle fait ce qu'elle veut, mais elle revient et vous aimez très fort, et voilà. Bah ouais, mais moi, pour moi. Non, mais moi, je ferais pas non plus, hein. Pour moi, pour moi, j'appelle pas ça l'amour absolu, quoi. Mais Steve, il est comme toi, il dit l'amour absolu, c'est être fidèle et bien sûr profiter l'un de l'autre avec des engueulades, mais aussi du sexe, etc. C'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, oui. Chacun son truc. Chacun son voie, c'est comme les. Oui, non, mais voilà, chacun se situe où il veut sur l'amour absolu. Et l'amour absolu d'IA, actuellement, c'est la branlette. Voilà. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de problème de coquille. Voilà. Et au moins, là, il y a. C'est très fidèle. Et Cédric, c'est sa queue de blaireau dans le cul. Il va pas te lâcher avec ça. Oh, ferme ta gueule. Et ta main droite, t'es jamais jalouse de ta main gauche, Guigui? Non, parce que pour le coup, les mains partagent entre elles. Il change. Ah, ouais, parce que tu te branles avec la main gauche. Non, ils aiment bien partager l'une avec l'autre, donc il n'y a pas de. Mais tu te branles, c'est comme si t'allumais un feu. Ah, mais c'est pas Koh-Lanta non plus. Non, frère. Et alors, ça fait des flammes. J'ai fait ça fait très mal à la bite. Moi, par exemple, je ne branle jamais de la main gauche, moi. Ah ouais, moi aussi, je suis. Ouais, pareil, j'arrive pas. Oh là, tu veux que je te branle avec ma main gauche? Non, merci, Cédric. Ma main, après, ma main à droite va être jalouse de toi. Ah ouais, bah tu peux me caresser la bite en même temps. Non, non plus, non. Ah, t'es bi, toi, Guy, alors? T'es bi? Comment ça, je suis bi? Ma droite et ma gauche, t'es bi. Non, même pas en plus. Non, mais quand je disais elle partage, la main gauche n'est pas jalouse. Ah, c'est non, ça. Non, mais essaye de frotter la bite. Moi, je l'ai fait, ça fait très mal. C'est bah oui, j'imagine. Ah, mais c'est super. C'est le bon conseil. Ça tourne la teub ensemble. Les gars, frottez-vous la teub. Ils disent, ouais, ça pue, tiens, sang. Non, mais il va pas essayer. Non, mais essaye, sérieux. Ça fait très très mal. Mais c'est tellement bon. Bon, bah écoute, merci, Loulou. Tu vas la voir à quelle heure? Ou t'es allé la voir déjà? Là, j'y vais dans 10 minutes, là. Dans 10 minutes, rendez-vous 23h30, donc. Bah écoute, éclate-toi bien. Et le mec, il est parti, puis il reviendra après. Voilà. D'accord. Voilà, il rentre pour la vider. C'est dingue ça. Et elle te raconte ce qu'elle fait avec son mec, genre elle fait l'amour après avec lui. Non, moi je. Ouais, toi tu. Et je t'ai demandé depuis combien de temps ils sont ensemble? Non. Ça doit faire longtemps parce qu'ils sont mariés en plus, donc. Oh, putain, ils ont des enfants? Ouais. Oh là là. Non, mais pour un peu, lui, il va faire pareil de son côté. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, bah, de toute façon, elle m'a dit qu'il faisait pareil. Tu vois, le mec qui. Tout le monde est content. Ouais, moi, il n'y a pas à juger, je trouve. Ah ouais, moi. Bah ouais, s'ils sont heureux comme ça. T'as les enfants majeurs, ils font pareil. Tout voilà. Non, mais si tu trouves ton équilibre là-dedans. Il n'y a pas à juger. Et en plus, ça te rend bien service, Loulou. Voilà. Ah, quand même. T'es content, ouais. Très bien. Bah écoute, merci à toi. Il y a des pervers qui nous écoutent. Il peut laisser son téléphone pour qu'on écoute l'auditeur. On a déjà fait ça d'ailleurs dans l'émission avec qui? Avec la routière sexy. Et puis, Colonel Charlie. Colonel Charlie. Ouais, mais Colonel Charlie, ça avait duré 2 secondes. Il s'était fait marrer. Ah oui, il était tombé sur une meuf qu'il dominait, mais grave. Oui. Mais bon, c'était marrant. Ah ouais, lui parlait mal. Ouais. Bon, merci Loulou, on t'embrasse. Éclate-toi bien, fais-toi plaisir. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous et reviens quand tu veux. Et si ça dure pas longtemps et que t'as fini avant minuit, n'hésite pas à nous envoyer un message pour nous dire comment ça s'est passé. Ouais, tu nous fais un débrief. Y'a pas de problème. Allez, on fait le débrief tout à l'heure. Allez, j'espère que. Faut te dépêcher, hein, faut gicler vite. Hein, non, mais Loulou. Le pauvre. Enfin, la pauvre aussi. Allez, bisous, Loulou. Et on t'envoie un t-shirt Skyrock à Orléans. Dans un instant, on aura Sonia en direct avec nous. Cathy aussi, je vous en parlais pour les sextoys. Et la double P avec un sextoy et une bite, c'est pour Jordan et Lara. Et puis, autre grand jeu, question pour un gros con. Juste après le son de Us et Ouais Renoir, qu'on écoute tout de suite. Foule. Ah ouais, t'avais jamais vu une bite qui bondait. Romano. Je suis magicien. Marie. Tu mets ça dans la cuvette. Cédric. C'est ça, ouais. Samy. À la limite, je te tends mes fesses. Karim. Les clitobites. Genre les meufs, tu sais, il y a des meufs, elles ont des clitos, c'est, t'as l'impression c'est une bite un peu. Guigui. Femme qui rit totalement dans ton lit. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, radio libre sur Skyrock, c'est en direct tous les soirs, 21h minuit. Il y a Pablo qui nous laisse un message et qui nous dit, rapport au petit débat qu'on avait eu juste avant d'écouter Mélanie là, le son de Us et de Ouais Renoir.
Dans la nature, aucun mammifère reste avec une seule et unique partenaire. Si je crois qu'il y a des animaux qui sont fidèles, bah pas beaucoup. Donc t'as pas tort. Je me demande si c'est pas les pingouins d'ailleurs. Les pingouins, pas pingouins. Les pingouins, ça a été déjà. Ils vivent en couple. En couple, mais homosexuel. Ah, couple d'hommes. Ou couple de femmes. Ou couple de... D'accord. Là, c'était prouvé scientifiquement. Des fois, en fait, ils vivent. Bon, tu sais, il y a eu des études de fait. Papa pingouin, il vit avec papa pingouin. Ouais, c'est ça. Il y a des pingouins. Eux, c'est. Dans leur communauté, c'est. L'homosexualité, on va dire, est tolérée. Ouais. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que les dauphins. Contrairement à certains pays. Oui, mais c'est vrai. Ouais, tu vois. Ouais, contrairement à la Russie. Ou les, oui, par exemple. Par exemple. Ouais. Enfin, les femmes dauphins, on va dire, les femmes. Les femmes, les dauphines. En fait, les dauphines. Les dauphines, comme les pommes. Elles savaient se masturber, en fait. Elles descendaient un peu en bas et elles se masturbaient. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Mais les chiens aussi, c'est incroyable. C'est hallucinant. Romano, ton chien, il se branlait, Mamette. Ouais, mais mes femelles aussi. Elles se branlent. Ouais. Sur les jambes de carriole, pas sur les miennes, mais des fois la grande, elle s'astique, elle se frotte la moule sur la jambe de carriole. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais Déline, elle me le fait, mais elle se frotte pas la moule, elle me prend dans ses bras avec, elle prend ma jambe dans ses bras et elle frotte tout son corps sur moi tellement je suis sexy. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, moi je sais pas si c'est la moule exactement, mais en fait par exemple carriole, elle est allongée sur le canapé ou sur le lit. Elle a les deux. Non, il y en a qu'une qui le fait. Elle se met le califourchon et tiens, elle se frotte quoi. D'accord. Ah mon chien, il se branlait, mais. Il giclait en plus. Ah ouais, giclait, ouais. Le pire, oui. C'était la sœur de carriole. Bon, c'est une famille de tarés. Hein. En fait, eux, ils avaient un chien. Bon, alors après, quand il était âgé, il avait un problème. Parce mignon, qu'en fait, quand il se branlait, tu sais, ça décalotait. Ouais. Et en fait, il n'arrivait pas à se recaloter. Oh. Oui. Et elle était obligée de lui pousser avec la main. Oh, ouais, Non, non, parce qu'il avait mal, en fait. Il a mal, c'est normal. Bah, oui. Tu sais, elle lui recalotait la bite, quoi. C'est pour ça que je suis très content d'avoir une femelle. Même quand tu la caresses, tu lui caresses le ventre, t'as pas une grosse bite à caresser. Ouais, quoi. Ouais. Ah ouais, putain, moi, mais même quand ça dort à côté de toi, gros. Aussi. Ouais, tu vois, quand elle dort à côté de toi, qu'elle est collée à trois, c'est mignon. Ouais, c'est ouais, d'accord. Voilà, tu dors pas à côté de grosses couilles. Ah bon, il avait les couilles noires, moi. On essayait de lui frotter, mais il aimait pas. Tu frottais les couilles? Bah, pour lui laver, tu sais, il avait les couilles noires à la fin de sa vie. Ouais, puis il gardait son caca aussi. De caca. Dans ses ampoules, là. Ah oui, il avait ça, il fallait lui vider le trou du cul. Ouais. Voilà. Bienvenue sur Skyrock. Donc, c'est un vétérinaire qui lui faisait. C'est la nature. Et comme le dit donc Pablo, la nature comme un mammifère avec une seule et unique partenaire toute sa vie. Donc l'amour absolu, on parlait il y a un instant, tolérer que sa meuf aille faire l'amour avec d'autres pour se faire plaisir parce que tu l'aimes tellement que tu as envie qu'elle se fasse plaisir. Ouais, mais là il y a le mec aussi qui le faisait. Donc, mais ça pue là, non? Oh, je crois que c'est mon ampoule rectale qui s'est pas vidée. Ah non, rien à voir. J'ai un problème d'ampoule rectale. Écoute, elle est pleine. Change-la, je sais pas. Fais Ouais, bien sûr. Viens me la vider. Non, je peux pas. Ah, mais pour la vider, il faut mettre ses doigts dans le cul. Oh après, là, oui. Ah. Ouais. Ah, ça pue la merde. Je suis un enfer. Le bon, allez, on a Cathy pour Jordan et Lara qui sont avec nous, qui sont en train de refaire la maison. Ils sont en train de bricoler ce soir en écoutant Skyrock. Vrai. Ouais. Jordan et Lara, donc tu posais la question des sextoys, et t'aimerais bien faire une double P, donc un god et ta bite dans ta chérie, dans Lara. C'est ça. Et il y a Cathy qui nous appelle pour témoigner. Ah ben là, coupé Cathy. Bon, on va te rappeler Cathy. Cathy qui voulait témoigner là-dessus. Vas-y, reprends-la Cathy. Qu'on lui passe, qu'on la prenne en direct. Et puis il y a Sonia, tiens, qu'on va prendre en attendant avec nous. Donc bougez pas, continuez à bricoler. À refaire la maison, Jordan. Soit je suis en train de boire une bière, donc dédicace à Marie, excusez-moi. Ouais, tranquille, le chantier. À la tienne. Ouais, les gars, il est plus de 23h, j'ai le droit de prendre une pause. Une petite pause. Et Cathy, donc, qui arrive là pour toi en direct du 92. Yes. Salut à toi, Cathy. Ouais, Cathy. Merci de ton message. Salut, Cathy. T'es où dans le 92, Cathy? Meudon. À Meudon. La forêt. Meudon la forêt. Très bien, c'est joli. Bon, alors Cathy, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que demandaient Jordan et Lara d'ailleurs pour les petits jouets, tout ça? Bah, déjà, si ils ont jamais fait la double P, comme vous le disiez bien. Toi, tu as tenté la boule de geisha. Ouais. Ah, a priori, t'as bien aimé. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu dis la boule, c'est les boules, non? En général, ça va pas ensemble. Ouais, c'est les boules. Moi, j'ai un long truc avec 8 ou 9 boules dessus. Et en fait, ça va de la plus petite boule à la plus grosse. C'est comme un collier, hein, pour ceux qui connaissent. Ah, mais non, mais toi, c'est plus un air de bœuf. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, ouais. Un air de bœuf. Non, parce qu'en fait, c'est une boule de keisha, mais étendue, avec plus de boules. Ouais, mais toi, c'est un fil ou c'est un truc un peu rigide?
Non, il est en latex justement. Il est ah oui, mais c'est ça, c'est un nerf de bœuf. Ah, donc c'est pas comme un collier. Ça s'appelle un nerf de bœuf. Oui, bon, c'est vrai que le nom n'est pas super sexy. Je me suis mis un nerf de bœuf dans la chaîne avec mes boules. Non, mais en gros, pour faire simple, c'est comme un god, sauf qu'en fait c'est pyramidal et en fait en haut t'as une toute petite boule et au fur et à mesure quand t'arrives à la base t'as une plus grosse boule. Mais pyramidal. Ça. Ouais, c'est fin en haut quoi. Ça. Ah d'accord. Et plus tu rentres, bah plus c'est large quoi. Et il y a une antenne comme les Égyptiens de Gims. Ouais, c'est ça exactement. Une antenne avec la Wi-Fi. Après tu peux capter un peu des radios. Ah tu captes. Ah c'est comme ça qu'on capte. Mais attends, pour te foutre ça, il met tout d'un coup. Mais non, mais tu les rentres les uns derrière les autres, Marie. Non, mais c'est pour les sortir les uns derrière les autres, non? Mais non, mais c'est. Après, pour les sortir, rigide. Non, parce que comme c'est. Boules, ça sort exactement. Comme ça rentre, quoi. Puis quand ça sort, ça dérange pas, ça fait pas mal. Et ça fait quoi? Au contraire, ça fait même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et franchement, moi, je trouve ça super agréable, tu vois, en fait, comme sensation. Et le côté pratique, c'est que quand tu arrives à une boule qui fait mal, par exemple, au début, bah, tu fais un petit signe et c'est que là, ça y est, faut qu'il s'arrête, sinon tu vas passer du plaisir à la douleur. D'accord, et tu vas ça fait un niveau de contrôle, quoi. Ça reste porte de la douleur, en fait. Voilà, c'est ça. Ah. Parce qu'au début, avant d'arriver à la dernière, quand t'as pas l'habitude, c'est pas dès la première fois. Ah, c'est genre ça, là, tu vois. Les 10, hein. D'accord. C'est ça. Ah ouais, j'avais déjà vu ce truc. Ah, ouais. En fait, ouais, ça s'appelle une chaîne anale, même. Une chienne anale. Une chienne anale. T'as déjà essayé une espèce de truc qui se gonfle, là? J'avais déjà vu une fois, ça. Non, j'ai pas fait. Moi, j'ai ce qu'il appelle le collier anal. J'ai un vibro, j'ai le martinet, j'ai les cordes de bondage. Ah, le martinet, c'est toi qui as la boule pour mettre dans la bouche. Ouais, c'est ça aussi. Bah, Cédric en a une aussi, ouais. Ouais, bah. Des fois, on lui met une pomme et du persil dans les narines. Ouais, mais toi, t'adores être soumise. Joli. À Cédric, on lui met ça quand on met dans la vitrine. Le dimanche, j'ai le boucher. En fait, il y a que toi qui l'attaches, toi, tu l'attaches pas ton mec. Il t'attache toi? Si, je l'ai déjà attaché, il aime bien aussi. Mais la boule dans la bouche, c'est pour pas que tu cries trop fort de plaisir. Ça, c'est la soumission. Ouais, voilà, comme les foules. Mais ça te donne pas envie de gerber, cette boule en cul? Ah, moi, tu mets une boule dans la bouche comme ça, je pense que je peux vous. Ah, ouais. Oh là, moi, tu peux me mettre tes deux boules d'ifoule, ça passe sans problème. Elle est pas en cuir, elle est en plastique, justement. Ah, c'est mieux, ouais. Elle est pas en cuir. Parce que je te disais qu'après, si tu bases dessus, tu vois. Boule de pétanque, boule de tennis, enfin, balle de tennis, je sais pas. Ah, moi, une paire de couilles, ça passe. C'est grave. Moi, j'ai une autre question. Quand vous faites ça, il t'insulte un peu, tout ça? Enfin, vous avez des. Je sais pas, des petites phrases, des trucs, comme t'es soumise. Une fois de temps en temps, mais il ose pas plus que ça. D'accord. T'aimerais bien, toi, te faire insulter plus? Ah, de ouf. Ah ouais, de quoi? Est-ce que là, on peut t'insulter un peu? Mais non, on a fait rien. Si ça te fait plaisir, c'est vraiment. Mais on est vraiment là pour notre service. Calme-toi, moi, je t'écoutais à l'époque où t'avais des cheveux encore. Hein. Ah, tu sais que j'en ai à nouveau? Eh oui, ils ont poussé. C'est une perruque, mais bon. T'es 21 ans, tu les as depuis 98 ans. Ah, bah attends! Il a tout du monde qui fait ça parle mal. Immortel, le gars. Ça parle. Et voilà, c'est ça. C'est à l'époque des becs génicaux, hein. Ouais, Romano, il avait des cheveux. Il se faisait des locks, d'ailleurs, comme Doc Gynéco. Ouais, pareil, ouais. Doc Gynéco, ouais. À l'époque. Qui c'est que je verrais pas insulter sa chérie dans l'équipe? Karim, non, je sais que tu le fais. Enfin, pas, ça peut pas avec. Cédric, Cédric, grosse pute. Je vois bien. Tu te prends pour un Américain. Mais non, mais c'est lui. Non, mais non plus, non. Ah oui, je me fais traiter de grosse chienne. C'est dans le sens inverse. Je suis la plus grosse à la première fois. C'est ça. Samy, ouais. Non, moi, sexuellement, rien ne me dérange, hein, franchement. Oh, cagole. Ouais, ouais. Guigui, je vois pas du tout à ça. Ah ouais, Guigui, oui. Ah non, pas du tout. Tu pourrais pas dire, salope, ma chérie, t'es une grosse salope. Non, tu vois. Sale chienne. Mais d'ailleurs, je serais même plus timide que ça. Non, mais je fais pas ça non plus, moi. Non, moi, je suis pas dans ça non plus. Hein. Non, plus, non, salope, chienne, machin, tout ça. Oh là là, tu n'es qu'une prostituée. Non, tu vois, je serais trop timide. Fille du diable. Oh, fille de Satan. Non, j'avoue, je suis pas trop dans le délire. Non, mais non plus, moi, j'adore insulter ma femme quand je la baise. Message de l'Algérien du 90. Un grosse pute, nous dit Ellie, là. Voilà, arrête, ça m'excite. Murphy 404, j'adore insulter. J'aime me faire insulter. Mais par contre, faut pas que les enfants entendent. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ah, c'est Clémence qui nous envoie un message. Ah ouais, t'imagines, t'as les enfants dans la pièce d'à côté. Maman, papa, il t'a appelé grosse salope. T'imagines. C'est vrai que ça la fout, c'est vrai que ça la fout mal. Et la double P, donc t'as essayé, Cathy, t'as bien aimé ou pas?
Ah, Cathy. Allô. Ah, c'est un peu tard. T'as bien aimé la Ah, ouais, non, franchement, c'est trop cool. C'est trop bon. T'entends, Jordan? C'est magnifique, ça. Bah ouais, c'est pour ça que je te dis, prends le collier anal, là, comme il appelle ça, Romano. Parce que justement, ta meuf, elle va kiffer. Et bah, au début, ça va être un peu compliqué d'aller jusqu'à la dernière si elle n'a pas l'habitude. Ouais, mais tu t'arrêtes quand t'as mal. Ouais, c'est petit à petit. Voilà, ouais, et quand elle sent qu'elle a mal, de toute façon, toi, tu vas le voir parce qu'elle va se crisper. Et quand tu vois qu'elle se crispe, tu retires d'une boule et hop. C'est bon, ouais, c'est tu vas doucement. Bon, voilà. Alors, t'es de douleur à ce moment-là, tu arrêtes. Faut tester. Toi, quelle Lara à côté. Voilà, mais c'est ça, en fait. Et je te conseille de mettre une capote dessus. Comme ça, ça glisse tout seul. Une capote et du gel. Voilà. Ouais. Toi, quelle Lara à côté, comment elle réagit par rapport à ça, Lara? Lara, elle est partie se coucher parce qu'on fait la maison à côté sur le terrain, tu sais. Là, elle avait plein de cul d'attendre. Donc, du coup, elle est partie se coucher. Ah bah, elle en avait plein de cul. Elle écoutera le replay demain dans la journée. Elle t'écoutera demain dans la journée. Exactement. Carrément, ouais. Bon, bah, merci en tout cas du témoignage, Cathy. Merci à toi. Hein. Et donc, ouais, merci de rien et qu'elle la chauffe bien, surtout d'abord. Merci du conseil. C'est très marrant. Oui, absolument. T'as découvert ça à quel âge? Ouais, t'as 32 ans. Toi, Jordan, tu nous as dit que t'avais découvert ça il y a 2 ans à peu près avec. Enfin, ça fait 2 ans que t'es nouveau avec ta chérie. Donc t'as 28 ans, t'as découvert ça à 26 ans. T'avais quel âge, toi, quand t'as découvert tous ces plaisirs, Cathy? Bah, moi, c'est quand je me suis mis avec mon homme il y a presque 11 ans. Ah ouais, t'avais 21 ans et tu découvrais tous ces plaisirs. Mais vous faites pas ça à chaque fois, à chaque fois que vous faites l'amour, vous faites pas ça tout le temps. Non, si, non. Hier, par exemple, on a eu une relation à peu près normale, quoi. Il m'a juste un peu étranglé parce que complètement normal. Ça, j'aime bien, moi, quand on me plaque, qu'on m'attrape le cou et que je manque légèrement d'air, j'aime bien. D'accord. Généralement, je suis excitée tout de suite. Ah bah c'est votre truc, hein, quand on se trouve avec ton... bah, continuez de vous éclater, Cathy. En tout cas, c'est bien, ça fait plaisir de vous écouter. Ah, tiens, et un message de Colonel Charlie qui me dit: je confirme, Cédric adore se faire insulter quand on baise. Bien sûr. Il me demande des insultes et des fessées. Et garde la paix, je veux. Une petite claque sur le cul, peut-être. Ah, c'est vrai. En même temps, Colonel Charlie, quand on l'a vu en ligne avec la meuf, c'est plutôt lui qui se faisait bien mettre à la main. Ouais, et là, à ce moment-là, sa grande gueule, il n'ouvrait pas. La meuf, elle le malmenait. C'est vrai, ouais. Ah, t'es soutenu par Romano, Cédric, ce soir. Merci. Et pourtant, on le sait tous. Je suis la plus grosse à la vie. Voilà. Merci. T'as vu, je t'ai défendu, mon chéri. Merci. Ouais. Tu montreras ta queue de blaireau. Ah, putain, il va pas te lâcher. Tu la foutrais dans la gueule comme ça. Bon. Tu la foutrais dans la gueule. T'appelles ça une fellation, Cédric. Ça se traduit bien. Bisous, Cathy, on t'embrasse. Merci à toi. Et bisous, bonne soirée. Et Jordan, si tu veux les motiver, tant mieux. Bisous, et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Meudon. Et Jordan et Lara. Bah, faut nous tenir au courant de la suite de vos aventures. Mais c'est quoi ce qu'on va faire? C'est que là, j'ai regardé un peu sur Amazon et tout ça, là, ce qui se vend. Ouais. Et comme ça, après, moi, j'enverrai un petit message à mon petit copain Samy. Et comme ça, après. T'inquiète. Vas-y, mais on fait ça. Rappelle, ouais. Et dès qu'on fait ça, et je vous rappelle, j'espère qu'elle voudra parler, la grognasse, mais c'est pas super. La grognasse. Bah, t'en profites parce qu'elle est couchée. Hein. Ouais, c'est ça. Méfie-toi, il y a les replays de l'émission. Hein. Oui. Oui, on l'embrasse. Je dirais qu'elle coupe à 30 minutes. Après, ça coupe. Voilà, c'est ça. On attend la suite. Bon, on te fait un bisou, Jordan. Merci super. À toi. Des bisous merci à ta chérie. Merci à vous. Petit message à Guigui. Petite meuf, hein. Petite meuf. Ah, ça, c'est la phrase de Tifou, ça. Ah, Guigui. T'es en train de matrixer beaucoup de monde. Petite meuf. Non, c'est petite meuf, et ensuite, effectivement. Voilà, c'est ça. Bah, voilà, c'est le combo. Merci à vous, en tout cas, l'équipe. Bisous à toi, Jordan. Ouais, bisous, Jordan. Tu tombes sur une dominatrice. Ouais, je me connais bien, Guigui, sur lui. Froid, là, ouais, ça. Ouais. Oh, t'es un ouf, t'es un ouf. Ça a une croix de Saint-André. Ouais, c'est en train de déborder. Là. On dépasse les bornes. Et elle te met ta queue de rat dans le cul, comme on avait dit tout à l'heure avec Romano. Ouais. Putain, mais t'en as des idées là. Ah, toi, c'est vrai que tu veux. Non, mais c'est pas moi, c'est Romano la queue de rat. Ah non, c'est même toi qui as demandé. Ah non, c'est lui qui a dit que. Ah ouais, Guigui, en fait, il demande des trucs après. C'est la faute de Tifoul. Voilà, moi j'ai ma queue de blaireau. Oui, t'es content, Cédric. Bon, dans un instant, on prend Ryan. Allez. Ryan est sur la route, on peut le garder avec nous. Vas-y, on speed. Allez, on prendra Ryan dans un instant. On va faire question pour un gros con parce que vous demandez le grand match, l'intelligence, la culture, le savoir. Ah oui, oui. C'est maintenant ou jamais. C'est un peu votre baccalauréat à vous, tous les deux. It's now or never. C'est parti. T'as pris ma question, Manu, elle est bien. Oui, bon, c'est pas non plus la question du siècle. Hein. Tu y allais bien. Elle est géniale. Je suis sûr que tu vas les deux. Mais si, c'est une question de Tifoul, elle est géniale. De quoi? Sur le truc que tu m'as écrit là? Ouais. Sur la question d'orthographe? Ouais.
Oui, bon, c'est pas non plus. Si, elle est géniale. Ouais, bah, je vais poser celle en premier, tiens. Ah, oulala, comme ça, on va évacuer ce machin. Bon, allez, question pour un gros con. C'est l'heure du match, donc. En ce jour d'examen, il y a des bacs pro, il y avait le bac de philo aussi. Ouais, exact. Il y a les bacs à glaçons. Exactement, oui. Oh, les bacs à sable. Il y a des bacs à sable. Sable. Ah, il y a la bac de nuit aussi. La bac de nuit, exactement. C'est la bac de nuit. Et il y a question pour un gros con. Ouais. Romano, le présentateur. Bonsoir. Et ses deux candidats préférés, Karim et Cédric. C'est vrai, j'ai toujours les deux mêmes candidats. Les moi. Deux cerveaux d'équipe. Ouais, non, ouais. Non, non, la semaine dernière, t'avais Guigui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça varie un peu. Qu'il était là, ce con de Guigui. J'ai gagné. En plus, il est à côté de moi. J'ai gagné. Il est toujours aussi con. Il a gagné. Bon, Cédric, tu étais gros con la semaine dernière. Qui sera le gros con ce soir? C'est ce qu'on va découvrir. En direct, tout de suite sur Skyrock dans Question pour un gros con. Et je vous dis bonsoir. Ah ouais, bonsoir. Bonsoir. Ah, et vendredi, et le vendredi, il y a le bac de français. Et voilà. Oh là, et le bac à glaçons. Bac de français, 15 000 euros aussi. Et le bac à sable. Eh oui, oui. Grosse journée vendredi. Eh ouais. Grosse journée. Et le bac à merde. Aussi, ouais. Alors, il y a le bac à légumes également. Oui, merci. Ça, on va plus s'en sortir. Alors. Ah, bonjour, bonjour. Oh, je colle le bac. Alors, bon, alors, question pour un gros con. Un jeu de culture générale. Le but du jeu, atteindre 5 points pour offrir le titre de gros con à son adversaire. C'est ouais. Ça. Ouais. Des questions dans tous les domaines, hein, mais avec un niveau quand même relativement limité, ou 0, CM2, voire 6ème. Oh, grand match. Nous, on n'est même pas au brevet, nous. Ouais, non, non, on n'est pas au brevet, nous. On est, alors, le bac de français, le bac de. Ah, pour, on en est loin. Le bac à glaçons, on en est loin. Le bac à légumes. C'est ça. Alors, pour répondre aux questions, c'est tout simple. Il faut crier votre prénom, Cédric. Te souviens-tu de ton prénom? Cédric. Non, Cédric. Tu t'appelles Cédric. Ouais, ouais. Alors, Karim, quel est le tien? Karim. C'est très bien. Karim. Alors, lorsque vous avez la main, vous avez 3 secondes pour répondre. Ouais. Et si vous criez avant la fin de la question, je m'arrête tout net. Et à ce moment-là, c'est vous. Tout net. Ah, il y a tout le Bacalgaro. Voilà. Bacalgaro. Merci le Tourangeau. Merci Venom. Merci Kinis. Merci Léa. Oh là, le bac à glaçons et le ouais, bac à liaons. Ouais. Voilà, c'est bien. Alors, on va pouvoir y aller, je crois. Allez, vas-y. Alors, Samy est à l'arbitrage. Bonsoir, je suis là. Et au chronométrage, ouais, 3 secondes pour répondre. Hein. Exactement. Marie, tu fais quoi, toi? Moi, je suis à la brasserie. Ouais. À la brasserie. Je suis allé bien, mais à moi. C'est ah, de la brasserie. Ouais, alors, ce soir, j'ai fait une cuvée du bien, de la bière au mucus. Ah, la vie aux amateurs. Ça pas marre. Gigi est là, posée. Voilà, je suis posée, je regarde. Dans sa petite chapelle. Voilà. Il est dans sa chapelle. Tranquille. Dans sa sur sa croix de sa tombe. Voilà, c'est ça. Également dans sa cabine à masturbation. Voilà, c'est mieux ça. Difoul est le superviseur général. Attention. Voilà, supervise. Deux candidats, des questions, un seul gros con, c'est question pour un. Gros con. Alors attention, on est ensemble. Et voici, attention, exceptionnel. Ah, voici, si vous passez le bac français, écoutez bien. Voici. C'est exceptionnel. Attendez, je vais quand même mettre une musique. Ah, il y a une musique exceptionnelle. Elle est là, elle arrive. Voici la question. Ah, c'est bien ça, la question exceptionnelle. Génial. C'est la question de Monsieur Difoul. Ouais, question exceptionnelle. Bravo. Vous allez voir la gueule de la question. Alors, attention. Non, mais viens, c'est une question. Question. Pas con. Je crois que vous n'êtes pas prêt. Oui. Là, c'est une question orthographe. Vas-y, Marc. Vous dire, si vous êtes sur la Cédric route, fait une faute par mot. Et... Arrêtez-vous. Oui, au moins. Si vous êtes debout, asseyez-vous si vous n'êtes pas prêt. Comment écrivez-vous le mot monsieur? Karim. Cédric. C'est quoi cette merde? M-O-N-S-I-E-U-R. C'est éclaté la question. C'était la question. C'est éclaté. Mais ça, c'était ta question. C'est ça la question? Mais c'est ta question. Ah, t'es sérieux? Ah ouais, gros. Moi, je vous avais prévenu. Cédric, tu l'aurais écrit M-E-S-E-U-R. Non, bah, ça va, je sais pas. C'est nul, mais c'est nul. Alors, Guigui, vas-y, pose une question. Non, mais attends, j'en ai envoyé un million, moi, ce soir. Je peux dire qu'elles sont à un niveau supérieur. Carrément. Tu les récupères sur les réseaux, c'est les auditeurs qui renvoient. Et alors, c'est pas grave. Bah écoute, on va continuer à lui demander. Vu qu'on voit la question, elle est claquée, on met le point à Karim quand même. Ah bah ouais, gros, attends. Monsieur, comment l'écrit monsieur? Cédric l'écrit. Alors la semaine prochaine. M-O-S-S-I-E-U. Ouais, bien sûr. Bon, alors, la semaine prochaine, si vous avez un indice, révisez, il faudrait écrire le mot madame. Non, mais... le mot voiture. Mais putain, c'était chaud là, du coup. Ça reste entre nous. Mais Cédric, je suis persuadé que t'aurais pris la main. T'aurais pas dû répondre, Karim. Il prend jamais la main. J'ai écrit un monsieur. Ah oui, c'est de sa faute.
Voilà, c'est ah, non, elle était géniale, drôle. Non, mais j'écris un monsieur, t'es gentil. Exceptionnelle la question. Ah, là, monsieur. Ouais, j'écris madame aussi. M-E-U. Bon, allez, une question sport. C-E-U. Alors, on va te passer une autre question du coup. Alors, une question. On peut la refaire ? Non, mais tu sais qu'il y a le Fab. Non, mais tu sais qu'il y a le Fab, il dit que ça, c'est au moins une question à 3 points normalement. Voilà. Il est bien le Fab. Parce que le juif. Mais le juif finit. Le jeu est plié là. C'est ma question. Alors, oui, bah, ça, on va pas s'en remettre là. Alors, une question football, une question euro. Citez chacun votre tour un pays qui participe. C'est vrai que tu commences. La France. Ouais, la Belgique. Voilà. La Belgique. J'ai déjà dit, hop, t'es baisé. Alors c'est à mon tour. C'est incroyable. C'est à mon tour. L'Espagne. T'es baisé. Voilà. T'as fait comme moi, gros. T'as fait comme moi, c'est tu viens de le dire, mais en. J'ai fait exprès de dire Belgique. Non, je croyais pas dire. Non, je croyais pas dire trois trucs. Non, c'était chacun votre tour. Alors après, si tu ne comprends pas la langue française, effectivement, ça va être compliqué de jouer. Et après ça, tu sais écrire monsieur. Mais là, tu dis des trucs à la gueule pendant que tu poses des questions. Mais non, je l'ai fait avant et j'ai fait après. C'est pas vrai, t'es un menteur. Une fois que t'avais la main. Il y a un menteur, le petit Jésus te regarde, il va te punir. Alors là, c'est. Alors, Cédric. Vas-y. Je t'explique, parce qu'a priori, tu ce soir particulièrement mal comprenant. Mais... Donc là, ce n'est pas une question. Chacun votre tour, c'est une question. Il faut citer trois choses. Ah, voilà. Citer. Ah. Voilà. Trois opticiens. Cédric. Karim, tu commences. Non, mais de toute façon. C'est, tu commences et tu finis. Ouais, tu commences. Chris. Si jamais il trouve. Atoll, Optique 2000. Optique 2000. Bonne réponse. Bonne réponse. Bip, bip. On est où? 3-0. 3-0. Ah, vite, déjà, ça va trop vite. Il y avait aussi Optique 2000. Optique j'ai dit, j'ai dit. Ouais, non, mais toi aussi, Général d'Optique, tout ça. Bon. Général d'Optique. Ouais, par exemple. C'est pour les militaires. Non, non, c'est pour les gens qui veulent comme ça le lunette. Ah, c'est pas pour les généraux, non? Non, non. Général Richou. Eh oui. Alors. Maintenant, une question. Chacun votre tour, Cédric. Ah, ok. Donc, chacun son tour. Et il ne faut pas répéter le même mot que va dire le monsieur en face. Alors, citez chacun votre tour des jeux de plage. Karim. Wow, ça va partir loin. Le beach volley. Oui. C'est bon. 3. Le juge, les châteaux. C'est bon. Des châteaux. Ouais, châteaux de sable. Les châteaux. Ouais, c'est un jeu. 3, 2, 1, 3. Le tennis. C'est bon. Le frisbee. C'est bon. Ah ouais, bien. Là, t'es pas trop con. Le foot. C'est bon. 3. La pétanque. 2, 1. Ouais, c'est bon, on accepte. Ouais, avec les gamins, je jouais des trucs. On accepte. Parce que Karim, il a dit tennis alors que c'est raquette normalement. Oui, oui. Bon, non, mais bon, on accepte. On accepte. Bah, le beach tennis, c'est pas comme ça que ça se dit, non? Là, tu inventes un sport, quoi. Non, le beach tennis. Allez, enchaîne. Je te dirais, tu sais, la planche. Tu sais, les petites planches, là, quand tu vas au bord de l'eau, là. C'est pas un jeu de plage. Là, mais ça, il faut un nom, en plus. Le surf, c'est un jeu de plage, les gars. Voilà, oui. Bon, ok. Il a dit la planche, les gars. La planche, c'est le surf, ton jeu surf, pareil. Ah, une planche de surf, voilà. Bah oui. Ah ouais, frère. Non, mais ça passe. Ah, ouais, mais non, la planche de surf, c'est dans l'eau, c'est pas dans la plage. Ah, mais c'est à la plage, oui, connard. C'est, plage, c'est pas à la montagne. On sera du genre avec. Bah, jet ski alors. C'est ouais, bon, ouais, on jet ski. Ouais. Du pédalo. Pédalo. Oh là. 3. T'aimes bien le pédalo, Cédric, toi? Je te vois bien sur le vélo. Vélo, accepté, bien sûr. Vélo. Bah, il y a quoi, bike? En plage, il y en a qui font du vélo. Ouais, à quoi, bike? 3, 2, 1, Samy, là, faut se réveiller. Parachute ascensionnel. Oui. Là, 3. Ok, du roller. 2, 1. Du roller sur la plage. Roller sur la plage. Ouais, c'est ça, les gars, vous faites quand du roller sur la plage? Et là, mais quel roller sur la plage? Du parachute. Bah oui, c'est pareil. Non, c'est toutes les activités que tu fais à la plage. Non, mais du roller sur la plage. Sur le sable, du sable avant. Mais sur le sable, non, ça marche pas. Le roller sur la plage. Mais le parachute non plus dans ce cas-là. Et si, le parachute ascensionnel. T'as déjà fait du surf sur les gars, sur le sable? Là, quand mais tu surfes, t'es dans l'eau. Tu fais pas du roller dans l'eau, Cédric. Mais tu fais pas du roller dans. Mais non, mais ça rapporte pas ascensionnel, tu peux partir de la plage. Non, mais ça passe. Ouais, mais dans ce cas-là, le surf, c'est dans l'eau et c'est un truc. Vas-y, de la plongée, gros. Tu fais à la plage, vas-y, roller, la plongée. Enfin, roller, plage. Non, mais le roller, ça marche. Plongée, vas-y. Vas-y, c'est avec un autre. Ça part en couille, là. Mais t'as fait du roller sur la plage. Vas-y, on va faire moi. Plongée, dis full, t'essaieras cet été, tu nous diras. Ah, mais... Les gars, le temps, gros. Allez, t'as dit quoi, toi? De la danse. Ça va trop loin. Chulé, dans le sus. Ok, vas-y. C'est bon. Non, c'est un jeu de cartes. Mais la capoeira, ils en font genre bord de plage. Ouais, mais ça va trop loin. Non, 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 ça va trop loin. Déjà, après, je vais dire de la guitare parce qu'il y a des mecs qui font de la guitare. Il y en a qui font. Il y en a qui jouent du djembé aussi. Ouais, tu vois, du diabolo. Combien de fois il y a des mecs qui jouent de la guitare? Non, non, mais là, ça suffit. Et déjà, le roller, c'est des limites. Le roller, déjà, ouais, le roller sur la plage. Non, mais c'est. T'as déjà vu des gens faire du roller en bord de plage? Mais si, en bord de plage, les gars. Non, mais attends, bah, dans ce cas-là. La passage. Quoi, le. Ah, c'est la côte, ouais. Dans ce cas-là, l'apéro aussi. C'est un jeu. Dans ce cas-là, dis-fous le délire.
début, ce qu'il disait, c'était pas bon. Après, à force de parler, les 3 secondes passent et l'un ou l'autre, ils entendent. Exactement, Marie, ça c'est bien dit. Merci, Marie. Non, mais c'est vrai. Une intervention direct du bar. Bravo, Marie. Non, mais Samy, t'as une assistante de connexion. Ah ouais. Alors, on en est où? Eh ben, il y a 4-0. Et je crois que c'est l'heure. Ah, c'est déjà l'heure. Charade. Alors attention, c'est de longues charades. Hein. Là, si vous trouvez, vous êtes fort. Vas-y. Alors, mon premier. Elle fait la doucement, gros. Oui. Alors bon, le premier, vous devriez trouver sans grande difficulté. Mon premier est l'animal qui fait hi-han. Mon second est la première voyelle. C'est un castor. Mon second est la première voyelle de l'alphabet. Mon troisième est qualifié de gros dans le titre du jeu. Mon quatrième est la traduction de oui en russe. Mon cinquième est le double de un. J'ai trouvé. Mon sixième est la première syllabe du mot firme. Mon septième est la copine de Mickey. Mon tout est le nom. Karim. Vas-y. Anaconda de Firmini. Bonne réponse. Et bim et bam et boum. Firmini est une très belle ville du 42 qui m'a donné naissance. Oui, c'est ça. Ben, l'anaconda de Firmini, c'est Difool avec sa bite. Exactement. Anaconda de Firmini, parce que Anne. Oui, bah, qui, l'animal qui fait yan. La première lettre de l'alphabet. Ah, oui. Oh merde, j'avais mis B. Eh oui, c'est con. Mon troisième est qualifié de gros dans le titre du jeu. Bah, c'est con. Mon quatrième est la traduction de oui en russe. Da. Mon cinquième est le double de un. Deux. Mon sixième est la première syllabe du mot firme. Fir. Mon septième est la copine de Mickey. Mini. Anaconda de Firmini. Et Karim a gagné. Et bravo, Cédric. Voilà. Tu es encore une fois gros con. Bravo. Bien joué, mec. 5-0 aujourd'hui. C'était rapide, hein, la question pour un gros con. Et c'est vrai qu'il faut faire du roller sur le sable. Arrêtez-vous, les gars. Avec sa queue de castor. Non, mais par exemple, à Marseille, là où tu fais du roller, le skatepark. Non, mais il est sur la plage. Je sais pas si tu veux dire. Dans la plage, il y a du sable. Donc voilà. Mais dans ce cas-là, on refait le surf, il était pas bon. Bah oui. Ah bah ouais, c'est génial. Si, sur la plage, il y a la mer. C'est l'eau, la mer, la plage. Mais c'est pas le sable. Mais le roller. C'est pareil, si, parce que dans l'eau, tu marches sur le sable. Il est sur le sable. On a dit jet ski, il y a eu tennis. Bah, jet ski, tennis, si, toujours tennis, jeu de plage. C'est raquette. Ouais. Bah oui, bah oui. Oui, bon, c'est une sorte de tennis. Non, je trouve que. Bon, à part l'arbitre qui est quand même à la ramasse ce soir. Les jamais vu un skatepark sur une plage. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Le passage qui est au bord de mer. Là où les gens font du roller. C'est parti de la plage pour les gens. Bon, allez, question pour un gros con. En italien, on appelle ça la passaggiata. Voilà, passaggiata, c'est pas la plage. Tu fais du roller. C'est pas la spiaggia, c'est la passaggiata. Du roller bléda. Prochain, question pour un gros con, mardi prochain sur Skyrock, soyez là. Ne loupez pas le rendez-vous. Et bravo Cédric, et bravo Karim. Et bim. Ryan en ligne avec nous. Ah oui, sur la route, Ryan. Ryan en direct, bah, je sais pas où t'es sur la route, mais en tout cas, t'habites à Lille, toi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Salut Ryan. Coucou, comment Ryan. Va oui. Salut Ryan. Comment ça va l'équipe? Bien, bien, bien. Prends ton téléphone, prends ton téléphone pour comprendre bien. Vous m'entendez bien là? Non. Non, très très mal, gros. Bon, t'as 23 ans, Ryan. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, pardon. Voilà, et Romano va vomir. Non, mais c'est l'émotion de la fin du jeu. Ah, c'est qu'il se comprend un gros con. Parle bien fort. Ouais, quand on entend bien, Ryan. Qu'est-ce qui t'arrive, Ryan? Bah, en fait, j'ai une situation un peu délicate et complexe à expliquer. Oui, alors fais-le vite, parce que on m'entend mal. En attendant, est-ce que quelqu'un peut rappeler Loulou, il a fini de baiser? Oui. Déjà? Voilà, Loulou, donc, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. On l'a eu à combien de temps? Loulou d'Orléans, bah, il avait rendez-vous à 23h30. Il est allé voir femme du mec qui est au courant qui baise. Ouais, c'est ça. Et le mec, ça le dérange pas du tout. Non, non, lui, il est parti en baiser une aussi. Et donc c'est fini. Alors, Loulou, comment c'était? Attends, là. Allez, on va pour l'instant, attends. Ah, mais il est peut-être encore un peu occupé. Non, mais c'est lui qui a envoyé. Ah, mais si, on l'a trouvé, c'est bon. Ah, Loulou! Allô? T'as déjà fini? Oui, Loulou! Bah oui! C'est allé vite. Bah bon, une demi-heure, ça va. 28 minutes, puisqu'il est 23h58. Ça va. Ouais, bah oui. Bah oui. Ça y est, t'es. Ça qu'une fois, toi. Ouais. Ça y est, t'es vide là. Là, je suis vide là. M'a mis à sec. D'accord. Tu lui as fait quoi? Ah bah, elle m'a sucé, puis je lui prends le vrai, et puis voilà. Ah, sucé. Et pas... puis voilà. Mais t'attendais, elle était toute nue ou? Bah, elle était nue sous sa robe. D'accord. Donc elle avait une robe. T'es arrivé. Vous avez même pas discuté un peu ensemble, pris un petit verre, boum direct. Voilà, boum direct. Mais tu nous as dit, tu l'as arrivé, elle t'a sucé direct. Tu l'as qu'est nous là? Ouais. Chez elle. Là, on a été en extérieur, là. Ah, pardon. Ah, oui. D'accord. Ah, c'est pour ça que c'est rapide, bah oui. Oui, en extérieur. Bah oui, il y a monsieur chez elle, donc après, c'est chaud. Mais c'est quoi, tu l'as niqué genre dans la rue?
Non, dans un petit chemin, quoi. Ah, ok, d'accord. C'est bien, c'est bucolique. T'as calé la voiture et hop, bim. Y a pas de voisin, ça va, parce que. Non, mais c'est. Non, y a pas de voisin, y a rien. D'accord. Ouais, mais c'est mieux, oui. Et donc, donc vous êtes, tu l'as prise où? Tu l'as prise chez elle ou vous êtes donné rendez-vous directement vers le petit chemin? Je l'ai prise et après on a été au chemin. D'accord, donc hop là, elle est montée dans la voiture, vous êtes allé dans le petit chemin. Là, elle était toute nue sous sa robe, vous êtes posé, vous êtes allé derrière un buisson, vous avez fait quoi? Ben non, elle était assise dans la voiture, moi j'étais au niveau de la portière avant, et puis là, elle a commencé à me sucer, et puis après elle s'est retournée, et puis ben voilà quoi. D'accord, et vous avez fait votre affaire, et après tu l'as redéposée chez son mari? Ouais. Et ah putain, ça a été vraiment rapide. Et l'autre, il attendait à la maison? Tranquille. Oui, voilà. Ok, et il savait qu'elle était avec toi dans un petit chemin? Voilà, tout à fait. Tu vas regarder la télé. Il est marrant leur couple en fait quand tu réfléchis. Hein. Oui, mais bon, tu vois, lui, il doit se taper, c'est des meufs délire, aussi, il est content, tu vois. Bon, non, mais il se trouve bien comme ça. Non, mais t'imagines quand elle se prépare, elle met sa petite robe, elle fout pas de culotte, elle dit bon, bah, je vais me faire baiser, je reviens dans une demi-heure. Bah, peut-être que lui, il fait pareil, hein, il met peut-être pas de culotte. Hein. Ouais, c'est vrai, il a pas de culotte non plus. Mais c'est vrai que c'est particulier. Non, mais c'est vrai que bon, quand tu. Quand t'as un couple, on va dire traditionnel, classique, tu trouves ça bizarre. Ça peut être surprenant. Bah oui, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. Bah imagine, tu rentres tout à l'heure, Romano, et Cariol te dit bon, j'ai mis une petite robe, je suis nu dessous. Ouais. Et je reviens dans une demi-heure. je vais me faire baiser dans un chemin. Ouais, bah ouais. Ferme la porte, elle rentre. Je t'accompagne. Voilà. J'aimerais pas quand même qu'il t'arrive une bricole sur la route. Je vais attendre au bout du chemin. Voilà. Éventuellement, le mec va se manger un coup de pare-choc par erreur. non, mais moi, c'est pas mon délire du tout. Après, moi, je respecte. Mais moi, je pourrais pas. Je pourrais, non, je pense pas que je pourrais, pas, en tout cas pas aujourd'hui dans ma vie, mais je pense que si j'étais depuis très longtemps avec quelqu'un. T'inquiète pas, Marie, ça ne risque pas d'arriver. D'accord, je te remercie, Romano. Mais si j'étais depuis très longtemps avec quelqu'un, tu sais, je vieillissais un petit peu avec la personne, je me faisais un peu chier, si on était d'accord tous les deux, je pense que c'est un truc que je pourrais faire. Écoute, moi. Parce que je pense que l'amour, ça évolue, c'est différent, tu vois. Ouais, moi, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, après, je le ferai pas, hein, par contre. Ouais, bon, après. Ouais, que les gens le fassent, je trouve ça. Ah, mais moi, le nez par un autre mec, alors je reste à la maison. Mais c'est que je trouve ça limite mignon. Bah écoute, chez les autres. En tout cas, il se trompe pas, donc bon. Ouais, il y a pas de trompage. Et c'est ce qu'on disait, c'est après faut quand même être être solide, quoi, de savoir que ta meuf elle te dit au revoir pour aller se prendre un coup de bite d'un autre. Ouais, mais si lui il est content de faire la même chose de l'autre côté. Bah j'espère pour lui, hein, lui il est content, il est avec son pyjama chez lui. Non, mais si voilà, tout le monde est heureux comme ça. Avec quoi, couillon devant sa télé, il est content pendant que sa meuf se fait déboîter dans un chemin. Bah c'est le bonheur. Ça va. Et toi par exemple, Loulou, t'accepterais si t'avais une meuf comme ça? Non. Ouais, ah ouais, tu vois, bah oui. Non, moi je suis hyper jaloux, donc non, je pourrais pas. Ouais, la meuf des autres, ça passe, la tienne. Ouais, c'est ça. Ça passe moyen. Là, quand ça même. Va, ouais. Bah, je me dis, ça fait un mois que je suis célibataire, donc j'ai plus envie de me prendre la tête. Ouais, non, t'as raison. Toi, écoute, non, mais c'est cool. Elle est contente. Lui, il est content. Est content. Toi, t'es content. Tout le monde, il est content. Tout le monde se fait plaisir. Et bah, la vie est belle comme ça. Et bah, écoute, merci, Loulou, du témoignage. Mais y a pas de quoi. Merci. T'as tenu ta promesse. T'as promis de nous rappeler juste après. Donc, après le petit tour dans le petit chemin. C'est ça. C'est mignon. Voilà. Et bah, rentre bien. Et la meuf, elle va rentrer. Elle va embrasser son mec après t'avoir sucé. C'est le message de Nick, 28 ans. Bah, elle se brossera les dents, quand même, je pense. Bah, on l'espère. Hein. On le souhaite, ouais. Monsieur. On ne se brosse pas les dents, c'est plutôt on l'espère. Le excellent, on l'espère, mais ouais. On l'espère. Donc, dans l'équipe, vous n'êtes pas trop chaud là-dessus, hein, Samy? Non. Karim, non, pas trop. Non. Pas du tout. Cédric, ta meuf, elle rentre, elle te roule une grosse pelle, elle sent le sperme, non? Oh, ça dit donc, tu sens bon de la bouche ce soir. Ah, là, vraiment, j'aimerais bien prendre ton dentifrice. Et Guigui, non? Ah, non. Fais-moi un bisou, ma chérie. Tu as la bouche un peu collante. Oh ben. Ça pue un peu d'ailleurs. Ça sent la pisse et le sperme, c'est bizarre. Non, surtout pas. Merci Loulou, on te fait des bisous. Bisous et bonne nuit. Bisous à toi, bonne nuit. Bisous. Bon, je pense qu'on retrouvera. Ryan, on l'entend vraiment pas, donc ouais, je pense qu'on le retrouvera demain. Demain, Ryan, si tu veux. Ouais, on t'entendait vraiment pas, donc c'est vraiment compliqué pour te passer en direct. Donc demain, on est là dès 21h. Soyez là, 21h minuit. Radio Libre sur Skyrock, la plus grande radio libre de France. Ouais. C'est tous ensemble, tous les soirs. Demain matin, le morning, on se réveille dès 6h. À 5h du matin, c'est le morning best avec Mehdi. À 3h du matin, c'est Tim en direct. Et puis là, tout de suite, c'est parti avec Corentin, Urban Music Non-Stop. Restez bien sur Skyrock, passez une bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain, bisous. Ciao. Ciao. Allez, salut.